Et bien salut à tous amis, c'est l'ICFoot. On se retrouve aujourd'hui les gars pour un nouveau live bien sûr. La Ligue 2 toujours avec Bordeaux, Laval, le début de la 36ème journée de Ligue 2. Match qui commence non pas à 15h mais à 14h45. Voilà, des fois la LFP ils font des petits trucs de dingue. Ils nous ont mis Grenoble contre Rodez le vendredi soir, on sait pas pourquoi. Là c'est pareil, ça commence un quart d'heure avant. Je sais genre pas pourquoi, peut-être qu'il y a une vraie raison. En vrai les gars, peut-être que vous le savez, mais en tout cas moi j'en sais rien. Mais bon, faudra juste pas se tromper. Et du coup voilà, Bordeaux contre Laval au Matmut Atlantique, bien sûr un match capital pour les Bordelais, dans lequel clairement ils ont pas le droit à aller. Comment ça va les amis, est-ce que vous avez passé une bonne matinée, tout ça, bienvenue à ceux qui sont là, bienvenue Drazok, bienvenue Yanis, Joff, bienvenue à toi, bienvenue Kouarou, l'immigré parisienne, Lizzie, Lorenzo, Liam, bienvenue Maduf, Ratchev et Shan, bienvenue à tous ceux qui sont présents. Comment vous allez les gars pour le début du coup de la 36ème journée de Ligue 2, enfin non, tu vois c'est l'habitude, mais non, c'est pas le début de la 36ème journée de Ligue 2, la 36ème journée de Ligue 2 elle a commencé vendredi soir hier avec Grenoble-Rodez où il y a eu 1-1 entre Grenoble et Rodez, mais je suis tellement pas habitué qu'il y ait des matchs comme ça que je croyais que c'était le début, mais non c'est le deuxième match de cette 36ème journée de Ligue 2, tout à l'heure on aura un multiplex avec que entre guillemets 7 matchs et non pas 8 matchs comme d'habitude. Et il y aura un match le lundi comme d'hab, mais c'est vrai que ce match Grenoble-Rodez il est un peu tout décalé quoi. Bienvenue en tout cas à tous. Effectivement, Razox, salut, Lizzie, ça va nickel. Je vois des Allez Laval déjà dans le chat, je vois qu'il y en a voilà, qui supportent déjà leur équipe, ça fait plaisir. Salut Mohamed aussi qui nous rejoint, comment tu vas? Bienvenue à toi. Et voilà du coup les amis, nous sommes dans un très gros match, hein. Bordeaux-Laval c'est vraiment un match ultra important. On arrive, voilà, hein, si on compte cette journée là, il reste plus que 3 journées pour une équipe comme Grenoble ou pour une équipe comme Rodez. Enfin bref, pour les deux équipes qui ont joué hier, il ne reste plus que 2 matchs. Ça veut dire qu'après ce match, Bordeaux et Laval, ils n'auront plus que 2 matchs à jouer. Et ce match il a un enjeu énorme, encore plus vu ce qui s'est passé il y a une semaine où les Bordelais n'ont pas gagné tandis que Metz a gagné. Et ben on va voir au classement quelles ont été les répercussions et pourquoi est-ce que là il faut absolument gagner pour les Bordelais chez eux au Matmut. Allez les gars, on va aller voir tout ça et on va commencer du coup l'avant-match avec le classement de Ligue 2. Hier, comme je dis, il y a eu un partout entre Grenoble et Rodez. Rodez est donc à 1 point d'Amiens, à 3 points de Saint-Etienne, ils sont 13e. Grenoble, eux, se reviennent du coup à 1 point de Sochaux. Voilà un peu pour ce qui s'est passé hier rapidement. Et nous, le match qui nous intéresse, c'est bien sûr Bordeaux-Laval. On va d'abord parler de l'équipe à domicile. Bien sûr, les Bordelais, je pense que c'est le plus gros enjeu autour de Bordeaux. Mais vous allez voir que Laval aussi, hein, les amis. Bordeaux. Ils sont deuxième avec 66 points, les Bordelais, ils sont à 5 points derrière le Havre. Ils peuvent mettre un peu la pression sur le HAC qui va jouer face à Valenciennes. Valenciennes qui est aussi une équipe qui joue le maintien, bref on va en parler hein, de tout ça les amis. Mais bon voilà, ils peuvent mettre un peu la pression sur le Havre, mais surtout si Bordeaux gagne, Bordeaux prendra 4 points d'avance provisoirement sur Metz avant que Metz joue ce soir à 19h, on va suivre le match à Guingamp. Du coup il y aura un Guingamp-Metz. Donc voilà, il faut absolument gagner pour Bordeaux pour pas se faire dépasser par Metz, parce qu'un nul ou une défaite bordelaise permettrait à Metz de passer devant Bordeaux. Et là, c'est absolument énorme, parce que la deuxième place, c'est synonyme de monter en Ligue 1. La troisième place, c'est tu restes en Ligue 2, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, il y a un énorme enjeu entre Bordeaux et Metz. Et pour Laval également, hein, Laval qui est à 1 point seulement devant Valenciennes, à 2 points devant Dijon, qui sont du coup les deux premiers relégables. Laval qui doit jouer le maintien, qui est sorti de la zone rouge il n'y a pas longtemps, il reste sur des très bons matchs. Laval, on verra les 5 derniers matchs de Bordeaux et les 5 derniers matchs de Laval, on en parlera. Mais voilà, un enjeu absolument énorme. Avant le Guingamp-Metz de ce soir et avant aussi le Havre face à Valenciennes de lundi. Le Havre qui est aussi une équipe à surveiller pour Bordeaux et Valenciennes qui est une équipe à surveiller également pour Laval. Voilà les amis, un énorme enjeu dans ce match. Et merci beaucoup à Yanis. Il y a l'animation juste là. Merci beaucoup Yanis pour le don de 2 euros. Yolissi, comment ça va? Allez Bordeaux, le met Yanis. Bah écoute, ça va nickel. En vrai, Yanis, ça c'est le premier live de la journée aujourd'hui. Sur une journée qui s'annonce voilà, énorme avec beaucoup de lives. Vous l'avez vu, hein, 3 lives les gars aujourd'hui. Des très gros matchs. Je veux dire, Bordeaux-Laval pour la Ligue 2, c'est un match absolument énorme. Après il y aura le multiplex Ligue 2 comme d'hab avec non pas 8 mais 7 matchs, mais ça sera quand même un très beau multiplex, notamment avec Guingamp-Metz etc etc. Et puis bien sûr ce soir on terminera en beauté avec un beau Lille-Marseille. Non franchement ça va nickel Yanis, et merci énormément encore pour le don de 2 euros les amis de la part de Yanis. Des gros GG dans le chat pour Yanis les amis, un maximum de GG. Je vais voir si mon GG il marche ou pas, parce que voilà j'ai toujours le même problème avec YouTube. Hop des gros GG les gars pour Yanis. Est-ce que ça marche? Eh ben non, ça marche pas. Ok, donc il faut que je mette des GG comme ça. GG. Yanis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oula mince. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok,
Ok, moi je crois que je fais la mauvaise manie, mais voilà, merci beaucoup Yanis pour le don de 2 euros, les amis, des gros GG pour Yanis dans le chat. Salut Jules qui le met à les Bordeaux, tu fais pas Nantes-Bordeaux? Non, je pourrais pas faire Nantes-Montpellier à 17h, Sabine, malheureusement, non. Les Nantais, on les retrouvera bien évidemment. Voilà, Nantes, c'est une équipe que j'aimerais bien forcément faire en live, mais dans tous les cas, on les fera parce que les deux dernières journées, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, ce sera deux grands multiplex et on les fera en live. Donc voilà. Mais ouais, samedi à 17h, vous, si vous connaissez en général, on fait pas trop de live samedi à 17h. Allez, là, va nous mettre Madu, voilà, salut les gars, et voilà encore un énorme merci à Yanis. Donc voilà, du coup, les gars, pour le classement. Voilà, pour le classement, je pense que j'allais dire, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, si, il y a des choses à dire sur ce classement, mais en vrai, on a tout dit. Hein. Bordeaux doit gagner pour mettre un peu la pression sur le Havre. Hein, voilà, un petit peu la pression sur le Havre. Je rappelle que si jamais Bordeaux gagne, Bordeaux peut revenir à 2 points du Havre. Donc, c'est une petite pression quand même, tu vois. Mais surtout, l'enjeu n'est pas vraiment là pour les Bordelais. À mon avis, dans la tête des supporters bordelais, c'est surtout distancer le FC Metz derrière et ne pas donner la possibilité aux Messins de passer une bonne fois pour toutes devant les Bordelais. Il ne reste plus que 3 journées, si on compte la journée là, qui a commencé hier. Il ne reste plus que 3 journées. Il ne restera plus que 2 matchs pour Bordeaux après ce match face à Laval. Il ne restera plus que 2 matchs pour Metz après ce match face à Guingamp, etc. etc. Forcément que là il faut rester absolument devant Metz. Ils ont cette avance, ils ont utilisé un joker il y a une semaine, les Bordelais, là il n'y a plus le choix. Là il n'y a plus le choix, il faut absolument gagner pour Bordeaux. Ils jouent face à une équipe en plus, Laval, qui est relégable. Et on va aller en parler tout de suite justement parce que même si, enfin, qui est relégable, qui était relégable, qui ne l'est plus maintenant mais qui joue toujours le maintien. Et on va aller parler tout de suite des 5 derniers matchs de Bordeaux pour montrer effectivement que les Bordelais, en ce moment ça c'est pas non plus super. Tu vois, on va dire qu'ils enchaînent. Il y a quelques faux pas par moment. Et Laval en ce moment ça va plutôt bien. On va aller voir tout ça. Mais avant, les compos viennent tout juste de sortir. Donc on va aller voir les compositions, les amis. Listy, attention, le coup d'envoi à 14h45. Exactement, hein, 14h45, les amis. Le coup d'envoi, attention, c'est ce qu'on a dit en avant live. On ne doit pas traîner comme nous dit Mohamed. Il est 14h12. Le match commence. Bon, dans 33 minutes, on a quand même le temps, hein, les amis. Mais c'est vrai, il ne faut pas se faire piéger, les gars. 14h45, coup d'envoi. Et c'est pour ça qu'on va aller regarder les compositions dès maintenant, les amis. La compo de Bordeaux et la compo de Laval. Allez, les voilà, les amis, les compos. Alors, je suis en train de voir que Bordeaux, on voit pas bien. Attendez, je vais changer un truc. Mais bon, on va parler des compos, ensuite on parlera des 5 derniers matchs, les amis. Mais je veux juste changer un petit truc. Hop. 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 Comme ça, ce sera mieux. Voilà, là, maintenant, on les voit mieux. On voit que c'est du bleu pour les Bordelais. Poussin, du coup, dans les... Donc, ouais, 5-3-2 pour les Bordelais. Encore une fois, 5-3-2, c'est comme ce qui nous est annoncé. Mais c'est vrai que, quand on voit une compo comme ça, moi, je dirais plutôt un... Ouais, c'est vrai qu'on a, quand même pas de chimage. Bref, on va voir, En tout cas, voilà, les schémas de jeu, prenez toujours avec des pincettes. Poussin dans les buts. Mwanga, Nsimba, Barbet, Gregerson, Bokele en défense. David Tachvili, Bakua, Franck Sergio au milieu de terrain. Et on attaque Badji Maja. Compo que j'aime plutôt bien pour les Bordelais. Alors, David Tachvili comme ça au milieu de terrain avec Bakua et Franck Sergio, c'est un peu étonnant de le voir là. Je pense qu'il sera plutôt offensif, hein, un peu comme un ailier, David Tachvili. Voilà, mais sinon, c'est une très bonne composition. La défense, elle est plutôt pas mal. Bokele et Mwanga, ce sont vraiment des pistons qui vont monter, etc. Le duo Badji Maja peut être intéressant. Il y a quand même des joueurs sur le banc que nous ne sommes pas forcément habitués à voir sur le banc, notamment Lacou, les amis qui est sur le banc, Lacou. Mais sinon, voilà un peu pour la compo de Bordeaux, je laisse checker tout ça. Et pour la compo de Laval, il y aura un 4-4-2 pour Laval avec Sauvage dans les buts, Seydou, Tavares, Goncalves, Baudry en défense, Tapoko, Adeoti, Pobichon, Silla au milieu de terrain, attaque Neji et Elisor. Elisor, le meilleur buteur notamment de Laval qui est là. Bref, deux très belles compos, hein. Franchement, les amis, je ne sais pas s'il y a des absents ou pas. Peut-être que je passe à côté d'un absent là, je ne sais pas trop. Bordeaux, je ne comprends pas, je connais plutôt bien l'équipe... Voilà, Laval, c'est vrai que je connais un peu moins, mais ouais, je suis en train de regarder, c'est vrai qu'il y a une petite surprise, hein, c'est quand même Lacou sur le banc, t'as ce duo Badji Maja qui est titularisé, Badji est nul, mais le duo avec Maja, il est bon, nous met Jules, donc voilà, tu vois, il y a des petites surprises quand même, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de ces deux compositions? La composition de Bordeaux et la composition de Laval, qu'en pensez-vous dans le chat? Parce qu'il y a des petits changements quand même, hein. Il y a quand même des petits changements, donc c'est vrai que je sais pas, peut-être que certains ont des avis particuliers. Et on va tout de suite aller regarder les 5 derniers matchs de Bordeaux et de Laval. Faut pas traîner, coup d'envoi 14h45, les gars, effectivement, faut pas traîner. Et salut à toi, Pascal. Bonjour les gens, bonjour Pascal. Et merci beaucoup, Pascal, les amis, qui devient membre. Top joueur, les gars, des énormes GG dans le chat pour Pascal. Bon, moi, je vais toujours mettre les GG que. Parce que je peux pas mettre d'autres GG parce que sinon YouTube.
YouTube sont sur mon message, donc je vais mettre des GG. Comme ça, normalement, on va dire merci beaucoup Pascal pour le sub top joueur, les amis, d'un maximum de GG dans le chat. Merci à toi, j'avais perdu mon abonnement. Lui et Pascal, et bah merci énormément Pascal, ça fait plaisir. Effectivement, il était déjà top joueur avant, donc il renouvelle. Merci beaucoup Pascal pour les amis, des gros GG. Des gros GG après Alice juste au-dessus. C'est Pascal, les gars, maximum de GG dans le chat. Pour bien sûr le frérot supporter lyonnais, on connaît et je pense qu'il voilà, il doit être content après, après la belle victoire hier des Lyonnais. Mais merci à toi pour le sub. Des gros GG les gars, des gros GG. J'en vois déjà, je vois déjà des GG, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue Pascal. Donc ouais les gars, j'ai quand même dit effectivement faut pas trop contraindre, tu vois. Mais merci beaucoup hein, Yanis, Pascal, merci beaucoup vraiment. Ça fait plaisir. Des grands merci, des gros gros merci. Et donc les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les 5 derniers matchs de Bordeaux et de Laval. Et là, vous allez voir qu'on va rentrer dans ce qui est vraiment intéressant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir les gars, c'est assez intéressant. Je vous laisse les compos pour vous puisser les regarder. Si jamais vous avez des petits avis à mettre au niveau des compos, vous pouvez les mettre. On a Jules qui nous met la défense de Bordeaux à largement le niveau de Ligue 1. On a Tim qui nous met hello la team. Salut à toi Tim, justement, hello la team. On va faire, voilà. Salut à toi. Bordeaux, le plus surprenant, c'est le système. On joue jamais à 5 d'habitude, nous met Tim. Voilà, et c'est pour ça que vraiment les compos les gars, prenez avec les schémas de jeu, prenez les compos non, mais les schémas de jeu, prenez vraiment avec des pincettes parce que franchement, c'est pas une vraie défense à 5, on verra ce soir. Je pense qu'il y aura une défense à 3, Gregerson, Barbet, Nsimba et puis Mwanga, Bokeh, ils seront en piston, mais c'est vrai qu'il y aura rien qu'une défense à 3, ils n'ont pas forcément habitué à ça, hein, les Bordelais, rien que durant leur dernier match face à Quevilly-Rouen, Bordeaux, ils avaient leur 4-4-2 habituel, face à Caen, il y a deux semaines, 4-3-3, bref, toujours il y a des défenses à 4. Là, c'est une défense à 5 qui nous est alignée. Donc, à la limite, une défense à 3. Mais en tout cas, oui, il n'y aura pas de défense à 4. Quoi. Alors, à part si Bokele est en. Ouais, mais non, même pas. Donc, en vrai, en tout cas, des belles compos. Hein. Franchement, moi, j'aime bien en vrai cette compo bordelaise, les gars. J'aime bien. Et encore vraiment un énorme merci à Pascal. Franchement, ça fait plaisir. Hop là. Bonjour, les styles. Bonjour à tout le monde. Allez, Bordeaux, le mec Kevin. Salut, salut Kevin. En piston et. Attends, en piston, autant mettre Michelin, mais Tim. Michelin sur le banc, hein. Michelin sur le banc toujours. Et toi, t'aurais plutôt mis Michelin en piston. Parce que là, du coup, il y a Mwanga, Bokele en piston. Donc, salut Medo. Par contre, Bakua et Franck Sergio, c'est l'inverse. Normalement, Bakua, c'est ailier et Franck Sergio, c'est un peu mieux. C'est vrai que voilà, même David Tachvili. Hein. Même David Tachvili, c'est un peu comme Bakua. Hein. Là, il est un petit. Il est positionné comme milieu de terrain dans un 5-3-2. Alors que d'habitude, c'est plutôt un ailier, David Tachvili. C'est vraiment un joueur en tel qui est rapide, etc. Donc là, tu vois, ça. Pour moi, c'est plutôt une espèce de. Je sais pas trop comment dire, mais. Ouais, c'est genre comme si on avait deux numéros 9 Badji Maja, des deux ailiers avec David Tachvili et Bakua. Tu sais, un espèce de. Je sais pas comment on pourrait le dire. Mais. On va le dire, on va aller. En tout cas, c'est vrai que ce 5-3-2 est quand même étonnant. Alors, quel plaisir de voir un live à 14h du soir. Mais Medo, c'est chelou ça. Et Medo, en ce moment, les amis, il consomme. Hein. En ce moment, il consomme. Metz joue contre qui ce week-end? Metz joue contre Guingamp tout à l'heure, effectivement, dans le multiplex. Guingamp-Metz. Donc voilà, ça va être un match intéressant. Guingamp qui n'est pas une équipe facile à jouer. Tout comme Laval n'est pas une équipe facile à jouer pour les Bordelais, bien évidemment. C'est pas son poste. Mwanga Piston nous met Team. Mwanga, les amis, qui est un peu. Qui a aligné côté gauche. C'est vrai que quand on le voit comme ça, dans une défense à 5, on pourrait plutôt dire que c'est un piston. Mais c'est vrai que de base, Mwanga, il est plutôt. En vrai, ça fait partie d'un joueur, il peut jouer un peu de partout, mais. Bon, ouais, de base, il est plutôt défenseur. J'ai peur de faire des bêtises, mais attends. Attends. Mwanga. Attendez, les gars. Enfin, moi, d'habitude, j'aurais plutôt mis en mode milieu de terrain, tu vois. D'habitude, j'aurais plutôt mis milieu de terrain, mais c'est vrai que j'ai un peu peur de dire n'importe quoi. Mais pour moi, c'est vrai qu'un Mwanga, c'est plutôt un mec qui joue milieu de terrain, un peu comme David Tachvili. Enfin, un peu comme David Tachvili. Non, un peu comme, je sais pas, Franck Sergio, des joueurs comme ça, tu vois. Et là, c'est vrai qu'il est aligné comme ça en défenseur gauche. Après, il peut toujours avoir des erreurs sur la compo, hein, parce que c'est vrai que ça m'étonnerait pas une défense à 4, Bokele, Gregerson, Barbet, Nsimba. Un milieu de terrain avec Franck Sergio. Mwanga au milieu terrain et tu vois Badji et Maja en 2 numéro 9 et puis en ailier gauche pas moi David Tachvili, en ailier droit Bakua, tu vois, ça m'étonnerait moins une compo comme ça qu'une compo comme celle-là. Récupérateur même s'il est au centre des formations. Ouais voilà, tu vois, un milieu terrain un peu défensif, etc. Pour moi c'est plutôt un 4-2-4, tu vois, un espèce de 4-2-4, un 4-4-2 un peu modifié, tu vois ce que je veux dire, avec la défense à 4 habituelle, Bokele, Gregerson, Barbet, Simba, le milieu terrain plutôt bas, Franck Sergio, Mwanga, et puis après t'as deux ailiers, David Tachvili, Franck Sergio, et puis deux numéro 9, Badja
Maja, pour moi, c'est plutôt ça, plutôt qu'une défense à 5, 5-3-2, c'est un peu étonnant, tu vois, c'est un peu étonnant. Bref, voilà en tout cas les gars pour la compo de Bordeaux et de Laval, on verra bien hein, comment ça va tout ce beau monde va se mettre en place sur la pelouse du match 8. On verra ça tout à l'heure les amis. Mais d'abord on va aller regarder les 5 derniers matchs de Bordeaux et de Laval. Et là vous allez voir les gars, c'est très intéressant. Merci encore à tous hein, pour le petit like, etc. Bien sûr n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et là on va aller regarder du coup les 5 derniers matchs de Bordeaux et les 5 derniers matchs de Laval. Et vraiment c'est super intéressant. Hop là. Alors on va commencer par les 5 derniers matchs de Bordeaux. J'ai pas envie non plus de faire le mec qui dit que tout va mal, etc. Mais c'est vrai que pour une équipe qui est deuxième de Ligue 2, pour une équipe qui va jouer encore 3 matchs, hein, il y a encore 3 matchs à jouer pour les Bordelais, 3 matchs qui vont pas se mentir sont à gagner. Hein. Ils doivent absolument gagner leurs 3 derniers matchs. Mais forcément que leurs 5 derniers matchs sont pas très rassurants. Pour une équipe qui est deuxième, sur leurs 5 derniers matchs, t'as une défaite, un nul, 3 victoires, c'est quand même pas mal. Hein. Beaucoup d'équipes rêveraient de ce bilan. Et pour une équipe comme Bordeaux qui doit gagner ses 3 derniers matchs, bah voilà, il faut pas faire d'erreur quoi. Et pourtant, il y a cette défaite face à Metz, il y a cette victoire face à Grenoble, face à Valenciennes, face à Caen, et à ce petit nul face à Quevilly-Rouen, un match nul 0-0 qui inquiète un petit peu les supporters, à mon avis bordelais, forcément qu'il faut absolument gagner ce soir. Il n'y a plus de. Voilà, il n'y a plus de. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, les Bordelais, il faut absolument gagner. C'est vrai qu'un 0-0 face à Quevilly, bah, ça montre que des fois Bordeaux a des difficultés à marquer des buts, etc. sur des pelouses, et forcément que contre une équipe comme Laval qui va, à mon avis, s'ils tiennent le match nul, le 0-0. Ça leur va aussi très bien à Laval, ils vont sûrement défendre, etc. Donc ça risque d'être pas un match facile. Et forcément pour les Bordelais, voilà, il peut avoir par moment des matchs qui sont compliqués et se terminer à 0-0 comme ça avait été le cas face à Quevilly-Rouen. Ils étaient pourtant pas mauvais les Bordelais, mais on sentait que je sais pas, il manquait quelque chose pour aller marquer ce but là face à l'équipe de Quevilly qui était plutôt solide en défense. Et on va aussi parler des 5 derniers matchs entre Laval, enfin de Laval. Les 5 derniers matchs Bordelais, c'est quand même 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et ben Laval c'est pratiquement pareil, 3 victoires, 2 défaites. Donc c'est vrai que t'as une équipe qui joue le maintien d'un côté, une équipe qui joue la Ligue 1 de l'autre. Et pourtant bah, Laval il semble être bah, ouais, on voit pas la différence sur les 5 derniers matchs. Laval c'est quand même 3 victoires, 2 défaites. Une défaite face à Rodez, une défaite face à Guingamp. Guingamp qui jouera cet après-midi, enfin ce soir en début de soirée face à Metz. Et une victoire sinon face à Sochaux, Bastia et Saint-Etienne. Franchement Laval ils ont tout pour faire peur hein. Il reste sur une victoire face à Sochaux, Bastia et Saint-Etienne. C'est quand même des grosses équipes hein. Sochaux, Bastia plutôt pas mal, même si bon Sochaux c'est plus trop ce que c'était en début de saison. Même Bastia c'est plus trop ça, mais bon ça reste quand même une belle équipe. Saint-Etienne, on a l'impression qu'ils sont un peu irréguliers ce temps-ci. Mais bon, quand même très très bon hein. Laval, franchement hâte de voir ce que ça peut donner aujourd'hui au Manu d'Atlantique. Quel genre de match ça va être, ça va vraiment être très intéressant. Et les 5 derniers matchs qui ont opposé la balle à Bordeaux, il n'y en a eu qu'un seul dans l'histoire des deux clubs, c'était le match aller où les Bordelais s'étaient imposés 2 buts à 1 sur la pelouse du coup de Laval, 2 buts à 1 au stade Péroniel, donc avec un but de Maja qui avait ouvert le score en tout début de match, un Camille de jeu. Maggiotti pour Laval avait égalisé à la 56e et Ellis qui n'est plus Bordelais avait marqué le but de 2-1 à la 69e. Il avait été servi notamment par David Tassoli, mais voilà en tout cas les Bordelais s'étaient imposés sur le score de 2 buts à 1 au match aller. Espérons que ce soit à peu près le cas aussi ce soir. En tout cas les 14h23 les amis, le match commence dans à peu près 20 minutes. Voilà pour les 5 derniers matchs, intéressant les gars, intéressant. Je pense que Metz va faire un faux pas ce soir, ce qui va faire les affaires des Bordelais. Forcément hein, Pascal il le dit à ça que là on part de Bordeaux qui doit absolument gagner. C'est vrai que si jamais Bordeaux gagne, ils mettent la pression hein, sur Metz. Mais c'est vrai que là pour le moment c'est plutôt Metz qui a la pression. Parce que s'ils perdent, là ils savent derrière que Metz ils auront un coup à jouer, mais forcément il faut pas non plus écarter le fait que Metz peut aussi avoir des faux pas. C'est vrai que les Messins ont l'impression que tout va bien en ce moment et on se demande quand est-ce qu'il y aura un faux pas. Bah voilà, Guingamp c'est une très belle équipe, on en parlera ce soir lorsqu'on fera le multiplex. Mais Guingamp c'est une équipe aussi qui a réussi à faire tomber des gros. Donc franchement voilà, c'est pas non plus. C'est un peu comme il y a une semaine, hein, il y avait un Metz-Grenoble et un Bordeaux-Quevilly-Rouen. C'était pas des matchs gagnés d'avance pour les Bordelais et pour Metz. Metz ont gagné ce match, Bordeaux n'a pas gagné, bah là c'est un peu préparé ce week-end. Certes, c'est des deux équipes qui jouent le maintien, même si Guingamp, Guingamp ne joue pas le maintien. Mais Laval, c'est l'équipe qui joue le maintien. Mais attention, elle est très dangereuse cette équipe. Et Guingamp, moi je trouve dangereux aussi quand même. Alors, Guingamp, ouais, franchement, en fait, Guingamp, c'est un peu bizarre à dire. C'est. Je sais pas, genre, même Laval, hein, j'ai l'impression qu'il peut faire tomber tout le monde. Genre, même. Enfin. Il peut vraiment faire tomber tout le monde. Mais dans tous les cas, dans cette Ligue 2, on parle de Laval, mais c'est tout le monde peut faire tomber tout le monde. Regardez, il y a une semaine, même pas lundi,
Annecy qui elle face au Havre, on s'attendait pas. Non, franchement, tout peut se passer. Ouais, effectivement, Tim, je sais pas ce que j'ai dit, je me suis trompé. Metz a une revanche à prendre vis-à-vis du 3-6 à domicile, donc ils seront motivés, nous met Tim. Ouais, donc voilà, Tim qui parle de Metz tout à l'heure, hein, le FC Metz qui va donc jouer face à Guingamp, forcément. On en parlera plutôt ce soir, mais forcément que c'est un match qui a un lien direct avec le match qu'on va suivre maintenant, là, Bordeaux-Laval. Et comme tu dis, au match aller entre Metz et Guingamp, il y avait eu 6-3 pour Guingamp. C'était un match assez dingue. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler effectivement ce soir, les amis. Alors, les gars, donc voilà, du coup, pour tout ce qui est 5 derniers matchs, voilà pour les compos qui défilent toujours en bas à droite, la compo de Laval, la compo de Bordeaux. D'ailleurs, je suis en train de voir que, eh bien, je me suis trompé au niveau des compos parce qu'on ne voit pas les remplaçants. Je vais régler ça. Mais avant, les gars, bien sûr, réfléchissez à vos pronostics. Juste, je vais vous montrer le classement des meilleurs buteurs avec toujours Josh Maja. Et c'est 16 buts, égalité avec Jean-Philippe Crasso. Josh Maja, ils ont un peu décroché, hein, Crasso et Maja. Hein. Je pense que l'ami Kotazé a vraiment pris le large pour le classement des meilleurs buteurs. Je vous laisse regarder le top 10. Aucun joueur de Laval présent dans ce top 10, mais voilà, je vais regarder tout ça. Moi, je règle juste un petit souci au niveau des compos pour que vous puissiez voir les remplaçants, parce que du coup, vous voyez pas les remplaçants, il y a un petit bug. Ouais, un petit bug, non, c'est juste que j'ai oublié de changer. Alors, attendez, les gars. Ok, c'est celui-là, normalement, le bon, je suis en train de regarder, tac. Ok. On va voir que je change juste là. Les gars, commencez, voilà, à réfléchir si vous voulez à vos pronos. On va parler des pronos juste après, les amis. Tac. Hop. Hop là. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, maintenant c'est bon, vous voyez les remplaçants, les amis, sur les compositions. Donc voilà pour le classement des buteurs, forcément Maja, etc. Le top 10. Je vais juste aller regarder rapidement les buteurs de Laval, uniquement rapidement. Hein, rapidement. Les buteurs de Laval, tac, donc voilà, ils sont là. Donc Maciotti, meilleur buteur égalité avec Elisor, qui a du coup marqué 7 buts, 2 passes d'Elisor, 7 buts, 3 passes des pour Maciotti, qui est 18ème meilleur buteur. Elisor 20ème. Il y a Nagy également derrière avec 6 buts. Bref, voilà, il y a pas mal de très bons buteurs pour Laval aussi. On l'a vu tout à l'heure avec les compositions. Elisor, il sera là ce soir, les amis. Voilà, ça va être une menace notamment. Bobichon aussi, il est là, Bobichon, hein, qui voilà, 4 buts, 0 passes des lui aussi. C'est un bon joueur, etc., etc. Donc voilà, du coup, les gars, pour cette compo. Par contre, oui, Maciotti, il est sur le banc, hein, Maciotti, du coup, au niveau de Laval. Bon, là, pour les buteurs, on va essayer de regarder les buteurs de Bordeaux tant qu'on y est, les amis. On l'a vu, Maja avec ses 16 buts. Et voilà, après, il y a aussi Pacoa avec 5 buts, 6 passes D. Pacoa qui est titulaire ce soir, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ces temps-ci, Guillon, il le met titulaire, il le met sur le banc, il le met titulaire, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, il est titulaire. Badji qui a marqué 4 buts, 3 passes D également, il est là. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, t'as Maja qui est vraiment un grand buteur. Et puis derrière, derrière, t'as Pacoa avec 5 buts, mais c'est pas non plus énorme, quoi. On sent que Maja, il porte quand même bien son équipe. Mais bon, après, il n'y a pas que lui non plus. Voilà, les gars, en tout cas, pour tout ce qui est classement des meilleurs buteurs. Allez, les amis, je pense que c'est temps de faire le pronostic. Le match commence dans un peu plus de 15 minutes. Un peu plus de 15 minutes, les amis. Il est temps de faire nos pronos. Les gars, attendez, pas tout de suite, mais bientôt. Je vois qu'il y en a déjà qui mettent leurs pronos, je vois. Salut, Joff, salut à toi. Tu penses quoi du match de Bordeaux? Bah, écoute, il arrive dans 15 minutes. On est en train d'en parler, effectivement. Voilà, maintenant, on verra bien. Hein. On verra bien sur le terrain aussi que tout va se décider. Salut, pourquoi tu fais la Ligue 2 et non la Ligue 1? Je fais tout, Charles, la Ligue 2 et la Ligue 1. Demain, ce sera 100% Ligue 1. Aujourd'hui, c'est 80%. Ouais, aujourd'hui, c'est 70% Ligue 2, 30% Ligue 1, puisqu'on fera Lille, Marseille ce soir, mais globalement on fait un peu de tout, quoi. Salut Azortex, salut à toi. Merci beaucoup Ryan pour l'abonnement. Donc ouais, les amis, il est temps de faire le pronostic, les gars. Il est temps de faire le pronostic, donc on est parti directement pour les pronos. Allez-y, les gars, mettez-moi vos pronos dans le chat. Je regarde pas vos pronos comme d'habitude, je me fais pas influencer par vos pronos ou quoi que ce soit, parce que vraiment j'ai pas encore décidé, hein. Qu'est-ce que je vais mettre comme pronos, je sais pas du tout. Bordeaux reste sur un nul, etc. Laval, il reste sur des belles performances, tout, bref, compliqué. Mettez-moi vos pronos dans le chat, on en discute. Et bien évidemment, si jamais c'est pas encore fait, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement, etc. Merci beaucoup, les gars, pour les 55 likes déjà. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Salut, à ce moment là je suis dans le stade. Ah, mais tu t'es à Bordeaux, Azordek. Ouais, je vois les cuissons de Nîmes en photo de profil, tu vois. Je me dis, alors à moins qu'il soit Nîmes, puisque Nîmes reçoit Dijon, mais bon, c'est à 19h, donc ça me semble être un peu tôt pour être dans le stade. Bon, donc ouais, les gars, mon prono, ah, c'est compliqué, hein.
Mon pronostic, je pense que j'ai parié. J'ai bien envie de mettre une victoire bordeaux. En plus, Bordeaux, ils sont quand même chez eux. Je les vois mal faire encore un faux pas. Ils ont utilisé leur joker. Hein. Ils ont utilisé leur joker, les Bordeaux. Ils ont plus droit à l'erreur. Les Bordelais. En même temps, alors là, Laval, ils sont très bons. En vrai, j'hésite à mettre nul. Hein. Mais bon, moi, connaissez, je joue toujours la sécurité. En mode, je joue toujours ce qui est le plus évident. Je joue toujours l'équipe qui a la plus petite cote. Comme ça, statistiquement, sur tous les matchs qu'on pronostique dans l'année. En général, j'ai plus de chances, on va dire, d'avoir les deux justes quand même. Voilà, la cote, on rappelle, de Bordeaux, elle est à 1,58. La victoire de Laval, elle est à 5,75. Le nul à 4. Voilà, Bordeaux reste quand même énormément favori. Franchement, j'ai envie de mettre une petite surprise en étant nul. Mais non, quand même, parce que voilà, Bordeaux, je pense pas qu'ils vont me faire un faux pas aujourd'hui. Ils sont chez eux, ça y est, ils ont plus de joker et ils le savent, les Bordelais. Ils le savent. Ils savent également que Metz, c'est pas non plus cette équipe qui va non plus leur laisser des points, même si tout à l'heure, voilà, il y a Pascal qui sentait, etc. Enfin, vous me parlez dans le chat, je sens que Metz, il y aura peut-être un faux pas tout à l'heure face à Guingamp, parce que c'est vrai que Metz aussi peut avoir des faux pas. Bon, voilà, moi je pense que non, Bordeaux va s'imposer et je vais parier. Petite victoire bordelaise en mode 1-2-1 pour Bordeaux, tu vois. Genre un peu comme Lyon hier, tu vois. Je vois bien Laval marquer, je sais pas pourquoi. Laval qui ouvre le score et Bordeaux qui égalise puis marque le deuxième but. C'est un peu comme ça que je vois. Ou pas, hein, peut-être, mais en tout cas, bon, je vais parier 2-1 pour Bordeaux. On verra bien, les gars, comment ça se passe. Victoire de Bordeaux à but d'écart, 2-1. C'est mon pronostic, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prono? Et maintenant, je vais regarder vos pronos à vous dans le chat, les pronos que vous m'avez mis. Et comme ça, on va pouvoir un peu en discuter tout simplement de ces pronostics avec un match, les amis, qui commence dans 15 minutes. Ne vous faites pas piéger, hein, c'est pas 15h le début des matchs, mais c'est bien 14h45. Ne vous faites pas piéger, les amis, c'est important. Alors, Laval, leur sponsor, c'est Lactel. Exactement, Nas, pourquoi cette moquerie? Alors. Allez, je vais regarder les coups, pronostics. On a Joël hein, qui nous met difficile de ne pas pronostiquer Bordeaux vainqueur. Je vais tenter 2-0 pour les Girondins. J'aime bien le pronostic avec des emojis, là, c'est original. Salut Jérémy, salut Christelle. 2-0 pour Bordeaux, nous met Jules. 3-1 pour les Bordelais, nous met Joël. 2-0 pour Bordeaux, pour Christelle. 3-1 pour les Bordelais, pour Nats. Ouais, c'est un 4-4-2 pour Bordeaux et non un 5 derrière nommé GD Nats. Ouais, les gars, vraiment, la composition bordelaise, elle nous a tous semblé. Bizarre quand on a vu un 5-3-2 comme ça. Et comme tu le dis GDB, t'as sûrement raison. Moi aussi ça m'étonnerait pas que ce soit une. Comme tu le dis c'est vrai que là il y a un 5-3-2, mais c'est vrai que ça m'étonnerait pas que ce soit un 4-4-2 comme tu le dis. Avec une défense à 4 classique, Bokele, Gregerson, Barbet, Nsimba. Un milieu terrain avec Franck Sergio et Mwanga au milieu terrain. Voilà les deux milieux terrain. En Eli, on va dire David Alfili, Franck Sergio. Et deux numéro 9, Badji, Maja. Pour moi, c'est un peu comme ça aussi. GDB, ce serait plus logique que le 5-3-2 qui nous est aligné. Mais en tout cas, voilà, les schémas de jeu, prenez toujours avec des pincettes, les gars. 1-0 pour Laval, nommé Jérémy. 2-1 pour Bordeaux, nommé Quentin. 3-1 pour les Bordelais également, nommé Medo. Ok. 2-1 pour Bordeaux, nommé Christophe. 2-2 pour Diablo. 3-1 Bordeaux. 4-2 Bordeaux. 2-0 Bordeaux. 2-0 Bordeaux. 3-0 Bordeaux. Ouais, il y a que des victoires de Bordeaux. Après, c'est logique aussi. Hein, 2-0 Bordeaux pour Nas. Ça va très bien. Foot CC. Moi, je suis un peu pour Bordeaux aujourd'hui. Ouais. 2-0 pour Bordeaux. Nous met Team aussi. 2-0 Bordeaux. 2-0 Bordeaux. Ouais, il y a que des 2-0 pour Bordeaux. Hein. 3-1 Bordeaux. Et j'ai parié une victoire. 2-0 pour Bordeaux également. Nous met Théo qui a changé tout au profit d'ailleurs. Mais ok. 3-1 pour Bordeaux. Nous met Azordek. 2-0 Bordeaux. Ouais, il y a vraiment que des. 2-0 pour Bordeaux. Laval, en vrai, ils sont plutôt bien, hein, pourtant, Laval. Hein. Ils sont plutôt bien, Laval. Après, voilà, hein, Bordeaux, ça reste quand même Bordeaux aussi, tu vois. Mais bon. 4-1 Bordeaux, 4-1 Bordeaux. Voilà. Et ouais, j'ai vu des 4-1, des 3-1, des 2-0, c'est des pronos qui ressortent. On va dire le plus, il y a quelques... Ouais, je crois qu'il y a eu deux personnes qui ont mis victoire de Laval, mais pas plus, franchement. On verra bien. On verra bien, les gars. Maintenant, le match commence dans... à peu près 10 minutes, hein, entre 10 et 15 minutes, le match commence à 14h45. Les amis, je le rappelle, 14h45, début de ce match, ça va être un très beau match, les gars, aujourd'hui entre Bordeaux et Laval. Enfin, un très beau match, je sais pas, j'espère que ce sera un très beau match en tout cas, mais ce sera surtout un match vraiment déterminant, hein, les amis, un match déterminant pour Bordeaux et même pour Laval. Hein, Laval, leur destin en Ligue 2, Laval qui espère rester en Ligue 2 et Bordeaux c'est l'inverse, Bordeaux n'espère pas rester en Ligue 2, justement monter en Ligue 1, hein, bien évidemment les amis, pour ce Bordeaux-Laval. Alors les gars, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va checker
enfin voilà, les matchs commencent dans maintenant 10 minutes. Donc je voulais aller voir un truc, c'était le calendrier bien sûr de Ligue 2 hier, hein. Ça devient une habitude. Maintenant les amis, il restera plus que 2 journées après celle-ci en Ligue 2. Bref, on va un peu regarder le calendrier qui reste dans cette Ligue 2, quoi. Qu'est-ce qui reste à jouer les amis dans cette Ligue 2, quels sont les matchs qui vont avoir lieu? Forcément c'est super important et vous allez voir que de ce côté-là les Bordelais ils sont plutôt pas mal parce que leur calendrier par rapport à leur concurrent le FC Metz, il est plutôt pas mal. Bref, je vous en dis pas plus, on va aller checker tout ça dès maintenant les amis. Allez, les calendriers, les voilà les gars, les calendriers. Donc on va d'abord parler un petit peu de cette 36e journée de Ligue 2. Alors attendez que je vous le place un peu mieux parce que là c'est un peu mal placé. Hop, je descends un peu plus, voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc les amis, la 36e journée, on rappelle qu'elle ne commence pas aujourd'hui mais qu'elle a commencé hier. Étonnant hein, de voir une journée de Ligue 2 qui ne commence pas le samedi à 15h hein. En général c'est toujours ça, mais hier il y a eu un match. Il y a eu un match hier les amis le vendredi à 19h hier, qu'est-ce que je dis, voilà. En plus c'est vraiment les gars, je perds la mémoire à ce temps-ci. Bref, voilà, il y a eu 1-1 entre Grenoble et Rodez. Il y aura bien sûr ce Bordeaux-Laval à 14h45 que nous allons suivre ensemble. On va également suivre le multiplex Ligue 2 à 19h qui n'aura donc non pas 8 matchs mais 7 matchs parce qu'il y en a un de moins puisque Grenoble-Rodez s'est joué hier. Amiens-Caen, Paris FC Sochaux, Nîmes face à Dijon, un match important pour les maintiens. Saint-Etienne, Quevilly-Rouen, Guingamp face à Metz, voilà un match important pour les supporters bordelais. Niort face à Annecy et Pau Bastia à 19h. Et lundi, il y aura Le Havre-Valenciennes. J'espère que je pourrai le faire en live. Le Havre-Valenciennes, ça devrait être bon normalement. Faudrait que je vois ça. Voilà la 37e journée de Ligue 2. Là, voilà la 37e journée de Ligue 2. Donc là, on commencera les multiplex hein, vendredi à 20h45. Ce sera du coup dans une semaine. Ces matchs-là, dans un peu moins d'une semaine. Le 26 juin et bien les amis ces matchs on vivra, vous imaginez vendredi à 20h45 il y aura un grand multiplex Ligue 2, ça fait trop bien avec 10 matchs en même temps. Et donc Bordeaux va jouer face à Annecy, ça va, mais attention, Annecy a fait tomber Le Havre lundi. C'est exceptionnel ce qui se passe en Ligue 2, il y a que des trucs, je sais pas, exceptionnel les gars. Mais en tout cas voilà, il y aura un Annecy-Bordeaux dans une semaine. Metz jouera face à Sochaux, première rencontre qui peut arranger les Bordelais, même si Sochaux encore une fois c'est plus que c'était il y a 3-4 mois. Bon, Sochaux va un peu moins bien en ce moment. Voilà, ils peuvent toujours poser bien sûr des problèmes aux Messins, les Sochaliens. Il y aura aussi hein, bien sûr Bastia-Le Havre, un gros match là aussi, Guingamp-Niort, Bastia-Le Havre qui peut aussi arranger Bordeaux. Hein. Franchement les amis, si Bordeaux gagne aujourd'hui, ils peuvent se mettre très très bien. Ils peuvent mettre la pression sur Metz qui joue face à Guingamp tout à l'heure. Guingamp qui, il faut aller gagner hein, pour les Messins. Sur la pelouse de Guingamp, ça va pas être chose faite. Et ils mettent également la pression sur Le Havre puisqu'ils reviennent à 2 points du Havre. Le Havre qui va aussi jouer face à Valenciennes. Valenciennes qui est une équipe un peu comme Annecy hein, qui joue le maintien. Et on a vu ce que ça a donné face à Annecy il y a une semaine. Bah, ils sont tombés face à Annecy, les Havrais. Donc vraiment, voilà, peut-être que ça y est, ça commence un peu à flancher du côté du Havre. Et en plus, la journée qui va arriver, il y aura un Bastia-Le Havre, un Sochaux-Metz. Donc en vrai, Bordeaux au niveau calendrier, ça va, tu vois, ils sont plutôt pas mal. Puis après, il y aura d'autres matchs, Dijon, Paris, etc. Laval, Nîmes, tout ça, tout ça. Et enfin, la dernière journée de Ligue 2, la 38e journée de Ligue 2, là voilà, les amis, avec donc Laval qui jouera Amiens, les Bordelais qui joueront Rodez, Metz qui va jouer notamment face à Bastia. Il y a un match que vous ne voyez pas, c'est Saint-Etienne-Valenciennes, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Enfin, il y aura aussi un Saint-Etienne-Valenciennes, bien sûr. Le Havre Dijon, tout ça, il y aura aussi Grenoble-Guingamp, voilà en tout cas pour les matchs. Les amis, donc voilà pour le calendrier, je voulais en parler, et bien sûr, le calendrier qui est plutôt là, hein, là aussi, hein, un Metz-Bastia. Voilà, Metz va jouer face à Guingamp aujourd'hui, puis Sochaux, puis Bastia plutôt par rapport à des Bordelais qui vont jouer aujourd'hui Laval, puis Annecy, puis Rodez. Ce sont toutes des équipes qui jouent maintien. Rodez, à mon avis, durant la dernière journée, à mon avis, ils seront maintenus s'ils continuent comme ça. Donc, bon, ce sera une équipe qui n'aura plus rien à jouer. Donc, en vrai, voilà. Le calendrier bordelais semble être quand même mieux que le calendrier messin. Alors, après, attention, hein, rien n'est. Voilà, on a eu un exemple lundi, les amis, avec une équipe qui joue le maintien, Annecy, qui a gagné face au Havre. Le Havre qui a pourtant perdu, qui avait perdu qu'un seul match avant de jouer face à Annecy, qui en a perdu deux maintenant. Incroyable, les gars. Dans tous les cas, dans cette Ligue 2, ils peuvent absolument tout se passer, les amis. Hop là. Voilà les coups pour le calendrier. Et bah écoutez les gars, 14h38, le match commence à 14h45 dans un peu plus de 5 minutes les amis. Nous sommes les Bordelais, le meilleur FCGB. Tu perds la mémoire, mange du miel, Médo. Et ça c'est une dinguerie les gars, vraiment. Vous arrêtez jamais avec ça, c'est incroyable. Allez Guingamp, le meilleur FCGB, forcément hyper pas le Nord. Ce soir les multiplex de Ligue 2 va être pour je vais être pour Saint-Etienne et Metz et Nîmes. Sochaux c'est compliqué mais Chan, attends tu parles quoi? Toi tu seras pour cette équipe là ou je crois que j'ai pas bien compris. Après jouer que des équipes qui jouent le maintien, c'est pas simple. Voilà, après forcément que c'est important comme le dit Pilou de contraster tout ça. Et encore une fois, on l'a vu avec le Havre qui jouait face à Annecy et qui a perdu. C'est pas simple non plus. C'est pour ça que on peut pas dire grand chose non plus sur ce calendrier. Mais bon, voilà, faut pas non plus.
rien n'est simple dans tous les cas dans cette Ligue 2. Mais voilà, les amis, on verra bien après. Si Bordeaux monte en Ligue 1, donc il n'y aura pas de Nantes-Bordeaux la saison prochaine en Ligue 1. Si Bordeaux monte en Ligue 1, donc il n'y aura pas de Nantes-Bordeaux la saison prochaine en Ligue 1. Si Bordeaux monte en Ligue 1, non, il n'y aura pas de Nantes-Bordeaux en Ligue 2, mais il pourra avoir un Nantes-Bordeaux en Ligue 1 aussi, Nantes reste en Ligue 1 aussi. Même si forcément Nantes ça va être compliqué, mais ça on le suivra en Ligue 1, on en parlera ce soir entre Lille et Marseille, puisqu'on fera Lille-Marseille ce soir, on en parlera aussi demain, les amis, dans le multiplex, etc. Nantes qui joue face à Montpellier à 17h, on en parlera ce soir, parce que voilà, Nantes, j'ai bien envie de suivre un peu la fin de saison. Dans tous les cas, on suivra leurs deux derniers matchs, bien sûr, dans la 37e et 38e journée. Mais vraiment, les Nantais, j'espère pas qu'ils descendent en Ligue 2. Après, mais vous imaginez, on aura un Saint-Etienne-Nantes en Ligue 2, le truc qui n'a aucun sens, quoi. Best Nantes, Saint-Etienne-Nantes, des affiches comme ça en Ligue 2, le truc qui n'a aucun sens. De toute façon, on aura aussi des. Par contre, on aura un Ajaccio-Bastia en Ligue 2, ça va être intéressant aussi. Non, franchement, c'est quand même incroyable. Hop. Tac. Donc, les amis, il est 14h40. Le match commence. Les gars, le match commence dans 5 minutes. 5 minutes avant le début de ce match. Auxerre va se maintenir, bah on verra. Hein. Forcément, ça va être un enjeu assez important pour la Ligue 1. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du haut de tableau avec les Bordelais, forcément. Et là, les amis, les 22 joueurs, hein, les Bordelais et les Bordelais, les gars, et les Lavallois sont dans le tunnel du Madrid Atlantique prêt à rentrer. Mais c'est vrai qu'on a énormément parlé de Bordeaux, mais il faut aussi parler de Laval. Laval qui a qu'un seul point d'avance sur Valenciennes, 2 sur Dijon. Laval qui, s'ils peuvent gagner aujourd'hui et réaliser un peu les mêmes exploits que Annecy. Annecy, on voyait pas trop comment ils pouvaient gagner face au Havre, pourtant ils l'ont fait. Forcément, ça les arrangeait, hein, Laval. Laval qui peut donc revenir à égalité de points avec Rodez si jamais ils gagnent aujourd'hui. Et forcément, prendre des points d'avance sur Valenciennes. Dijon, Valenciennes qui jouera lundi. Dijon qui va jouer face à Nîmes lors du multiplex tout à l'heure. Annecy qui va jouer dans le musée, etc. Forcément que là, pour Laval, le match est aussi intéressant. Tu sais, c'est qui les rivaux de Bordeaux? Qui sont les rivaux de Bordeaux? Ils ont pas de grand rival. Bordeaux, hein, Toulouse un peu, non? Je crois bien qu'il y a un petit peu de rivalité entre ces deux clubs, non? Un peu, mais pas grand chose. Mais ouais, il n'y a pas non plus de grande rivalité, je crois bien. On sait qu'il y a une grande amitié avec Saint-Etienne, mais rivalité, un petit peu, ouais. Je sais pas, peut-être que les rivaux Toulouse, OM et Nantes. Ah ouais, Toulouse, OM et Nantes sont les rivaux de Bordeaux. Ouais, pour moi, j'avais Toulouse, OM, ok, je savais pas trop, Nantes. Ok, alors. Mais bon, ce soir, Laval, en tout cas, n'est pas un grand rival, ça on le sait. Il y a déjà eu un OLASS en Ligue 2, nous met Melo. Un OLASS en Ligue 2. Si on remonte, il y a peut-être déjà eu ça, ouais. Bon. Quoique, hein. J'ai eu un OLASS en Ligue 2, je sais pas. Bref, les gars, restons sur l'autre match. Laval contre Bordeaux, l'entrée des 22 joueurs sur la pelouse du Matmut. Les supporters de Laval sont très nombreux à avoir fait des placements. Le Matmut Atlantique est bien rempli. Ils ont bien raison d'être présents, les supporters de Bordeaux, parce que là, il faut le remplir, ce Matmut Atlantique, pour tout simplement encourager les joueurs qui ont besoin de courage. Il y a un magnifique tifo qui a été mis en place dans le virage bordelais, les amis. Quel magnifique tifo avec. Franchement, un très très beau tifo. Bon, j'ai l'impression que c'est une espèce de. Ouais, c'est un. J'arrive pas bien à distinguer là de là, mais en tout cas voilà, c'est vraiment un beau tifo. Il y a une bâche après qui est entourée des supporters, voilà, qui portent des espèces d'écharpes. Non, franchement, c'est un magnifique tifo, les amis, qui a été mis en place par les supporters de Bordeaux. J'arrive pas bien à distinguer ce que c'est exactement parce qu'ils ne l'ont pas montré en gros plan, mais voilà, l'ambiance est là. C'est vrai que le Matmut Atlantique est bien rempli. Il y a carrément les tribunes supérieures qui sont remplies. C'est rare de voir ça. Et forcément, un Matmut Atlantique qui est le stade avec la plus grande capacité en Ligue 2, le Matmut Atlantique, à peine devant le stade Geoffroy Guichard Saint-Etienne. Bah, il est pratiquement plein, mais en tout cas, il y a très peu de sièges de vide ici à Bordeaux. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir un stade de cette envergure pratiquement rempli. C'est vraiment extrêmement plaisir. Monsieur l'arbitre, Monsieur Lissorg, hein, les amis, qui sera l'arbitre de ce match aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Monsieur Lissorg qui vient réunir les deux capitaines. Donc, bien sûr, le capitaine bordelais, Barbet, on commence à en avoir l'habitude. Et bien sûr, le capitaine également de Laval, Adeoti, qui sont réunis vers l'arbitre pour savoir qui aura notamment l'occasion d'engager. Et le match va pouvoir commencer entre Bordeaux et Laval d'ici quelques secondes, d'ici quelques minutes. Il est 14h43, dans 2 minutes, le match va commencer. Mais quelle ambiance! Quel tifo la part des ultramarines, quelle ambiance ici au Matmut Atlantique.
Il y a du soleil à Matmut. Ah oui, oui, c'est sous le soleil. Hein. Là, c'est clairement sous le soleil que cette rencontre devrait débuter. On le voit là, on le voit. Hein. C'est vraiment le soleil tapant ici à Bordeaux. L'amitié Saint-Étienne-Bordeaux vient d'où? Je crois, j'avais vu un article là-dessus, comme quoi, lors d'une rencontre, les supporters avaient fait un match de foot entre eux, etc. Et puis, bon, après, je sais pas si c'est une légende, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si y a de ça ou pas, j'en sais rien, mais j'avais vu un petit truc là-dessus. Voilà. Ouais, je t'ai répondu, je crois, Noéni. À part, je sais pas si c'est toi qui m'as demandé ça, mais parce que t'avais pas le même pseudo, mais je crois que je t'ai répondu. Salut Loupi qui nous rejoint, supporter Havre. Les gars, levez la main dans le chat, tous les supporters de Metz qui sont avec nous et tous les supporters du Havre là qui sont avec nous pour voir un peu ce que fait le rival bordelais. Et peut-être aussi les supporters, je sais pas moi, de Valenciennes, de Dijon, tous ceux qui jouent aussi le maintien. Levez la main tous ceux qui sont un peu autres que Bordeaux ou Laval, parce que là je vois que vous êtes 68% à être pour Bordeaux dans le chat, 19% sont pour Laval et 12% sont neutres. Donc j'imagine que parmi les neutres, il doit y avoir des supporters, voilà, et même parmi les supporters de Laval, peut-être qu'il y a des supporters Havre et Metzin qui sont pour Laval parce qu'ils aimeraient bien voir Bordeaux gagner. Allez, maintenant les amis, on est bientôt parti les gars, entre Laval et les Bordelais. Du coup, on va se rendre pour Laval, on va se mettre dans notre match, c'est un match très important aujourd'hui. Bon match à vous tous, supporters de Bordeaux et de Laval, et nous sommes partis sur la pelouse du Bad Butte Atlantique, sous les tambours des supporters, sous le chant des supporters. On est parti entre le FC Girondins de Bordeaux et le stade lavallois. Une victoire obligatoire pour Laval, une victoire obligatoire également pour Bordeaux, pour deux enjeux distincts comme on l'a vu en avant de match. Bordeaux ne veut pas rester en Ligue 2, tandis que Laval, eux, donneraient tout pour rester justement en Ligue de ballon pour les Bordelais. Bordeaux fait tourner directement, le coup d'envoi a été donné par Laval, mais Bordeaux qui met directement le pied sur ballon. Greg Garçon qui fait tourner, les gars, je vous mets les statistiques, je vous règle 2-3 trucs et ensuite on va pouvoir commenter ce match comme il se doit, les gars. Hop. Il y a un beau soleil ici à Bordeaux. Sur Beansport, ils nous disent carrément la température entre 20 et 22 degrés. Donc, autant vous dire qu'il fait plutôt bon ici à Bordeaux. Allez, pendant les pieds des Bordelais, côté gauche, le long ballon en direction, pourquoi pas, de Nsimba. Finalement, il sera pas très très bon. Il y aura du coup une touche à jouer là pour Laval. Le ballon qui sera directement rendu à Laval. Allez, bon match, les gars, je le répète. Mais oh, l'ambiance, par contre, est vraiment dingue. L'ambiance est vraiment dingue à Bordeaux. En fait, il y a un côté du COP qui ont des écharpes, voilà, un espèce d'une pancarte blanche. Un côté du COP des Ultramarines qui ont une pancarte bleue. Et du coup, ça fait vraiment une délimitation. Enfin, ouais, c'est très, très beau et les supporters chantent tous, ils sautent, enfin, bref, vraiment une énorme ambiance ici à Bordeaux, les ambiances comme on les aime dans les beaux stades comme ça, comme on les aime également. Donc franchement ça fait plaisir. Allez, ballon dans les pieds de Laval qui fait tourner directement. Bon match les gars, je le répète, bon match à vous tous. Pour match 0-0 entre Bordeaux et Laval, ça vient juste de commencer bien évidemment. Bon match à tous et allez Bordeaux, nous met Lizzy. Allez Bordeaux pour Vincent et salut Giovanni qui le met. Allez Laval, et ce soir je suis pour Saint-Étienne, les mecs Kevin. On suivra bien sûr le multiplex. Le match est sur Beansport, hein, pour ceux qui me demandent. Allez, bon là pour les Bordelais avec David Ajoli est passé, David Ajoli qui vient s'écrouler, monsieur Lissor qui n'a pas hésité une seule seconde avant de signaler le coup franc pour les Bordelais. Il y aura une faute de la part d'un Lavalois, il ne vient pas réclamer, hein, le Lavalois qui a fait la faute sur David Ajoli. Même ses partenaires viennent limite le féliciter de cette faute parce que bah, ça vient un peu couper David Ajoli qui était lancé lorsque Zurico, David Ajoli, le géorgien, est lancé comme ça à pleine balle, compliqué de l'arrêter. Donc forcément que faire une faute pour l'arrêter, et ben ses coéquipiers le félicitent carrément parce que sinon on savait pas où il allait aller si jamais n'avait pas été arrêté. David Ajoli, beaucoup franc à jouer pour les Bordelais avec Johan Barbet, le capitaine de Bordeaux, autour du ballon. On sait qu'il en a marqué, hein, des coups francs de ce type, Barbet, des coups francs directement, et ça m'étonnerait qu'il le frappe dans la surface de réparation. À mon avis, il va vraiment le frapper directement, Barbet, pour situer le coup franc. On est à peu près aligné au poteau gauche, on va dire, du gardien, si on se met à la place du gardien, à la gauche du gardien et à la droite de Barbet. Donc voilà, le ballon qui est aligné à ce poteau-là, on est à 5-6 mètres de la surface de réparation, mais on est vraiment... Bah voilà, très bien placé pour le frapper directement dès le début du match. Ça ferait du bien au Bordelais. Allez, Barbet pour frapper ce coup franc. Il est tout seul autour du ballon. Barbet, il n'y a que lui qui va pouvoir le frapper direct. Est-ce qu'il y a une combinaison qui va être tentée pour les Bordelais? Est-ce que ça va être frappé direct? On verra ça, mais oui, je pense que ça va être frappé directement. Allez, Barbet qui va s'élancer le pied gauche du capitaine et défenseur bordelais. Barbet qui va s'élancer directement. Barbet qui s'élance et frappé. Oh, oh là 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 là, les amis, mais c'est très bien frappé. C'est frappé directement. Et Bordeaux qui ouvre le score dès la troisième minute de jeu. Oh là 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 là, 1-0 pour les Bordelais. Barbet qui fait encore parler son génie et qui vient réveiller, j'allais dire le Matmut, mais non, on est déjà réveillé. Le Matmut qui vient, ouais, il y a une éruption là les amis au Matmut Atlantique après le marteau de score. Le Barbet, c'est un petit peu une libération pour les Bordelais. Ils ont tellement galéré à marquer face à Quevilly, au final ils ont pas réussi à marquer, les Bordelais, face à Quevilly. Bah, la marqué au bout de 3 minutes, 4 minutes de jeu grâce à Johan Barbet, forcément qui sont soulagés les Bordelais. Mais qu'est-ce que c'est bien joué, le coup franc de la
part de Barbet, il a pas voulu, il est pas passé par-dessus le mur, il a frappé côté ouvert. Il a frappé côté ouvert Barbet. C'était très très bien frappé, à peu près à mi-hauteur, le ballon qui retombait à ras du poteau. Et à mon avis, le gardien était masqué par son mur, et le gardien Lavallois pensait aussi que Barbet allait frapper côté fermé, mais non, il a frappé côté ouvert. 1-0, Johan Barbet sur coup franc. Oh, il est énorme, hein. Il est énorme, les amis, Johan Barbet. Il est énorme. Oh là là, incroyable. Un défenseur qui marque de tels coups francs, c'est pas tout le temps qu'on voit, enfin c'est pas tous les week-ends qu'on voit ça, hein. C'est rare de voir des défenseurs frapper les coups francs. Barbet, lui, on est habitué avec lui, on sait que c'est un frappeur de coups francs, voilà, il est habitué à frapper des coups francs, Barbet. Et là, incroyable les gars, 1-0 pour Bordeaux, Sidney Barbet. Barbet, 3ème minute de jeu sur coups francs. Autant vous dire que les Bordelais, ils sont en train, voilà, ils partent très très bien dans ce match. Au Matmut Atlantique, Bordeaux qui revient à 2 points du Havre, Bordeaux qui distance provisoirement de 4 points les Messins. Bref, c'est énorme ce qu'il est en train de faire Bordeaux. Maintenant, il faut continuer. Ballon côté gauche vers Bakoua. Et maintenant, faire le break. Hein. Maintenant, il faut faire le break pour les Bordelais, parce que Laval ne va pas lâcher les morceaux. Ça, c'est une certitude. La tête pour Grégar. Ça met déjà 1-0 pour Bordeaux. Et je vois vos réactions, les gars, dans le chat. Le chat, c'était n'importe quoi aussi. Hein. Quand il a marqué Barbet, je vois les réactions, les gars. C'était n'importe quoi. Barbet, fais-moi un enfant. On le met FCGB Forever. Réveillez-vous, Laval. Girona, avec des applaudissements. On le met Kevin. Pour le match, c'est pas à 15h. Ah bah oui, là, d'ailleurs, les gars, le match, il est pas à 15h. On ne sait pas pourquoi le match n'est pas à 15h, ils ont décidé de le mettre à 14h45, ils avaient déjà fait ça la LFP. Si vous êtes arrivé en retard les gars, franchement, pas de bol, parce que là c'était pas le moment d'arriver en retard. Là les gars, c'était pas le moment d'arriver en retard. 1-0 pour les Bordelais, attendez parce que j'ai pas réglé le score les gars, désolé. J'ai pas réglé le score, allez 1-0 pour Bordeaux, t'inquiète. Allez, ballon récupéré là par les Bordelais à droite avec un Bordelais à terre. On est reparti du contre Bordeaux et Laval, et on a vu des fumigènes allumés, on a vu tous les supporters se lever, sauter, célébrer ce but. Une grande libération hein, quand même pour les Bordelais. Et wow, 1-0 déjà pour Bordeaux. Ils se mettent très très bien les Bordelais. Ils se mettent très très bien. Ils sont déjà en train de mettre la pression sur Metz, etc. Mais attention parce que le match en lui-même n'est pas terminé. À faire ce match jusqu'au bout. Salut Mad Tomato. Faut que Laval égalise. Nous met Giovanni. Bah, ils vont te faire pour hein, bien sûr Laval. Allez Bordeaux, étant supporter de Dijon, je veux que Laval perde. Le met Yoshi, allez Bordeaux également, le met JR. Allez, bon là pour les Bordelais côté droit. Ouais, c'est bien ce que fait Bordeaux. Oui, il continue, allez Bordelais pour aller marquer le deuxième but avec Bokele. Bokele qui tente de passer, Bokele pour savoir David Adjoli. Il est pas hors jeu David Adjoli ici, finalement il est l'arbitre assistant qui vient lever le drapeau. 1-0 toujours pour Bordeaux, hors jeu David Adjoli, ballon rendu à Laval avec un coup joué pour Laval côté gauche. Incroyable les gars. On revoit le coup franc de Barbet, il est magique, hein. Le pied gauche, il tire côté ouvert, il n'a pas cherché à passer par-dessus le mur, non, il a juste pas tiré côté ouvert, quoi, et le gardien bah, ne s'y attendait pas, quoi, tout simplement, et puis c'est très bien tiré, et puis c'est très bien tiré également de la part de Barbet, hein, ça c'est sûr. Incroyable, les gars. Allez, ballon pour les Bordelais encore avec Gregerson. Gregerson pour revenir, Gregerson pour écarter peut-être côté gauche. C'est beaucoup Noah. Ballon envers Nsimba. Allez Nsimba encore. Nyora 10 séquence. C'est tout à l'heure à 19h Matt Tomato. Actualise le score. C'est tout bon les amis. J'ai mis 1-0 pour Bordeaux. Tout est réactualisé. Les Bordelais qui reviennent dans leur défense. Ouais, Bordeaux, ils ont bien le ballon. Hein. Les Bordelais, ils font tourner tranquille. On sent qu'ils vont pas s'arrêter là. Et c'est bien. Faut pas se dire c'est bon, on a ouvert le score. C'est bon, on arrête là. Non, faut continuer comme ça pour Bordeaux. Faut aller marquer le deuxième. Hein. Faut aller marquer le deuxième but. Allez, ballon là pour Laval. Laval qui va tenter de revenir derrière avec Goncalves. Goncalves pour écarter côté droit. Le beau ballon en direction peut-être là de Silla. Silla qui tente de contrôler. Il y aura une touche à jouer pour les Bordelais dans leur camp. Côté gauche, vers le poteau de corner histoire de reprendre le ballon. Incroyable, les gars. Ouais, et David Guillon qui fait des signes, hein. David Guillon qui essaye de... il voit qu'il y a quand même quelque chose à... deux, trois petites choses à remettre en place du côté bordelais. Il est là, Guillon, allez, ballon vers Poussin hein, qui capte ce ballon tranquillement, le gardien bordelais pour relancer. Poussin vers Barbet, le buteur. Merci beaucoup les gars pour les 100 de likes, ouais, on a déjà dépassé les 100 likes. Merci beaucoup les gars pour les 100 de likes, ça fait plaisir. Merci Kevin, merci Louis.
Salut, c'était pas 15h le coup d'envoi, j'ai raté un but. Ah mais là les gars, vraiment désolé à tous ceux qui pensaient que c'était 15h le coup d'envoi. Et bah là il est toujours pas 15h, donc les retardataires ils vont arriver là. Les gars, dans 7 minutes, apprêtez-vous à avoir une vague dans le chat de oh non, je pensais que c'était à 15h, mais en vrai les gars, franchement c'est fou Robin. Même la LFP, pourquoi ils enlèvent, pourquoi ils le mettent à 15 minutes avant? En Ligue 1, on sait que c'est. Oh, tu avec un ballon dans les pieds de Maja. Maja, Maja, la frappe de Maja, la frappe de Maja, malheureusement il y a une position de hors-jeu. Oh là là, il y a une position de hors-jeu parce que Maja avait réussi à dribbler Sauvage, le gardien de Laval avait été dribblé, Maja qui était passé, qui a aussi frappé, ça a d'ailleurs fait trembler les filets, mais il était en position de hors-jeu au début de l'action Maja. Lors de la déviation de Badji, il y aura du coup un coup franc joué pour Laval, position de hors-jeu logique, mais ça montre que Bordeaux va pousser encore. Hein. Mais ouais, c'est vrai que voilà, j'étais en train de dire les amis, en Ligue 1 on sait que c'est 20h45 le match du dimanche, on le sait, ça nous a fait bizarre au début mais maintenant on le sait, autant normalement en Ligue 2 c'est samedi 15h, ils l'ont déjà fait une fois hein, cette saison de mettre un match à 14h45. Ils le refont. Donc fallait pas se faire piéger. Les ballons récupérés là par la Valeroite. Avec encore une fois-ci la vers Baudry. Baudry s'est passé. Baudry, ballon côté droit avec Baudry qui revient vers Naiji. Pour le moment, les Lavalois qui reviennent dans leur camp. Les Bordelais qui viennent presser. Ils sont très 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 bien dans le match. Dans leur match Bordeaux, bien sûr. Ils mènent. Les Bordelais, c'est déjà forcément que en menant, tu peux être que bien. Mais par rapport à Monaco, par exemple, hier qui s'est vu mener dès la première minute de jeu sur un penalty qui a été un peu offert par les Lyonnais. Par Monaco, on a très bien vu. On a très vite vu derrière que bah. C'était pas si mieux que ça, même s'il menait. Lyon avait quand même eu des occasions, des belles réactions derrière. Pour le moment, Laval n'a pas vraiment réagi. Bordeaux est plutôt pas mal, mais il faudrait justement pas que la réaction elle soit maintenant pour Laval. Le centre Lavalois, le contrôle s'est bien joué. La reprise de volée pour Laval. Ouh, l'arrêt de Poussin, quelle belle reprise de volée. Qui a fait ça? Il me semble que c'est. C'est qui? Je sais pas, en tout cas, ouais, il y a un beau contrôle et après. Frappe pied gauche, il me semble que c'est Elisor. Hein. C'est Elisor, les amis, le meilleur buteur. Le meilleur buteur de Laval qui a réussi à contrôler poitrine, se retourner, frapper et le ballon qui a été arrêté par un gardien Poussin qui a été vigilant. C'était pas non plus, voilà, c'était pas non plus une grosse occasion, je veux dire, voilà, c'était plutôt simple, on va dire, entre guillemets, de l'arrêter ce ballon. C'était sur Poussin, mais fallait pas être non plus être surpris parce que voir un attaquant contrôler, se retourner comme ça d'un coup, c'était pas forcément prévisible. Les ballons pour les Bordelais, Barbet vers. Barbet vers Mwanga. Allez, Mwanga, traversale de Mwanga, côté gauche. Le beau contrôle là pour Bokele. Il est passé avec David Tajvili. David Tajvili dans la surface de réparation. David Tajvili qui ressort de cette surface. Il va peut-être pouvoir revenir avec son défenseur. Bokele encore. Bokele qui revient avec Franck Sergio vers Barbet avec Gregerson pour David Tajvili encore à droite. Les Bordelais sont pratiquement tous dans le camp de Laval. Toujours 1-0 pour Bordeaux. Salut, pseudonyme. Et Louis, il est chaud, hein. Tu fais PSG au CR. C'est demain, Kélian, donc je sais pas encore, on en parlera ce soir. Il faut vite faire le break, nous met Aaron. Bah là, faut faire le break hein, pour les Bordelais. Alors, bien sûr que là, faut faire le break. Ouais. Allez, ballon pour Laval. Ils font tourner avec Seydou vers Gonçalves. Mais déjà, 1-0 pour Bordeaux au bout de 3 minutes, 4 minutes. Je pense que nombreux sont les supporters bordelais. Dites-le moi, les gars. Hein. Je pense pas qu'on s'attendait forcément à avoir un but aussi rapide des Bordelais. Donc là, je pense que c'est un grand soulagement. Ça y est, Bordeaux, ils sont provisoirement à 2 points derrière le Havre. Ils ont 4 points d'avance sur Metz. Ils en restent là, ils sont plutôt bien. Mais attention, la perte de balle de Bokele. La perte de balle de Bokele. Le corner a joué pour Laval. Ils n'ont même pas. Ce serait une sortie de but à jouer pour Poussin et pour les Bordelais. Ils s'en sortent bien, là, les Bordelais, parce que Bokele vient perdre un ballon proche de sa surface de réparation, ça aurait pu être fatal. Derrière Elisor qui le récupère mais qui n'en fait pas bon usage on va dire, et ballon qui est directement rendu au Bordelais avec Barbet qui refait tourner avec Gregerson. Bordeaux fait tourner dans sa défense. Allez, les Girondins de Bordeaux jouent dans le chat. J'ai pas compris Joël, désolé. Barbet le goûte, Oumejov, Barbet énorme. Allez, ballon encore une fois là pour Bordeaux. Ils font tourner tranquille avec Bokele vers Mwanga vers Gregerson. Pour ouais, vers Barbet plutôt, Barbet à gauche. Allez, Barbet, ils ont la ligne de touche, le long ballon. Ce sera pour servir Badji qui tente de passer devant la défense de Laval. Mais le ballon sera finalement rendu aux hommes en orange aujourd'hui. Ballon côté droit encore une fois pour Laval. Si là il est passé. Si là le beau contrôle de Gonçalves. Gonçalves c'est bien joué. Ballon côté gauche, pourquoi pas là pour Laval. Oui, c'est bien ce que fait Laval. La défense bordelaise qui a du mal à revenir. C'est carrément David Tajvili qui fait l'effort pour revenir. David Tajvili, il n'y aura pas de faute. Laval qui a toujours ballon côté gauche. Le centre pour Laval, deuxième poteau, la tête de Laval. Oh, c'est dégagé par Mtimba, corner à jouer pour Laval. Attention parce que là, la réaction lavalloise, on est en train de la remarquer. Attention à ne pas craquer quand même pour les Bordelais. Corner à jouer pour Laval. Ce serait dommage. Allez, corner à jouer pour Laval. Attention quand même les Bordelais. Hein. Attention quand même les Bordelais. Salut Skunking. Allez Laval, mais je pense que le match est déjà fini, gardons espoir. Oh non, en vrai les amis, le match il est vraiment loin d'être fini.
Il est loin d'être déjà terminé ce match. Franchement, il peut encore s'en passer des choses. Allez, corner à jouer pour Laval côté, côté droit. On va sur le corner. 13ème minute de jeu. Le corner qui est frappé. La tête pour Laval. Non, ce sera finalement dégagé par les. Non, ce sera une tête de Laval. Donc, ok, il y aura une sortie de but. Sortie de but à jouer pour Poussin. Eh, je sais pas si c'est la caméra ou si c'est l'ombre. Parce qu'il y a une zone, il y a une zone d'ombre juste devant le but de Poussin. Mais à chaque fois qu'il y a une tête, un truc comme ça, bah, on dirait que le ballon il part direction des buts. Alors qu'en fait, non, il est totalement à côté. Il y a des effets d'optique. Des fois, c'est un peu perturbant. Bref, là, il y aura un ballon récupéré par les Bordelais avec Barbet. Laval est un palindrome comme Révis se lit à l'endroit comme à l'envers, nommé Joël, effectivement. Ça, c'est incroyable, les amis. Joël, il nous fait toujours des petits points comme ça, culture. Mais oui, Laval, on peut le lire dans les deux sens, comme Kayak et tout ça, tu vois. Comme Ekitike, d'ailleurs, à Paris. Ekitike, on peut le lire dans les deux sens aussi. Bordel, c'est pénible. J'ai parié sur une victoire de Bordeaux et victoire Tottenham. Les Anglais perdent. Ouf, il reste combien de temps? Il reste 22 minutes. Force à toi, Pascal. Bon, bonne chance, bonne chance. Tu peux encore espérer, Pascal. Bonne chance à toi. En tout cas, pour moi, Bordeaux, c'est bien parti. Allez, rien de touche, les amis, à jouer côté, côté droit, les gars, pour les Bordelais. Avec Ntimba à la touche. Non, Bokele à la touche, excuse-moi. Allez, Bokele. Bokele qui va jouer cette touche. Bokele s'est joué long. Bokele vers Maja. Maja. Maja qui va perdre ce ballon. On sera récupéré par David Ajoli derrière. Tu fais Lorient Lance non, pas de Lorient Lance aujourd'hui, Winston. Salut, Kalou. Aujourd'hui, on fait tous les matchs du championnat français sauf. Enfin non, Lorient-Lens c'est demain hein, d'ailleurs. Mais oui, aujourd'hui on fait tous les matchs du championnat français sauf Nantes-Montpellier. Et Lorient-Lens ce sera demain, mais je pense pas les faire. Mais je suis pas encore sûr, hein. On en reparlera les gars, on en reparlera. Allez Bordeaux pour mettre ce petit ballon par-dessus. Ouais, c'est bien joué là pour les Bordelais vers Badji. Badji, on est dans le camp de Laval. Le ballon qui est mis à terre par Laval avec un ballon côté gauche pour les Lavalois. Ouais, il y a peut-être quelque chose à jouer là pour Laval avec Tapoko, il est passé. Tapoko, il y aura un appel. Le ballon côté gauche, la tête de Grégerson pour écarter le danger. Même si la balle restera en faveur de Laval. Il tourne dans le camp de Bordeaux à droite. C'est beaucoup hein, pour les gars pour les 124 likes, merci à vous tous. Ballon vers Ntimba, Ntimba qui tente de le récupérer. Ça restera dans les pieds des Tango, mais ça reviendra vers Barbet, le buteur de ce match. La tête de Barbet, voilà. Mais Barbet il marque, en plus il est bon en défense hein. Il fait pas que marquer, enfin déjà de base il est défenseur. Donc sa fonction primaire ça reste quand même de défendre. Et il l'occupe parfaitement. Et en plus de ça, il y a un petit bonus derrière. C'est que il est un très bon frappeur de coup franc. Et on l'a vu encore une fois en début de match. Alors que là il est un peu pris en sandwich. Badji, il y aura du coup une faute de salé par Monsieur Lissorg. Coup franc à jouer pour les Bordelais à peu près sur la ligne médiane. Tottenham ont pourri leur fin de saison, mais Vincent. C'est vrai que Tottenham, bah, c'est dommage un peu. Hein. Après, Pascal, je te souhaite le meilleur. C'est pas encore terminé. Il reste 20 minutes à peu près. Brentford était 9e. Enfin, était 9e. Moi, je crois qu'ils étaient 9e. Tottenham était 7e, du coup. Bakoua. Allez, Bakoua mal au pied. Bakoua pourra peut-être tenter de revenir. Et l'arbitre qui vient saluer encore une faute de la part d'un Lavalois sur Bakoua. Ouais, il avait fait un espèce de double contact. Bref, il était passé. Bakoua, et derrière, il y a une faute. La faute qui joue rapidement vers David Ajoli à droite. David Ajoli est passé. David Ajoli, la surface de réparation, le centre de David Ajoli peut-être et finalement se dégager en corner par la défense de Laval, les amis. Allez, corner à jouer, les gars, pour Laval. Corner à jouer pour Laval. Et merci, les gars. On s'approche effectivement des 150 likes. C'est incroyable. Corner pour Bordeaux, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit Laval? Autant pour moi, les amis, je me suis trompé. Corner pour les Bordelais. Côté droit, et ce sera Ntimba, le frappeur de corner. Il ne se presse pas, Ntimba, pour aller frapper de corner. Il commence déjà à gagner un peu de temps. Et ouais, donc les amis, là, il y a potentiellement des gens parmi nous qui sont venus là il y a 2 minutes en pensant que le match commence à 15h, mais non, c'est 14h45. Ouais, vraiment désolé les gars pour vous, parce que bah en vrai, c'est vrai que c'est un peu dommage. Pas pourquoi ils font ça là, l'FP. Attention les gars, le corner que je vais pour les Bordelais, la tête bordelaise peut-être, le cafouillage vers Josh Maja, ballon récupéré par Laval et dégagé. Et merci beaucoup Médo pour le don de 1,02€, merci à toi les amis, des gros GG les gars pour Médo dans le chat. Merci beaucoup Médo pour le soutien, un maximum de GG les gars, un maximum de GG pour Médo avec la petite animation 1,02€, c'est très précis. Merci beaucoup Mélo pour le soutien. Merci à toi. Allez, ballon vers Grégerson. Grégerson qui fait toujours tourner là. Les Bordelais qui font toujours et encore tourner dans leur défense. Ballon vers Poussin. Poussin vers Barbet côté gauche. Barbet balle au pied encore. Barbet pour relancer du côté des Bordelais. Bordeaux qui mène 1-0 pour moi. Au niveau des statistiques, les amis, les voilà. Les stats. Ah non, d'ailleurs, il y a un petit bug au niveau des stats. Attendez, je vais. Et ça.
Vegarsen avec Barbet. Les amis, les statistiques, les voyants, les gars. 64% à 30, c'est la possession pour les Bordelais. Un tir à 1, intercadré à 1. Et pour le moment, ce sont bel et bien les Bordelais qui mènent. Ok, pas de soucis. Bédo, il n'y a pas de problème. Allez, on va le récupérer encore. Ah, ok, d'accord. Tu vois un 2-1 pour quelqu'un? Ah non, ouais, je ne sais pas du tout. Un 10-2 peut-être. Allez, on va le récupérer là par Laval. Laval pour écarter à droite. Un petit ballon côté gauche. Attention, la question à jouer là pour Laval. La reprise volée pour Laval. C'est contré par Gregerson qui s'est sacrifié. Gregerson qui s'est sacrifié derrière Poussin qui va pouvoir capter le ballon. Monsieur Lissort qui demande le calme à Poussin. Gregerson qui reste à terre. Mais là, ouais, là sur cette perte de balle d'Ntimba. Ntimba qui perd un ballon très très bas. Le ballon récupéré par Laval, il y a une belle transversale ensuite pour les Lavalois côté gauche. Il était pratiquement tout seul. Gregerson, il est venu, il a taclé, il s'est sacrifié. Et ensuite, il est resté à terre parce qu'il y a un Lavalois qui a trébuché sur Gregerson. Attention quand même, hein, ça aurait pu faire un petit pénalty un peu bête. Le ballon qui a été finalement capté par Poussin, plus de peur que de mal. Gregerson qui reste à terre, mais wow! Parce que Gregerson, en voulant se relever, il a fait un espèce de tacle à un joueur de Laval. Il y aurait limite pu avoir faute en vrai. Hein. Ouais, mais non, en vrai, je pense que c'est quand même assez léger pour signaler faute quand même. Hein. Mais bon, en tout cas, toujours 1-0 pour Bordeaux et le ballon sera récupéré par les Bordelais. Attention quand même, les Bordelais, hein. On sent qu'ils sont pas non plus super à l'aise. Enfin, voilà, ils sont pas non plus. Les Bordelais, les gars, il y a un peu de. Comment dire, il y a un peu de. J'arrive pas à trouver mon mot. Ouais, un peu de faiblesse, quoi, des fois. Ils sont pas très sereins, quoi. Ils sont pas très sereins pour le moment, c'est un peu étonnant. Ah ouais, Louis, j'avais pas vu l'info. En gros, ce sera plus l'équipe, mais France, ça, attention, bon, là pour les Bordelais. Avec David Ajoli, peut-être, c'est récupéré la part par Laval côté gauche. Laval pour progresser, peut-être, avec un ballon dans les pieds. Dès la valeur gauche, ce sera récupéré par David Ajoli. David Ajoli, il est passé. David Ajoli, il est passé encore une fois. Il va s'écrouler le Bordelais. Le ballon qui restera dans les pieds de Bordeaux avec Bakoua. David Ajoli encore. Il a tenté le petit pont, David Ajoli. Mais c'est récupéré cette fois-ci une bonne fois pour toutes pour Laval côté gauche. Le fait qu'ils aient gagné contre Sainté, c'est ce qui me fait dire aussi qu'il faut qu'on soit irréprochable défensivement en attaque. Je m'en fais pas par contre, le mec Kevin. Donc ouais, j'imagine que tu parles de Laval, puisque Laval reste sur une victoire face à Saint-Etienne. Bah voilà, donc pour le moment c'est défensivement que ça va pas très bien, parce qu'ils sont pris un but. Maintenant, si offensivement tu t'en fais pas trop, bah ça devrait le faire alors. Hein, mais bon, c'est justement là, on va voir si Laval va réussir à marquer. Les ballons côté gauche pour Laval, on est dans la surface de réparation de Bordeaux. Le centre Laval a peut-être la très belle défense de la part d'Ntimba là, pour mettre ce ballon en sortie de but. Non, de la part de Bokele. Il y aura du coup une sortie de but, les amis, à jouer pour. Je les confonds à chaque fois, Bokele et Ntimba, je sais pas pourquoi. Mais il y aura une sortie de but, les gars, à jouer pour Poussin. Alors pourtant, il y en a un qui est à droite, un qui est à gauche, tu vois, c'est pas compliqué. Mais... Sortie de but à jouer, les amis, pour Poussin. Toujours 1-0 pour Bordeaux, on a dépassé les 20 minutes de jeu dans ce match. Toujours 1-0 pour les Girondins. Par contre, il y aura un Bordelais à terre, c'est Franck Sergio, les gars, qui est à terre. Franck Sergio qui est à terre, Monsieur Lissort qui appelle les médecins. On va voir ça. Et pour moi, Bordeaux se met très bien. Et c'est une très bonne chose. Hein. Franchement, je suis content pour eux. Ils se mettent pour le moment très très bien, les Bordelais. Voilà, Nathan, fallait pas se faire piéger. Épingle le message, le match a commencé à 14h45 parce que tout le monde se demande ça serait plus facile. Ouais, mais là, maintenant c'est trop tard. Hein. On le voit bien, hein, ça fait 22 minutes que l'on joue, il est 15h07, on peut faire le calcul. Salut Christophe! Moi j'avais parié 2-1 pour Bordeaux, Christophe, donc pour le moment ça va. Tu vois. Ouais, voilà, flottement Joël, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, pour le moment, les amis, le jeu est toujours arrêté. Il y a Franck Sergio toujours à terre et c'est un peu inquiétant quand même là pour les Bordelais, parce que voir un Franck Sergio à terre comme ça c'est vraiment inquiétant, surtout parce que... Ouais, surtout parce qu'il s'est fait mal tout seul, quoi. Il s'est fait mal tout seul, en gros, il a planté le pied dans la terre, ce qui lui a fait pivoter la cheville, quoi. Donc, ça a l'air d'être Ça a l'air d'être une blessure assez sérieuse, quoi. Donc on va voir un peu s'il y aura des changements. À mon avis, oui, il y aura des changements du coup du côté bordelais. Et pourquoi pas avoir un Lacou rentrer à la place de Franck Sergio, ce serait le changement le plus probable. On verra ça. En tout cas, pour moi, le jeu reprend. Franck Sergio semble s'être relevé. Donc il est quand même à l'échauffement. Lacou, il y a aussi Pitou qui est à l'échauffement. Maintenant on va voir un peu comment ça va. C'est dingue, les amis, c'est dingue. Ça va se dérouler, quoi. Allez, ballon vers Franck Sergio, vers Josh Maja vers Franck Sergio, encore une fois, Franck Sergio. On est reparti avec Barben. Non, je pense qu'il va aller bien, Franck Sergio, je pense que ça va aller.
Je pense qu'il va rester sur la pelouse. Il y aura du coup une touche à jouer côté droit là pour les Tongo. Sur cette transversale de Barbet qui est un peu ratée, alors qu'on voit toujours la grosse ambiance hein, à la part du supporter bordelais. Vraiment une énorme ambiance ce soir. Énorme ambiance, hein, les amis. C'était prévu comme ça, Nathan. C'est rond, un Bordeaux un peu quand même. C'est rond, rond, ça veut dire quoi, c'est rond, rond? Je suis seul à... Oula, peut-être que je sais pas, peut-être que je suis un inculte, mais... Merci beaucoup, Gilles, pour l'abonnement. Allez, Laval, le Miami XT. Attention, on va aller encore une fois là dans les pieds des Laval en côté gauche. C'est bien joué. Le centre pour Laval, il est contré la part David Ajvili. Eh, mais David Ajvili, les gars, il fait un match énorme. Parce que c'est vrai qu'il est un peu moins présent offensivement que d'habitude, mais défensivement, je sais pas, il est vraiment énorme. Hein. Il fait toujours les retours défensifs et à chaque fois, il paye ses retours. Laval qui aura toujours le ballon dans les pieds des Bordelais. Mais voilà, vraiment, Bordeaux, on sent qu'ils sont quand même en train de subir un peu. Hein. Les Bordelais, les gars, ils subissent encore un peu quand même. Hein. Bah Medo non, par contre aujourd'hui ce sera pas un bug aujourd'hui Medo, mais je pourrais sûrement pas vous montrer les LP. Enfin bref, on verra. Mais c'est prévu, je vous en parlerai de ça avec Gregerson pour dégager. Gregerson, il y aura une touche à jouer là côté gauche pour Laval, encore dans le camp des Bordelais. Bordeaux subit quand même un petit peu les amis. Même un peu beaucoup hein. C'est le nombre de spectateurs présents au stade, alors je sais pas du tout, j'ai pas vu l'info. Après, pour un stade qui compte à peu près 42 000 places, le Matisse Atlantique. Je dirais qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 37 000 personnes, peut-être ce soir, entre 35 000 et 37 000, je sais pas. Je dirais à vue d'œil, peut-être que je me suis trompé alors. 23 000 ! Que ça ? Et quand je vous dis les gars que j'arrive pas à jauger, c'est incroyable. Moi quand je vois un stade comme ça, quand je sais la capacité maximale, que je vois à peu près comment les sièges sont vides, bah j'arrive pas, j'ai vraiment une appréciation nulle à chier quoi, excusez-moi du terme, mais vraiment c'est le truc. Hein. Donc tu me dis qu'il n'y a que entre guillemets 23 000 personnes, Romain. Pourtant quand on voit un stade comme ça et qu'on se dit qu'il y a 42 000 places, bah, on dirait que... Bref, c'est très étonnant. Allez, ballon vers Laval à droite. Laval, ils sont passés. Il y aura une touche, les amis, à jouer là pour Laval. Allez, la touche encore une fois. Mais par contre, l'ambiance ici, ouais, vraiment, les ultramarines, ils sont vraiment très trop chauds. C'est incroyable. Toute la tribune saute en même temps, c'est un truc de fou. Hein. C'est ceux qui disent après, j'ai l'impression qu'il y a plus. Ah, on est d'accord, Romain. On est d'accord, Romain. Peut-être qu'il y a des supporters qui ont acheté leur place à la dernière minute. Attention, il y aura une touche à jouer côté gauche pour Bordeaux dans leur camp. Nsimba la touche. Mais bon, après, ouais, je pense que peut-être avoir, je sais pas, 25 000, 26 000. Je me suis peut-être un peu trop emballé. Allez, ballon pour Josh Maja. Maja pour. Maja pour Sarah Bokele. Bokele, c'est récupéré par Laval. Et il y aura une touche peut-être à jouer à droite, les amis. Pour Laval. Et ouais, ce sera une touche. Ah non, une touche à gauche pour Bordeaux. Merci beaucoup Eva également pour l'abonnement, merci à tous qui s'abonnent et tout, merci beaucoup les gars, on est à 10 likes et 150 likes, merci beaucoup les amis. Je pense qu'il y a un 3-2 pour Bordeaux. Allez, ballon à droite pour les Bordelais avec encore Nsimba. Nsimba pour Bokele. Bokele, le petit ballon de Bokele par le vers Maja. L'aide de pigeon de Maja pour la redonner à David Ajvili. David Ajvili qui la redonne à Bokele. Bokele qui tente de la remettre à Maja côté droit, mais sera récupéré par Laval avec Seydou pour relancer. Seydou vers Gonsalves. On est le long line de touche. David Ajvili qui tente de le récupérer ce ballon. Le pressing de David Ajvili. Ah, il est énorme. Hein. David Ajvili, les gars, il ne laisse pas respirer une seule seconde. Laval lorsqu'ils ont le ballon. Et Laval qui s'en sort quand même avec un ballon côté droit. Ils sont pas mauvais, hein, Laval quand même. Ils sont pas mauvais. Allez, ballon en direction de Silla. Silla il est passé, Silla qui revient. Oh là là, Nsimba. Oh là là, Nsimba, comment il se fait avoir. Le ballon pour Laval, la frappe et l'arrêt de Poussin. Quel arrêt de la part de Poussin pour mettre ce ballon au corner. Corner à jouer pour Laval, mais quelle frappe de Naiji qui a failli faire trembler les filets de Poussin. Ouah, Nsimba il est tombé devant Silla. Silla il a carrément fait tomber Nsimba là, c'était une petite humiliation comme ça. Alors après, Nsimba, j'ai l'impression qu'il s'est un peu tordu une cheville. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est tordu une cheville ou un truc comme ça. Donc à voir, on espère qu'il va aller bien Nsimba. Mais c'est vrai que vu comme ça, vitesse réelle, on aurait dit, vous savez, une espèce d'humiliation quand il y a carrément un joueur qui tombe devant toi quand tu fais quand tu dribbles comme ça. Et après, Silla qui a fait toute la différence, il a donné ce ballon à Nadji. Nadji qui a frappé l'arrêt de Poussin qui avait bien bouché son angle. Corner à jouer pour Laval. Mais attention quand même, Bordeaux, il y a eu ce but d'inscrit par Barbet. Derrière, Bordeaux était plutôt pas mal, mais depuis la 10e, 15e minute de jeu, ça va un peu moins bien. Et pour moi, ils tiennent les Bordelais, mais ça va peut-être craquer. Mais là, on revoit effectivement Nsimba. Ah oui, ok, en fait, Silla a marché sur la chaussure d'Nsimba. Ok, d'accord. Donc en fait, Nsimba ne s'est rien tordu, mais la chaussure, là, voilà, la chaussure de Silla qui a marché en fait sur la, 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 enfin, voilà, le,
le bout du pied de Silak a marché sur le talon de Nzima, donc en fait ça lui a enlevé un plat, je suis sûr, ça lui a peut-être carrément touché le talon, je sais pas, mais en gros, il y avait peut-être même une petite faute de Silak, mais à vitesse réelle, c'était impossible de le voir, hein, franchement. Attention les amis, le corner qui est joué, le centre là pour Lorient, deuxième poteau, le contrôle il est beau, ballon dégagé par Gregerson, ballon dégagé par Gregerson directement, salut Alban, salut Karim, allez ballon récupéré par Laval dans leur défense avec Baudry vers Tavares. Gonsalves à gauche, il est passé, Gonsalves côté gauche. Jamais autant serré les fesses lors d'une fin de championnat de Bordeaux, le mec Guillaume. Et d'ailleurs, un ballon récupéré par les Bordelais. Badji, Badji à droite. Badji, Badji encore. Badji. Oh, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Hein. On sent qu'il n'est pas non plus super à l'aise avec le ballon. Badji. Et ouais, là, il perd ce ballon. Malheureusement, Badji avait mieux à faire. Mais c'est récupéré par Laval derrière. Saïdou, Badji qui tente de quand même faire le retour pour essayer de le remettre lui son ballon. Mais ce sera récupéré encore une fois par Laval. Il y aura un contre à jouer pour Laval. Ballon par-dessus. Ouais, ballon écarté à gauche. C'est bien fait. Le tacle de Gregerson. Le tacle de Gregerson. Il est beau. Ce tacle de Gregerson pour ce ballon en touche. Gregerson. Irréprochable. Gregerson irréprochable depuis le début du match. Merci beaucoup fan du Real pour le like. Ah ouais Pascal, c'est étonnant. Tu vois, on me l'avait jamais dit Pascal. Ouais, pour moi malheureusement il y a toujours 2-1 pour Brentford d'ailleurs, je suis en train de voir. Mais force attend en tout cas Pascal. Mais tu vois, celui-là, on me l'avait jamais fait Pascal. Il n'y a personne qui m'écoutait en plantant les pieds de tomate. En tout cas, je sais pas où. Enfin si je sais pas où t'habites, si j'imagine vers Lyon. En tout cas à Bordeaux il fait plutôt soleil, donc j'imagine que toi tu dois être bien pour planter les blés de tomates. Allez, attention, le ballon toujours dans les pieds de Laval. Laval qui revient derrière avec le centre là pour les Lavalois, deuxième poteau. Ballon capté par Poussin. Est-ce que tu veux que je te spoil ou pas ce qui se passe entre Tottenham et Brentford, Pascal? Parce que je sais pas, peut-être que tu veux garder le suspense, j'en sais rien, mais. Tu vois, je me demande, parce que c'était dehors en train de planter les pieds de tomates, peut-être que. T'as fait ça pour justement pas être informé de ce qui se passe entre Tottenham et Brentford, pour espérer peut-être une remontée de Tottenham. Alors, salut mon Anthony, comment tu vas? Bienvenue à toi Anthony LNL, le ballon pour les Bordelais encore. Avec le ballon pour servir le numéro 23, c'est pour Bordeaux, c'est Manga. Allez Manga côté gauche, Manga ton prono actuellement pour ce match. J'avais dit 2-1 pour Bordeaux, bah tu sais quoi, je vais garder mon prono de guide ou 2-1 pour Bordeaux du coup. Allez, ballon à droite pour Laval avec Silla. Ouais, Silla qui est un peu embêté par un pressing de Ntimba. Ballon dégagé par Silla à la tête pour Laval et le retour de Gregerson qui est parfait, même si l'arbitre avait salé une faute d'un Lavalois sur Barbet. Barbet qui est à terre et. Ouais, c'est quoi la faute là? Ok, oui, d'accord, il y a eu un ascenseur. Ascenseur de. Oh. Ouais, il y a peut-être eu un petit. Une petite main dans le visage, bref, pas grand chose en tout cas, les amis. Le ballon est récupéré par Bordeaux et tant mieux. Ça fait 31 minutes que nous jouons ici à Bordeaux, entre Bordeaux et Laval, toujours 1-0 pour les Bordelais. Barbet, allez, Barbet à gauche, Barbet vers Ntimba, Ntimba vers Barbet encore une fois. Barbet. Gregerson, Franck Sergio. C'était quoi les supporters de Bordeaux avec les drapeaux de Joker? Les drapeaux de Joker, je sais pas, j'ai pas vu Winston. Après, je sais pas trop ce que tu veux dire non plus par là. Donc. Allez, ballon pour Bordeaux encore. Ouais, c'est bien fait. Ballon contre ouvert, David Tachvili, le contrôle est beau. Dans la surface de réparation, la frappe ne frappe pas les belles. La frappe derrière. Oh, les amis, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Jurico, David Tachvili. C'est simple pour les Bordelais. Deux occasions, deux frappes, deux cadrés, deux buts dans ce match. Et ça fait 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Tout est en train de leur sourire aujourd'hui. Ils n'ont pas montré tant de choses que ça, les Bordelais. Si c'était un corner, si c'était un coup franc plutôt. Magnifique de la part de Barbet. Et là, la magie de Jurico David Tachvili qui permet à Bordeaux de faire trembler pour la deuxième fois les filets du gardien de Laval. 2-0 les amis pour les Bordelais. Oh aïe 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 les gars, c'est incroyable, incroyable les amis. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux, 33e minute de jeu, alors que pourtant Bordeaux il ne montre pas non plus d'énormes choses. Enfin je veux dire, c'est vraiment, les amis, regardez-moi ça, 3 tirs de cadré de but, 3 tirs de cadré de but. Il y a eu une frappe, je sais pas quelle est l'autre frappe, et puis après il y a eu les deux frappes cadrées, cette frappe là et le coup franc, et à chaque fois ça termine dedans. Il y a un énorme réalisme pour Bordeaux aujourd'hui, mais le pire c'est que ils sont pas forcément ultra meilleurs, ils ne surclassent pas Laval, et pourtant au score un 2-0 au bout de 33 minutes, on aurait presque l'impression, on va dire, qu'ils surclassent Laval, alors que c'est vraiment pas le cas. Mais là
là, David Tachvili, les amis, la fin de frappe de David Tachvili qui revient sur son pied droit, la frappe pied droit de David Tachvili alors qu'il était à peu près dans le, ouais, dans le coin des 6 mètres. Une frappe qui vient rentrer dans la lucarne opposée de Sauvage, pratiquement à bout portant, et ça fait 2-0, les amis, pour Bordeaux. Bordeaux se met très 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 bien. Bordeaux est en train de mettre la grande pression au Messin. 2-0 pour les Girondins, après Johan Barbès et Zureko David Tachvili. Davitashvili, compliqué à écrire, mais normalement ça devrait être bon. Zureko Davitashvili, 33ème minute de jeu. Les Bordelais mènent 2-0 désormais. Et le break est fait. Et le break est fait pour Bordeaux. Et là, les gars, ça sent très bon. Et là, les gars, ça sent très bon. Alors, on n'attend pas Davitashvili, mais Guillaume. C'est moi où il y a une ref remaniée un peu là. Xan, bah, j'ai peut-être pas bien regardé alors. Parce que je vois pas trop de quoi vous voulez parler, donc je vais essayer de regarder une fois qu'on aura la caméra proche de la tribune. Allez, ballon encore une fois là pour les pour Laval, et merci pour l'info. Ballon récupéré encore une fois pour les Bordelais. Allez, pourquoi pas Aline, un troisième but tant qu'on y est avec Maja. Il va s'écrouler Maja, monsieur Lissorgue qui l'a joué, ballon récupéré par Laval. Mais franchement, les amis, ils ont fait les breaks, les Bordelais. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est le réalisme à l'état pur. Hein. Ils ont pas eu tant d'occasions que ça. Mais les deux grosses occasions, ils les mettent au fond. Et derrière, ça fait 2-0. Alors que Laval, pourtant, ils en ont eu aussi des occasions, Laval. Bah, regardez, 3 tirs côté Bordelais, 3 tirs du côté de Laval. 2 tirs cadrés du côté de Bordeaux, 2 tirs cadrés du côté de Laval. Et pourtant, les 2 tirs cadrés Bordelais, ils sont dedans. Et les 2 tirs cadrés de Laval, bah, ils sont pas dedans. Et c'est la différence entre ces deux équipes-là aujourd'hui. Parce qu'au niveau du jeu, Bordeaux ne produit pas non plus un meilleur jeu que Laval. Hein. Salut Cyril, pas de spam. Un but à la 33ème, c'était écrit. Allez, la Gironde 33 et les Landes 40 pour le 3ème but de FCGB Forever. Allez, hein, je vous le souhaite en tout cas. Et pour moi, c'est vraiment bien, hein, les amis. Là, pour les Bordelais, ils s'approchent de la Ligue 1. Ils s'approchent de la Ligue 1. Moi, je dis qu'il y aura 4-0 pour les Girondins de Bordeaux. Tu verras, Listy, on verra ça, Théo. En vrai, pour moi qui ai parié 2-1 pour Bordeaux, je suis en train un peu de douter de mon prono. Quoique, un but de Laval, oh, c'est vite arrivé en vrai. Allez, ballon là pour les Bordelais côté droit. On est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, les amis, de cette première mi-temps. Toujours 2-0 pour les Bordelais à la mi-temps. On fera le jeu à la mi-temps et tout, hein, comme d'hab. Mais bon, on n'y est pas encore. Le break est fait. Le break est fait. Hein, mais c'est génial, hein, ce que fait Bordeaux. Franchement, ils jouent dans le jeu. Ils ne surclassent absolument pas Laval. Voilà, ils sont pas. Mais en tout cas, ils ont un réalisme absolument incroyable. Hein. Le coup franc, il le met au fond. Barbet. Et puis là, David Tachvili, il est servi. Une feinte de frappe tout dans la justesse. Derrière, une frappe pied droit enroulée dans la lucarne de Sauvage alors qu'il était à bout portant. Voilà, hein, pratiquement dans les 6 mètres. Et puis voilà, quoi, ça fait 2-0. Et puis au niveau du classement, Bordeaux donc garde les 4 points d'avance sur Metz. Revient à 2 points seulement sur Le Havre. Le Havre qui va jouer face à Valenciennes lundi. On suivra sûrement le match. Non, franchement, les Bordelais, c'est du très bon. C'est du très bon. Allez, ballon côté gauche là vers Bokele. Ça veut dire que si jamais Bordeaux gagne maintenant, on en reparlera plus tard, hein, mais si jamais Metz perd par exemple ce soir au fait nul, ce soir on vivra dans le multiplex, ça peut être aussi une bonne chose pour eux. Là, ils mettent vraiment la pression. Le goal à virage est important. Et d'ailleurs, en parlant de goal à virage, je vais vous dire un petit peu le goal à virage de Bordeaux, même si on va s'ouvrir cette occasion là pour les Bordelais avec le ballon dans les pieds de la défense bordelaise avec Barbet qui fait tourner dans son camp. Allez, on a le temps d'aller regarder le goal à virage. Donc, le goal à virage de Bordeaux, les amis, il est de plus 24. Le goal à virage de Metz, il est de plus 26. Donc, forcément, si Bordeaux peut, le goal à virage du Havre d'ailleurs, au passage, il est de plus 28 aussi. Donc c'est vrai que si Bordeaux peut soigner le goal à virage au passage, je pense qu'ils ne diront pas non, les Bordelais. Allez, ballon vers Barbet encore une fois. Barbet là pour resservir son milieu de terrain, Franck Sergio. Du coup, Franck Sergio, les gars, tout à l'heure il s'était un peu écroulé et tout. Maintenant tout va mieux, hein. Tout va bien à Bordeaux aujourd'hui, tout va bien. Barbet. Bah, Mathieu, c'est moins qu'on puisse dire, effectivement, Mathieu. 3-0 à la mi-temps, ce serait parfait, c'est parfait, le FCGB Forever. Après, 2-0, c'est déjà pas mal aussi. Hein. Franchement, allez, ballon pour Bordeaux avec, encore une fois, Poussin. Allez, Poussin à gauche, ballon qui revient derrière, Poussin pour dégager, le dégagement de Poussin, 37ème minute de jeu. Et donc voilà, plus 28 pour Le Havre, plus 26 pour Metz, plus 24 actuellement pour les Bordelais. S'ils peuvent soigner leur goal à virage, ce serait pas de refus. Allez, ballon à gauche, Bobichon pourra écarter avec, pourquoi pas, Deotti, les Lavalois qui ont le ballon pour le moment. Ils sont dans le camp de Bordeaux et ballon récupéré par David Tachvili vers Josh Maja. Maja allait passer encore une fois. Maja toujours avec Bakoua et finalement il y aura une touche à jouer côté gauche pour Laval. Les amis, allez, touche à jouer pour Laval côté gauche. La touche qui est jouée directement. Et Laval qui refait tourner dans sa défense. Quelles sont les chances pour toi
pour que Bordeaux finisse champion de Ligue 2. Ah, elles sont quand même infimes, hein, ces chances-là, hein, parce qu'il faudrait déjà que Le Havre perde une deuxième fois de suite face à Valenciennes, ce qui est quand même très peu probable. Et quand bien même Le Havre perdrait face à Valenciennes, ils auraient toujours quand même une marge de 2 points. Donc, en vrai, il en faut quand même. Il en faut quand même pour que Bordeaux puisse terminer champion. Et puis, il faut que Bordeaux aussi gagne les 2 prochains matchs. Mais on verra bien comment ça se passe. Je pense que pour les Bordelais, la montée en Ligue 1 reste priorité. Puis s'ils peuvent aller chercher le titre avec, ce serait bien sûr en bonus. Ça serait qu'encore une fois, dans les pieds de Franck Sergio s'est récupéré par Laval. Il y aura un joueur Laval qui va s'écrouler. Jean-Luc Hérard sera quand même dans les pieds des tangos à droite. Et les amis, il y a toujours 2-0 pour les Bordelais. Alors que l'arbitre vient arrêter le jeu pour aller prendre des nouvelles, justement, de Baudry qui était à terre, le Lavalois. Ouais, je vois Oum Electro qui le met. Ça fait plaisir de voir Bordeaux gagner pour le maintien de Dijon. C'est vrai que cette victoire bordelaise, bah forcément qu'elle inquiète un peu, on va dire, le FC Metz et le Havre. Mais surtout, voilà, elle arrange des équipes comme Valenciennes, comme Dijon, comme tous ceux qui jouent le maintien, quoi. Sauf Laval. Apparemment, ça dérange des gens que Bordeaux ne soit pas mort. Et pourquoi aller Bordeaux et qu'on fasse taire certains de mes Baptistes? Ouais, j'en vois 2-3 dans le chat, ils sont un peu déçus. Je crois que Bordeaux soit plutôt bien, mais bon. C'est comme de partout dans le football, hein. Il y a des supporters d'une équipe et il y en a certains qui des fois haïssent un peu certaines équipes. Bon voilà, on le voit. Hein. Allez, bon, le vers Maja à droite. Maja, bah, c'est bien fait, ça revient à l'intérieur pour Bordeaux avec encore une fois pendant les pieds là de Bakwa. Bakwa allait passer, Bakwa côté gauche. Bakwa vers Ntimba. Mais en tous les cas, moi je suis plutôt content pour Bordeaux. Hein. Revoir Bordeaux en Ligue 1. Ah, ça fera plaisir. Hein. Ça fera vraiment très 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 plaisir. Et puis Et puis voilà, avec le Havre, pourquoi pas. Bon bah voilà, Metz à mon avis va devoir refaire une saison en Ligue 2 au minimum. Après c'est pas encore terminé, hein. Il reste encore 2 journées, on sait qu'il peut tout se passer. Mais en tout cas les Bordelais, pour moi ils sont en train de bien gérer le truc, on va dire. Allez, David Tajvili à droite, David Tajvili est passé, David Tajvili le passe en jambe de David Tajvili, le centre de David Tajvili, mais c'est finalement récupéré par Laval, le contre à jouer pour les Lavalois avec un ballon côté gauche là pour l'OM, le contre pour l'OM. J'ai vu un mec qui parlait de Marseille dans le chat, du coup j'ai dit l'OM, je crois. Des fois, les gars, mon cerveau il se déconnecte, il fait des courts-circuits. Allez, bon, le verre de Vitesse Julie avec une frappe pour Badji. Ouh, la frappe de Badji, les gars. C'est marrant hein, parce que Bordeaux ils sont plutôt bien réalistes, tu vois. Mais il y en a un qui n'est pas trop réaliste, c'est Badji. Badji, j'ai l'impression qu'il est un peu maladroit quand même. Badji, les gars, j'ai l'impression qu'il est un peu maladroit. Oh, le lapsus. Non, en vrai, le lapsus. En vrai, pour tout dire, Guillaume, j'ai vu. C'est qui a dit ça? Il y a un mec qui a parlé des sardines, et vous savez, bon, les sardines, en gros, ça fait référence au Marseille. Du coup, dans ma tête, j'ai pensé à Marseille, puisqu'il a parlé des sardines. C'est qui a dit ça? Attendez, il faut que je retrouve le message. Mais il y en a un, il a dit... C'est qui a dit ça? Il y a sûrement des sardines dans le chat, voilà. Du coup, j'ai pensé à Marseille, c'est pour ça que j'ai dit l'OM, alors qu'en fait, non. Bah, Gilles, il a des boîtes de conserve à la place des pieds de Guillaume. Il n'est pas la maladroit, il est éclaté lui, mais pilou. Ouais les gars, vous êtes sans pitié hein. Vous êtes sans pitié avec Badji plutôt. Allez, ballon récupéré là par Laval. Laval qui fait tourner tranquille avec Tavares vers Gonçalves. Gonçalves pour écarter à gauche. Laval qui fait tourner tranquille. Et il rentre à proximité à la surface de réparation des Bordelais. Ballon à gauche, la belle défense de Grégerson qui garde la distance. L'offensive lavaloise, Laval qui a toujours le ballon quand même. Le centre de Laval, deuxième poteau, la tête peut-être pour... Peut-être pour Laval, le centre. Et non, finalement, il y aura un corner, les gars. Corner à jouer pour... Corner à jouer, les amis, pour... Pour qui? Bah oui, pour Laval, du coup. Mais en fait, je veux voir s'il n'y a pas sorti but. Non, corner. Corner à jouer pour Laval, les gars. Corner à jouer pour Laval. T'as fait le pont. Pourquoi tu me spams ça, Nathan? J'ai fait le pont, oui. Je crois qu'on a tous fait le pont. En tout cas, tous ceux qui sont en cours, oui. Et Nathan, les gars, il me spam, c'est incroyable. Attention, les amis, le corner à jouer là pour les pour Laval. Le corner qui est frappé la tête là pour les Bordelais. La tête encore une fois de Grégerson. C'est récupéré, il y a un cafouillage. La reprise pour Laval. La petite reprise pour Laval, elle était vicieuse. Hein. Elle était vicieuse. Et ça passe au-dessus des buts du portier Bordelais-Poussin. Mais c'est vrai, c'était plutôt bien fait. Là, il y avait une reprise volée un peu venue de l'espace. Ah, elle passe juste au-dessus hein, de la barre. Hein. C'est pas passé loin quand même. Ça vibre très fort chez nous tous les week-ends avec un frère supporter bordelais et un père supporter lensois. Nous sommes comblés. Ah bah tu m'étonnes. Hein. Le supporter de Lens, il doit vraiment être aux anges. Et puis le supporter bordelais, c'est la même. Ah oui.
une belle saison quoi, une belle saison. Allez, ballon dégagé là par Laval. La tête encore une fois bordelaise, on s'approche de la mi-temps, hein. On est à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, il y aura une dernière occasion avec Bakwa qui revient, je sais pas, Bakwa lui passer, Bakwa encore, oh le pénalty pour Bordeaux, le festival de Bakwa, il a fait trembler la défense de Laval, il est passé entre les mailles de la défense lavalloise et derrière c'est le gardien de Laval qui a fait une faute sur Bakwa et le pénalty pour les Bordelais, la balle de 3-0 à la 43e minute de jeu. Oh le festival de Bakwa et derrière le pénalty, il est léger hein, ce contact entre le gardien de Laval sauvage et Bakwa, mais il y est et un pénalty, c'est pas, il ne négocie pas les Lavallois. Pénalty pour Bordeaux, pénalty les gars pour les Bordelais. Josh Maja pour s'offrir son 17e but en Ligue 2. Je vérifie mais je crois bien, je peux me tromper. Son 17e but en Ligue 2, revient à égalité de but avec Mendy, le Canet. Maja devant le gardien de Laval, la balle de 3-0 pour les Bordelais. Juste avant la mi-temps, un match très sérieux de la part de Bordeaux. Maja devant Sauvage, Maja pour aller ajuster le gardien de Bordeaux. Il faut le marquer pour Georges Maja. Maja qui va s'élancer, Maja qui attend le coup de sifflet, monsieur l'arbitre, le sifflet qui a été donné. Attention, Maja, il va s'élancer, le pied droit de Maja, c'est frappé, oh l'arrêt du gardien, non les amis, l'arrêt de Sauvage, il a rattrapé son erreur, le gardien de Laval, l'arrêt de Sauvage, Maja qui loupe son pénalty, non. Oh le bel arrêt, hein. Le très bel arrêt quand même de la part de Sauvage, bon il était pas très bien frappé, hein. Il est pas très bien frappé, hein. Dans tous les cas, un pénalty arrêté, c'est forcément un pénalty qui n'est pas frappé de la meilleure des manières, voilà, il avait frappé un peu mi-hauteur, pas forcément ras du poteau à un côté. C'est sûr que si le gardien projette de l'autre côté, c'était bon. Mais là, le gardien a projeté du bon côté et à mi-hauteur pour un gardien, c'est le plus simple à aller chercher. Parce que le gardien, lorsqu'il choisit un côté, il plonge ni ras du terre, ni vraiment en l'air. Il plonge un peu mi-hauteur pour, voilà, un peu entre les deux, quoi. Et là, c'est dommage, là, quand même, Maja, 2-0 pour Bordeaux. Ils auraient pu faire le break du break, les Bordelais, mais on en reste à 0-0, à 2-0 plutôt pour les Bordelais. Et il y aura 2 minutes, les amis, dans les arrêts de jeu, vous le voyez au-dessus de ma tête, plus 2 minutes dans les arrêts de jeu, 2 buts à 0 pour les Bordelais. C'est dommage, mais c'est pas très grave non plus. Attention, la tête là, quand même pour Laval, la tête qui a passé à côté des buts de Poussin. Il y aura du coup une sortie de but. Sortie de but à jouer pour les Bordelais. Et ouais, on revoit ce pénalty manqué, c'est dommage. Ouais, frappé à mi-hauteur, même pas trop ras du poteau. À hauteur de bras, pas très bien frappé. Pas très bien frappé et Sauvage qui se rattrape parce que c'est lui qui a fait la faute. Tu supportes quel club? Je suis pas de vrai club de cœur, tu vois, mais forcément Bordeaux, ça fait partie, vous savez, d'une équipe que j'aime bien en Ligue 2 avec Saint-Etienne et tout, tu vois. C'est deux équipes là en Ligue 2. C'est deux équipes là en Ligue 2 que j'aime bien. Je commençais à penser à un 5 ou un 6-0. Oula, attendez les gars, quand même. Les amis, redescendez quand même. Hein. Il y a 2-0 pour Bordeaux. Bordeaux a rapidement ouvert le score. Ils ont fait le break derrière. Ils sont très bien à 2-0. Mais c'est vrai qu'un 3-0, ça aurait vraiment pu leur permettre de bien sécuriser. Là, à 2-0, tout est possible. Hein. Franchement, les gars, à 2-0, tout est possible. Allez, ballon pour les Bordeaux avec Maja. Maja, elle est passée. Maja encore. Maja qui va perdre peut-être ce ballon. Maja côté gauche. Oh oui, Maja. Oh, le pénalty encore. Encore le pénalty pour Bordeaux. Encore le pénalty pour Bordeaux. Le deuxième pénalty d'affilée pour les Bordelais et c'est Maja qui vient l'obtenir ce pénalty. Ouais, bah bien sûr qu'à Péno, il n'y a pas à réclamer hein, les deux fois Laval. Hein, deux fois et il est large le pénalty. Il est large le pénalty. Là, il y a un Lavallois qui vient ceinturer Maja et l'empêcher de passer. Le coach de Laval il réclame parce que forcément que voir deux pénaltys d'affilée en moins de 10 minutes, t'as l'impression que c'est injuste. Mais Laval, les gars, j'ai envie de vous dire, en vrai, ils font pas d'efforts aussi. Hein. Franchement, le premier pénalty, bon bah Sauvage, il a. Oh, carton rouge. Oh, le carton rouge. Carton rouge, les amis, pour un membre du staff. Carton rouge pour un membre du staff de Laval qui rentre dans ses vestiaires. Je trouve ça dingue quand même. Ils ont sûrement vu aucune image. Il y a largement pénalty. Franchement, Laval, ils font pas d'efforts. Hein, désolé, mais là, c'est vraiment dommage. Quoi. Ils jouent plutôt bien dans le jeu. Il y a que, entre guillemets, 2-0. Enfin, je veux dire, 2-0, c'est toujours rattrapable. Sauvage, il fait une faute. Il réclame pas. Il savait qu'il y avait pénalty tout à l'heure. Il y avait largement péno. Il assume derrière. Il l'arrête. Sauf que là, il y a encore faute. Hein. Maja, il est retenu au niveau du torse. Il y a largement faute. Hein. Les amis, il n'y a pas vraiment débat. Allez, c'est Josh Maja qui va s'élancer encore une fois. Pénalty, les amis, pour les
Bordelais. Maja qui a raté son premier, est-ce qu'il va rater son deuxième? Josh Maja, allez, pénalty à jouer pour les Bordelais. C'est vrai que deux pénalties d'affilée, ça semble vraiment beaucoup, mais en vrai, ils sont justifiés. Hein. Ils sont vraiment justifiés, les pénalties. Attention, le pelo à jouer pour Bordeaux. Josh Maja qui va s'élancer. Josh Maja. Oh, il est raté encore. Il est encore raté. Maja, il est maudit aujourd'hui. Il aurait pu avoir 4-0. Il aurait pu avoir 4-0 pour les Bordelais. Et sur ce, c'est la mi-temps. 2-0 pour Bordeaux. Encore un pénalty manqué de la part de Josh Maja. Quel scénario de dingue, les gars. Incroyable. C'est quoi ce match? Oh là là, Maja qui en rate 2. Hein. Maja qui en rate 2 des pénaux. Et bah, ça me rappelle un truc. Ça te rappelle quoi, The Future? Je vois pas ce que tu veux dire là, vraiment, premier degré. Attendez les gars, c'est une blague, une Guillaume. Attendez les amis, on va passer au JMT bien sûr, hein, c'est la mi-temps, on va faire le jeu de la mi-temps et tout comme d'hab. Mais 2-0 pour les Bordelais les gars à la mi-temps. Barbet et David Aljoli, Bordeaux est globalement meilleur, mais c'est vrai qu'ils auraient quand même pu mener 4-0. Incroyable, en plus il avait pris un contre-pied sauvage, Maja, le deuxième péno, mais il n'était pas cadré. Le deuxième péno, les gars, il était juste pas cadré, c'est même pas un arrêt du gardien, c'est un penalty pas cadré. Le premier, c'est un arrêt du gardien, et le deuxième, il n'est pas cadré, vraiment. Maja, à mon avis, il va lui-même demander de sortir à la mi-temps, hein, ou ça va se passer comment? Parce que franchement, t'es sûr, c'est pas Badji qui a tiré, il a mis Jules, non, c'est vraiment Maja les deux, je réponds très premier degré, hein, mais... Putain, c'est chaud, hein. Deux penalty, il manquait quand même, faut le faire. C'est à Barbet de les tirer. Ah ouais, t'imagines, Barbet aurait pu mettre un triplé, même David Aljoli, c'est incroyable. J'ai mis Maja buteur. Et force, hein. Force à tous qui ont mis Maja buteur. Hein. Tous ceux qui sont là et qui ont mis une pièce sur Maja buteur, force à vous, franchement, les gars, parce que wow. Allez, toujours 2-0 les amis pour les Bordelais. Bordeaux a fait globalement une bonne première mi-temps qui se termine, on va dire, pas forcément de la meilleure des manières, mais ça reste toujours un 2-0. Et nous, ce qu'on va faire, les amis, vous avez vu, hein, le classement, Bordeaux est toujours à 4 points devant Metz, 2 points derrière le Havre, etc. Bref, on va pas revenir là-dessus. Au niveau des stats, juste au niveau des statistiques, les amis, 60-40 la pression pour Bordeaux, 7 tirs à 5 pour Bordeaux, 3 tirs cadrés à 2 pour les Bordelais, parce que bah, du coup, il y a eu un péno qui n'a pas été cadré. Et on va faire un petit jeu, du coup, les amis, le petit jeu de la mi-temps. Comme d'habitude, les gars, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est la tradition. Sur la chaîne, le JMT, je vais vous poser tout simplement 3 questions. Une question qui va concerner les Bordelais, une question qui va concerner Laval et une question qui concernera un peu les deux équipes. Le but, c'est de me répondre le plus rapidement possible, les amis, dans le chat. Et on va commencer avec une première question qui va concerner les Bordelais. Donc mettez-moi les prêts, les gars, une fois que vous êtes prêts pour le JMT. Et une fois que vous êtes prêts, on commence avec la première question qui concerne Bordeaux. Le but, c'est de m'y répondre le plus rapidement possible, les gars, dans le chat. On va essayer de faire ça vite pour déjà pas être en retard pour la deuxième mi-temps et pour pouvoir un peu parler de la première mi-temps aussi. Donc voilà, mettez-moi les prêts, les gars, dans le chat. Et la première question va concerner les Girondins. Sans le pénalty raté, c'est 4-0. Ouais, sans les deux pénalty de manquer, si les pénalty de manquer avaient été transformés, c'est 4-0. Ouais. Par contre, les gars, vraiment, je le répète, hein, les pénaltys, ils sont 100% logiques. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours très étonnant de voir comme ça deux pénaltys d'affilée, mais M. Lissorg, c'est pas bien l'arbitre de sa part. Hein, parce que pour un arbitre qui n'a pas la VAR, donner deux pénaltys d'affilée comme ça, faut vraiment être sûr de lui, tu vois. Et d'ailleurs, il a bien raison d'être sûr de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il les a donné. C'est parce qu'en vrai, ça se voyait, quoi. Je veux dire, les deux pénaux, il n'y a pas de débat possible, hein, y a pénalty, quoi. Alors du coup, première question, elle va concerner les Girondins de Bordeaux. Je vois que vous êtes prêts dans le chat, donc on va lancer du coup la première question. Salut Kalou Endour, salut à toi. Alors nos joueurs en train de dormir sur le terrain, le meilleur Ratchev, supporter du coup de Laval. Allez les amis, en vrai paradoxalement non, hein. Laval, c'est bien, c'est qu'ils sont pas mauvais Laval, juste ils sont pas assez réalistes en fait. Alors que Bordeaux, ils sont pas forcément de surclasse en aucun cas Laval. Et ils sont juste vraiment très réalistes, quoi. Bon allez, il faut vraiment que je commence avec la première question du GMT là, je tarde un peu trop les gars. Première question du GMT. Allez. Première question les gars dans 3 secondes. Première question dans 3 petites secondes. 3. Attendez, hop. 3. 2. 1. Première question. Je pense que pour un supporter bordelais, en vrai c'est facile. Et même un supporter de Laval, bref, vous pouvez tous y arriver à mon avis. C'est parti les gars. Citez-moi une équipe contre qui Bordeaux a perdu cette saison en Ligue 2. Ça va. Citez-moi une équipe contre qui Bordeaux a perdu cette saison en Ligue 2. C'est vrai que si je vous avais posé cette question avec Le Havre, je pense que ça vous vient tout de suite. Avec Bordeaux, il y a quand même, voilà, je pense qu'il y a.
C'est moins fréquent, on va dire. Enfin, c'est moins fréquent. Non, c'est justement plus fréquent que Bordeaux perd. Donc peut-être que ça marque moins. Mais ouais. En tout cas, première question, facile. Franchement, elle est facile. D'ailleurs, j'ai les notes des joueurs, les gars. On va parler un peu des notes des joueurs si vous voulez. Par contre, je vais voir un truc. La deuxième question concernera Laval, les gars. On voit pas toute la question. Si pourtant vous voyez, enfin, citez-moi une équipe contre qui Bordeaux a perdu cette saison en Ligue 2. Comment ça on voit pas toute la question? J'ai pas bien compris, Didrox. Normalement, vous voyez bien la question, non, les gars? Enfin, moi perso, elle est sur tout l'écran, quoi. Alors, je vais regarder vos réponses dans le chat, les gars. Donc, on va remonter le chat pour ça, pour regarder vos réponses. On va remonter le chat. Ensuite, on va passer à la deuxième question du JMT qui va concerner Laval. D'abord, regardons vos réponses. Donc, en vrai, il y avait le choix, on va dire, les amis. Enfin, voilà, Bordeaux, il y a eu des défaites pour les Bordelais. Bordeaux qui a perdu très exactement, les gars, contre 7 équipes. Il y a eu 7 défaites pour Bordeaux, soit une de plus par rapport à Metz. Mais voilà, Metz avait plus de matchs nuls. Donc, il y avait 7 équipes que vous auriez pu citer ou pas d'ailleurs, parce que peut-être qu'ils ont perdu deux fois contre une même équipe, je sais pas. Mais en tout cas, je vais regarder vos réponses dans le chat. Allez, je remonte le chat, les gars. Je remonte. Pourquoi quand on tape dans le clavier, mais t'as un clavier qui fait 2 km de large ou quoi, Didrox? Je comprends pas ce que tu veux dire. Alors, on remonte le chat. Donc, ça commençait ici. Ça commence ici. Bravo à... hop. Bravo à... On a d'abord Didrox, tout de même Metz. Metz, c'était d'ailleurs la dernière défaite en date de Bordeaux. C'était face à Metz. Donc, bravo à toi, Didrox. Bravo ensuite à monsieur Zoulou qui répond juste le deuxième. Lui aussi, le bébé, ça marche. Et bravo à Médo, troisième, qui le met Saint-Té. Ils ont perdu contre Saint-Etienne et Bordelais, effectivement, cette saison. Donc, bravo à toi, Médo. Ça marche également. Voilà, cette question était vraiment... s'il y avait d'autres équipes, etc. etc. Voilà, bravo à vous tous. Voici le classement du jeu mi-temps de cette semaine. Passons à la deuxième question désormais du JMT, les gars. Deuxième question du JMT qui va concerner cette fois-ci Laval. Les amis, 3, 2, 1. Merci beaucoup, Hippo, pour l'abonnement. Deuxième question, les gars, du JMT. C'est parti. Deuxième question. Laval a marqué combien de buts en Ligue 2 cette saison? Désolé, petite faute de frappe de ma part. Hop. Laval a marqué combien de buts en Ligue 2 cette saison, les amis? Allez-y dans le chat. Là, si vous n'avez pas la réponse, qui est très possible, hein, compliqué de savoir la réponse au but près, bah, essayez de essayer quelque chose. Essayez quelque chose, avec un peu de chance, ça peut passer. Et après, il y aura une dernière question, du coup, les gars. Dernière question qui concernera un peu les deux équipes. Je vais essayer de trouver une bonne petite question. Ok, c'est bon. La dernière question, les gars, je l'ai. Allez, je vais regarder vos réponses dans le chat, les gars. Hop, on enlève ça. Et du coup, il fallait mettre. Donc, je vous demandais combien de buts Laval a marqué cette saison en Ligue 2. Eh bien, combien ils ont marqué de buts Laval cette saison en Ligue 2? Eh bien, les amis, c'est 40 buts. 40 buts de marqué, 54 de prix. Donc, 40 tout pile, c'était la bonne réponse. Ok, les gars, 40 tout pile, c'était la bonne réponse. Donc, on va remonter le chat. On remonte le chat. Hop, on remonte. Ouais, ça faut vraiment remonter très haut, là. Ok, donc... ça commence ici avec Didrox. Bon, voilà, hein, Didrox sur premier. On reprend les modes d'habitude. Hein, bravo à toi, Didrox. Bravo ensuite à donc 31, 54, 7, 40. Monsieur Zoulou, deuxième aussi. Il est bon. Bravo à toi. Et bravo à
On descend les 143, 22, 36, 35, à 40 à FCGB Forever ensuite. Voici donc le classement du JMT de cette semaine, les amis. Le voilà, le classement du JMT de cette semaine. Passons à la dernière question. La dernière question, bref, je dis pas d'indice, vous verrez bien. Et voilà, je trouve pas mal, je trouve pas mal. 3, 2, 1, dernière question. J'ai l'habitude de vous poser hein, ce genre de questions. C'est parti, qui sont les deux joueurs numéro 16 aujourd'hui? Qui sont les deux joueurs qui portent le numéro 16 dans le dos du maillot? Allez-y les gars dans le chat, dans leur dos. Vous avez compris. Hop. Voilà, vous êtes nombreux à avoir remarqué. Ouais, je regarde un truc les gars, on est d'accord, il y a un nouveau groupe de supporters je crois à Bordeaux. Hein. D'accord les gars, il y a un nouveau groupe de supporters je crois à Bordeaux. Hop là, et genre qui s'est créé dans la tribune nord du coup. Allez, j'ai regardé vos réponses là aussi, donc là il fallait mettre Sauvage, le gardien de la Valois, et Poussin, le gardien en fait, les numéros 16. Parfois c'est des gardiens, pas tout le temps, mais parfois c'est des gardiens. Et là du coup, bah ce sont effectivement des gardiens aujourd'hui quoi. Donc voilà, en gros, pourquoi est-ce que je vous ai posé un peu cette question? Parce que bah, si jamais vous saviez pas, vous auriez pu tenter et ça pouvait marcher parce que c'est bel et bien les deux gardiens. Northgate, ouais effectivement Xan, mais du coup je crois qu'il s'est créé il y a pas longtemps le groupe de supporters, il y a déjà pas mal de monde déjà. Hein. Northgate, donc voilà c'est ça, c'est Northgate le nom. Et je crois qu'il y a déjà pas mal de monde. Hein. Donc attendez, les réponses elles commencent où? Là je vois du Sauvage. Donc il fallait en mettre deux. Non, ça marche pas, désolé. Sauvage Badji, non, dommage Bédo. Pas quoi, Adéotis, non. Poussin Sauvage, bravo à Kevin qui répond juste le premier. Bravo à toi Kevin. Poussin Sauvage, il a même pas fait l'effort. Didrox, il a même pas mis d'espace. Moi je dis, on lui donne pas les points. Non, je rigole. Bravo Didrox, Poussin Sauvage. Et ensuite c'est, je sais pas, voilà, c'est honnête. Sauvage et Poussin, bravo à Kalou et Endur. Voici donc les amis le classement du JMT. Voilà le classement du jeu d'habitants de cette semaine. On a terminé du coup les gars pour le jeu d'habitants pour le live d'aujourd'hui. Je sais qui spam les cœurs jaunes et bleus là. Didrox qui a déjà 17 points, il prend le large. Didrox, après il reste encore quand même pas mal de live hein, ce week-end, donc c'est pas encore terminé. Et voilà. Ah oui, ça prend de l'ampleur. 6 quelques ultramarines, plus les ex Davis Bordeaux. Ah ok, d'accord, Xanjo. Mais ouais, il y a déjà pas mal de monde. Ça remplit pas le COP. En gros, ils sont en tribune supérieure et il y a déjà un beau petit carré quand même. Hein. Ça peut prendre de l'ampleur après. Ça peut faire deux COP. Un peu comme, je sais pas, il y a quel club où il y a deux COP ou deux grosses ambiances. Bah, à Marseille, par exemple. Deux virages, voilà. Même à Saint-Etienne, en Ligue 2, on le voit, il y a quand même deux COP. L'ambiance, tu vois. À Bordeaux c'était un peu moins le cas, genre il y avait les ultramarines et puis c'est vrai que de l'autre côté il n'y avait pas grand chose, là c'est stylé. Tu fais un live Ligue 2 pour ce soir, bien sûr Loulou, ce soir il y aura le multiplex Ligue 2. Les amis, merci à tous d'avoir participé du coup au JMT. La deuxième mi-temps les gars entre Bordeaux et Laval va recommencer dans pas longtemps. Les joueurs vont bientôt rentrer sur la pelouse, donc je vais aller chercher des petits mouchoirs les gars, histoire de pouvoir commenter ce match sans trop de problèmes cette deuxième mi-temps. Juste en ce qui concerne les notes des joueurs, la meilleure note pour Bordeaux probablement elle est pour Johan Barbet et David Tachvili, les deux buteurs qui ont 7,4, Franck Sergio a 7 également. Maja il a que 6/10, donc je rappelle un joueur il commence avec 6/10 et il a pas descendu de note, pourtant il a quand même loupé deux pénaux. Maja il aurait pu avoir une moins bonne note mais bon ça va. Après voilà, la moyenne de notes elle est à 6,81, la moyenne du côté bordelais 6,30, la moyenne des notes du côté de Laval, c'est pas énorme hein. La moins bonne note elle est pour Baudric à 5,9, la meilleure note elle est pour Bobichon qui a 6,9, sinon ça tourne entre 6,1 et 6,4. Voilà un peu pour les notes des joueurs les amis, très rapidement. Et maintenant du coup la deuxième mi-temps entre Bordeaux et Laval pour reprendre avec des Bordelais et des Lavalois qui reviennent sur la pause du matmut les gars. J'espère que vous êtes prêts pour le début de la deuxième mi-temps. Je vais aller chercher des mouchoirs les gars pour être sûr d'être bien en deuxième mi-temps parce que là
toujours un peu enrhumé malheureusement. Et merci encore à vous tous d'ailleurs les gars, je le répète, pour les 181 likes, on est bientôt 200 likes, et pour les 28 632 abonnés, merci beaucoup les gars, si jamais c'est pas encore fait, hop là, tu vois, pendant que je suis pas là, n'hésitez pas. Je reviens dans 30 secondes. Oh les gars, c'est bon les amis, on est pas en retard vraiment, c'est tout bon, je suis revenu, comme si j'ai pris des mouchoirs et comme ça je n'aurais pas à me relever en deuxième mi-temps, ou alors je parlerai pas du nez, ou vous verrez pas quelque chose dégouliner, tu vois. Non mais voilà quoi, c'est. Ça aurait pu. Allez, on est reparti les gars, on est reparti entre Bordeaux Laval pour la deuxième mi-temps, on est reparti, bonne deuxième mi-temps à vous tous, 2-0 pour les Bordelais, hein. Allez sur la première mi-temps, ça aurait pu être un peu plus large avec un 3-0 ou un 4-0 si Maj avait marqué un ou deux de ces deux pénaltys, hein, mais il a loupé les deux malheureusement. Un pénalty arrêté par le gardien de Laval sauvage et un pénalty qui n'était même pas cadré. Maja va devoir se relever. Il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. En tout cas, peut-être que j'ai pas été au courant, mais je crois que non, il n'y a pas eu de changement. Maintenant, bonne deuxième mi-temps à vous tous. Allez, ballon côté droit là pour les Bordeaux avec le contrôle de Bokele directement. Bokele, le centre de Bokele. Oula, par contre, oula, non, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton là. Pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton? Excusez-moi les gars. Allez, c'est pas du tout terminé, hein. Bien au contraire, il reste encore une mi-temps. Allez, ballon là vers David Tachvili pour servir, pourquoi pas, un autre Bordeaux. L'arbitre qui va arrêter le jeu parce qu'il y aura déjà un joueur de Laval à la terre. Mais voilà, je répète les gars, bonne deuxième mi-temps à vous tous. Je parie que t'as jamais été aussi enrhumé de ta vie que depuis que t'es vacciné, ici, je me trompe. Oh, j'ai pas du tout, j'ai rien remarqué. Non, ça va, je suis un peu enrhumé normal, quoi. Franchement, j'avais pas remarqué tout ça, FCB Forever. Tu connais... Ah non, je connais pas Paul Xas. Allez, en tout cas, les gars. Ouais, par contre, il faut d'ailleurs que j'enlève un truc de Streamlabs. Tac. Il y aura un Lavalot toujours à terre, les gars. Il y aura un Lavalot toujours à terre. Le joueur de Laval pour lequel justement l'arbitre a arrêté le match est toujours à terre. Il est en train de se faire soigner. Pour le moment, le jeu est toujours arrêté, les amis. Et on voit les supporters, les amis, de Bordeaux là qui applaudissent, qui poutent sur leur équipe. Vraiment une énorme ambiance. Hein. Une énorme ambiance toujours aujourd'hui à Bordeaux. C'est pour quel club? Moi, je suis pas de gros club de cœur en Ligue 2. Je suis pour Saint-Etienne, Bordeaux, tu vois, des grosses équipes qu'on a perdu de Ligue 1. J'aimerais bien qu'ils remontent en Ligue 1. Et Bordeaux, je suis vraiment content pour eux. J'espère qu'ils vont le faire, que ça va le faire. Et pour le moment, c'est en train de le faire. Maintenant, faut pas se. C'est pour les Bordelais et pour Saint-Etienne. Bon, bah, on continuera de les suivre. Hein, les ballons pour Laval. Laval qui revient derrière. Laval qui va pouvoir, pourquoi pas, écarter à gauche. C'est bien fait ça pour les Laval. Voilà, la tête là pour les Bordelais. La tête encore une fois pour Laval. Le ballon qui sera, finalement posé à terre, je crois. Hop. Allez, ballon pour les Bordelais, ballon récupéré par Laval finalement. Il y aura un ballon qui va peut-être pouvoir être relancé là par Laval, mais il y aura d'abord une faute de la part d'un joueur lavalois sur un Bordelais. C'est le premier jaune, hein, le premier jaune, les amis, de la rencontre, qui est distribué par monsieur Lissor sur cette faute de Bobichon justement sur un Bordelais. Carton jaune pour Bobichon, le Bordelais reste à terre. C'est Antonin Bobichon qui prend le jaune. Par contre, qui est le Bordelais qui s'est pris le coup? J'arrive pas à voir qui c'est. Ouais, si c'est Bakwa. C'est Bakwa qui s'est pris un coup au niveau de la cheville. Ça aurait pu être un geste un peu dangereux. Donc l'arbitre a donné le carton jaune. Alors, est-ce qu'il y aura le duel des supporters spécial Imode ce soir? Bah oui, mais de toute façon, les amis, le ballon deuxième poteau. La tête pour les Bordelais. Oh, très
Gregerson, les amis. La tête de Gregerson, deuxième poteau. La célébration de Gregerson et ça fait 3 buts à 0 pour les Bordelais. Là aussi, ça vient rendre fou les supporters des Girondins de Bordeaux. Ça y est, Bordeaux a réellement fait le break en début de deuxième mi-temps. Quel match pour les Bordelais aujourd'hui. Gregerson, il fait un excellent match et les défenseurs aujourd'hui sont mis à l'honneur. Un but de Barbet, un but de Gregerson. Les défenseurs sont vraiment mis à l'honneur. La tête de Gregerson, il arrivait à lancer. Deuxième poteau, Gregerson, bam! Le missile de la tête de Gregerson. Deuxième poteau sur cette tête plongeante. Sur le coup franc joué par David Tachvili. Passe décisive de David Tachvili vers Gregerson. 3 buts à 0 pour Bordeaux. Les gars, pour les Bordelais. Bordeaux a réellement fait le break. Laval est très très mal. Maintenant, c'est vraiment la question du combien ça va se terminer cette histoire. Gregerson. Ah, énorme Gregerson, les gars. Énorme Gregerson. Et là, c'est énorme hein, ce que font les Bordelais. Rien que parce que, encore une fois, les amis. Voilà quoi, Gregerson il permet à son équipe de faire le break, mais aussi au niveau du goladirage. Le goladirage peut être important. Bordeaux a plus 24, enfin maintenant à plus 25 du coup. Bordeaux a plus 25 maintenant. Et Metz a plus 26 de goladirage. Je vous laisse faire le calcul combien ils avaient de goladirage des Bordelais avant le début du match. Forcément que revenir à un petit but de Metz au niveau du goladirage, c'est une bonne chose. Maintenant Bordeaux, Metz ils gagnent tout à l'heure, leur goladirage augmentera forcément. De combien, je sais pas. Mais bon, encore faut-il qu'ils gagnent bien évidemment. Mais forcément que c'est une très bonne chose hein, de gagner en plus avec le goladirage et tout. Pour moi, c'est une après-midi qui s'annonce parfaite. Pour les Bordelais, les ballons pour Laval encore une fois avec le ballon vers Silla côté droit. Silla qui revient, Silla, c'est bien là ce que font pour le moment les Lavalois. Ils font tourner toujours dans leur camp avec Tavares vers Gonsalves. Gregerson, ouais, bon, moi je dis Gregerson des fois un peu, ça arrive. Ouais. Merci Xan de me le dire. Ouais, les gars, si je prononce mal des joueurs, dites-le moi hein, parce que franchement, je sais ce que ça fait quand j'entends des commentateurs qui prononcent sûrement pas mal mais qui prononcent pas comme on a l'habitude d'entendre, tu vois. Bah ça me perturbe donc en vrai, n'hésitez pas à me le dire donc je vais faire un effort. Gregerson. Tu peux me donner un mouchoir pour pleurer s'il te plaît, mais Skunking, force à toi mon frérot. Allez, ballon récupéré là par Laval et Laval qui fait tourner. Waouh, Joël. Non, Joël. Chef, tu fais quoi? Allez, ballon pour Laval. Laval côté droit avec Modri. Baudry pour Tavares, il est bon, hein. Il est très bon. Allez, ballon à droite, le centre là pour Laval, c'est contré par Bess. Ça revient comme dans les pieds de Lavalois, c'est encore contré par Barbet toujours, mais ça reviendra toujours dans les pieds de Laval. Attention, le centre, pourquoi pas, deuxième poteau là, le ballon capté directement par Poussin. 3-0 pour les Bordelais, 51e minute de jeu et le centre de Laval qui a été capté par Poussin. 52e minute, les gars, et ouais, ça sent très bon hein, pour les Bordelais, forcément. Maintenant, est-ce que Laval va réussir à revenir au score ou pas? Est-ce que Bordeaux va encore en marquer d'autres? Telle est la question dans cette fin de match. J'aimerais tant un troisième but pour les Bordelais. Bah là, il n'y a même plus besoin de le demander, hein, Christophe. Tu l'as sous tes yeux, ça y est, 3-0. Pourquoi ces questions, Paul Xas? Ouais, je connais bien. Ah ouais, Kuhlmann Galander. Ah, pourtant, non, j'ai pas pris de miel ces derniers temps, mais c'est cool alors. Merci beaucoup, Xan. Merci, Xan, pour le message. Merci beaucoup. Allez, ballon côté gauche là pour les Bordelais. Bordeaux qui revient encore une fois avec Franck Sergio. Prendre Sergio par-dessus. Merci à toi, Xan. Allez, c'est capté directement par Sauvage. Ce ballon bordelais, ouais, il voulait sûrement lancer en profondeur, je sais pas moi, Badji ou même David Tachvili. Mais il était un peu trop long. C'est donc récupéré par Laval à droite. Le contre joué pour Lavalois avec Silla vers Nadji, pourquoi pas. Nadji qui sera servi, il va s'écrouler le Lavalois, l'arbitre de ce match, monsieur Lissor, qui vient s'aller quelque chose. Et il y aura du coup un coup franc à jouer pour Laval. Et Laval qui revient directement derrière alors que Nadji reste à terre. L'arbitre, lui, demande au jeu de se poursuivre. Bakoua qui se relève, c'est bon, tout va bien. Ballon pour Laval qui fait tourner dans sa défense avec Tavares vers Gonsalves côté gauche. Tavares, allez, Tavares pour monter ce ballon. Tavares à gauche avec Gonsalves encore une fois. Gonsalves pour donner ce ballon à Seydou. Seydou balle au pied. Seydou est passé. Seydou, c'est bien fait. Oh oui, c'est bien fait ça de la part de Seydou. Seydou, c'est récupéré finalement par les Bordelais. Les contre-jeux avec David Tachvili. David Tachvili, oh le petit pont. Oh le petit pont de David Tachvili, que c'est magnifique. Zurico, David Tachvili, il a un boulevard devant lui. Il y en a pas de Jos Maja. David Tachvili est passé. Non, il oublie le ballon. Malheureusement, David Tachvili. Il oublie le ballon récupéré du coup par Laval. Allez, ballon écarté à gauche là pour les Valois avec Seydou encore une fois. Seydou qui revient à la défense de Franck Sergio. Laval qui va peut-être. Ouais, peut-être qu'il va jouer là pour Laval. Il y a du monde côté droit. Non, il n'y aura pas de transversal finalement. Laval qui revient avec ses défenseurs et fait tourner Gonsalves.
Est-ce que tu peux descendre le classement? Quel classement, Paul Sass? Tu l'as bien le classement. Il est en entier, il est en entier, y a pas de soucis normalement. Allez, ballon encore une fois là pour la Laval à droite. Allez, le centre à jouer, pourquoi pas pour les Lavalois. On est côté droit. Barbeck qui tente d'empêcher le centre et c'est ce qu'il arrive à faire à merveille. Puisqu'il arrive à contrer ce centre qui était à terre. Là, son pied droit pour mettre ce ballon en touche. Touche pour Laval côté droit. Toujours 3-0 pour les Bordelais. Sinon, chez nous, Girondins, c'est deux bonhommes en défense qui sont prolifiques en attaque. Assez inquiétant si on doit redécouvrir la première division de Mexan. Surtout, oui, après, c'est vrai qu'on Maja a loupé deux pénaux. Donc, c'est vrai qu'avec ces deux pénaux d'inscrits, ça aurait été autre chose. Mais ouais, mais après, c'est vrai que c'est une bonne chose pour eux aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça reste quand même pour le moins étonnant. Après, ouais, y aura un tacle là de la part d'un joueur de Laval. Sortie but, les amis. Sortie but à jouer pour Bordeaux. Après, voilà, c'est un but sur coup franc de la part de Barbet. Voilà, hein, sur coup franc, Barbet, on sait qu'il a un atout. C'est étonnant de voir un défenseur qui sait très très bien frapper les coups francs. D'habitude, c'est pas ça. Hein. D'habitude, c'est voilà, des joueurs comme, je sais pas moi, qui comme exemple, je sais pas moi, des Dimitri Payet pour l'OM, Messi pour Paris, etc. etc. Bref, souvent, c'est des attaquants, hein, tu vois. Là, c'est un défenseur Barbet, tant mieux après. Et puis, Gregerson sur une tête. Donc, en vrai. Voilà, hein, ça arrive aussi pour les défenseurs de marquer la tête, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont marqué, même si bon, si David Tachouli, il ne faut pas non plus l'oublier. Et justement, Badji, ballon capté par Sauvage. Par contre, Badji, les gars, c'est quand même incroyable. Hein. Badji, je trouve ça quand même incroyable. Des fois, il est quand même maladroit, Badji, c'est un délire. Je sais pas, il fait partie de ces joueurs de foot-là qu'on sent que lorsqu'il a le ballon, bah, il n'est pas vraiment serein avec le ballon. Genre un peu comme moi, tu vois, moi quand je jouais au foot, bah, quand j'avais le ballon, on sentait, même moi je le sentais, que j'étais pas serein avec le ballon, en mode je pouvais pas faire ce que je voulais du ballon, tu vois ce que je veux dire, bah c'est pareil. Il y aura un ballon récupéré là pour, sauf que lui il est footballeur professionnel à Bordeaux quoi, dans la carte à gauche, non en vrai il a d'autres qualités. Il a d'autres qualités bien évidemment. La Ligue 2 est en train de se finir, le meilleur futur. Ah, attention quand même, hein, non, c'est pas encore terminé. Il restera deux derniers gros multiplex en Ligue 2 qu'on suivra ensemble. Hein. Les deux derniers multiplex, les deux vendredis qui arrivent, ce sera deux vendredis où il y aura des multiplex dimanche en Ligue 2. Il y aura également des multiplex samedi soir en Ligue 1. Bon, pas ce samedi-là, mais les autres qui arrivent. Non, vraiment, ça va être incroyable. Pauvre Tango, c'est dur aujourd'hui, mais Anthony, ah bah c'est compliqué hein, pour Laval et c'est pas encore terminé. Ballon récupéré par Laval avec Sauvage, le gardien de Laval qui a pu relancer avec ses défenseurs. Sauvage à droite. Hop. Alors attendez, tac. Allez, ballon côté gauche. Saïdou il est passé. Saïdou encore. Allez, Toulouse, malheur au Bordelaise. Il a mis carrément Anthony. Mais il y a vraiment une grosse rivalité aujourd'hui. Hein. Ça se clash de partout. Hein. C'est incroyable. Pseudonyme. Ça me fout. Est-ce que tu peux montrer Laval? Laval, ils sont là. 16ème, tu le vois au classement. Paul Xa, ça te semble encore pour les Bordelais. Bordeaux qui revient à l'intérieur. Ouais, c'est bien fait vers Josh Maja. Maja, elle s'est récupérée là par Laval à droite. Et Laval qui revient avec son gardien. Ballon dégagé par Sauvage. Sauvage. Ah bah tant mieux alors Winston. Mais ça, ouais, ça, je pense, la qualité, les gars, vous pouvez normalement la régler de votre côté. Souvent, YouTube, il bride un peu votre qualité en fonction de la connexion. En mode, si vous avez peut-être une connexion qui est un peu lente, YouTube, ils mettent le live en une qualité qui est un peu mauvaise pour que vous soyez en live. Parce que si vous mettez une grosse qualité, bah derrière, il y aura des bugs, quoi. Vous pouvez les régler normalement de votre côté si vous voulez. Allez, ballon pour Gregerson encore. Les Bordelais font toujours tourner, les gars. Les Bordelais font toujours tourner. Pas fini, mais je ne crois pas à la remontada d'Alistine. Tu parles de quoi? Du haut de tableau ou du bas de tableau, Anthony? Parce que c'est vrai que le haut de tableau, bah, Bordeaux est plutôt bien. Bah voilà, ils sont en train de faire le 3. Après, en vrai, Metz, ils gagnent ce soir. Ça y est, hein, on revient à un point d'écart comme c'était le cas avant que le match commence. Allez, ballon côté droit là pour Laval. Et c'est dégagé par Poussin. Ballon dégagé par Poussin sur ce beau ballon en profondeur pour Laval. Ça aurait pu. Ça aurait pu faire quelque chose, heureusement que Poussin était vigilant et les Bordelais peuvent remettre le pied sur le ballon et faire tourner. Belle transversale à la droite pour Bordeaux. Pour moi, tu portes chance pour le Bordelais, mon ami, nous met Christophe. Ouais, il y en a qui disent que je porte malheur des fois, etc. Bon, après, voilà, mais c'est vrai que, bon, bah, en général, quand je fais des lives de Bordeaux, ils gagnent souvent, donc c'est plutôt cool, tant mieux. Mais bon, après, ça dépend. Hein. Moi, je pense que je porte ni malheur ni chance, mais ça dépend des fois. Allez, ballon pour Laval. Laval vers Sauvage. Ballon dégagé par Sauvage. L'Istimes va à Guingamp. Pas facile. Effectivement, Coolman Galander. On suivra ça tout à l'heure à 19h, bien évidemment. Allez, ballon encore pour Laval. C'est récupéré par Gregerson. Gregerson, il y a un appel de Bakwa. Bakwa, il faut qu'il soit servi. Bakwa, il est servi. Mais la passe de Gregerson n'est pas assez puissante. Ballon qui sera du coup récupéré par Laval au milieu de terrain. Avec. Ouais, il y a du monde à droite. Il y a de l'espace pour Laval. Ça court. Ballon côté gauche vers Adeoti. Adeoti, il est passé. Adeoti qui attendait de servir.
Le capitaine Laval qui est en train de servir un autre de ses coéquipiers. Finalement, il y aura une touche pour Laval. Côté gauche, le poteau de corner de Bordeaux. Ah, tu vois Bordeaux doubler le Havre carrément. Mais ça va être intéressant, les gars. Le multiplex de tout à l'heure va être intéressant pour voir un peu Metz face à Guingamp, si Metz gagne pour recoller sur Bordeaux ou pas. Ça va être intéressant également pour le maintien tout à l'heure, le multiplex. Et bien sûr, il y aura le match de lundi entre Le Havre et Valenciennes pour le maintien et pour le tableau avec Le Havre. J'espère que je pourrai le faire en live d'ailleurs lundi. Hein. Je sais pas si je peux le faire encore. Allez, ballon pour Laval, Laval à gauche, Laval. Ils sont passés les Lavalois. Il y a quand même une belle défense pour les Bordelais. Il y a un ballon sur la pelouse, ballon dégagé par Bordeaux. Il y a deux ballons sur la pelouse. L'arbitre qui laisse le jeu se poursuivre, étonnant. Bah quoi à droite. Par contre, il faudra peut-être virer le ballon en dehors de la pelouse. Et il est toujours sur la pelouse le ballon. Ah non, c'est bon, il a été viré. Le centre bordelais dégagé par la tête. Le centre Lavalois plutôt dégagé par la tête de Bordeaux. Le contre à jouer avec un ballon dans les pieds peut-être de Georges Majas. Ça revient dans les pieds des Tango. Laval est dans un mini temps fort là actuellement. Ballon côté gauche vers Bobichon. Il est passé Bobichon pour écarter vers Adeoti. Le centre à jouer pourquoi pas. Ballon vers Seydou. Le centre de Seydou. Deuxième poteau, la tête pour Laval. Elle est belle. Mais elle passe à côté des buts. De Poussin, cette tête lavaloise. Laval qui va un peu mieux à ce temps-ci. La belle tête d'Elisor qui ne donnera rien. Sortie de but, renvoi 5m50 à jouer pour le gardien bordelais Poussin. Toujours 3-0 pour Bordeaux. Si Metz perd, Le Havre est en Ligue 1. Ouais, ça faut. On va commencer à y penser effectivement. T'as raison. Ah ok Joël. C'est quoi cette extension Joël? Mais ouais. Non mais en vrai c'est bizarre un peu la qualité du live. N'hésitez pas à régler la qualité du live hein. Si vous voyez que le live il est en mauvaise qualité chez vous, régler la qualité, c'est vrai que voir un live qui est en 360, ouais, en 144p, c'est pas non plus très très agréable. Allez les amis, changement dans ce match, c'est le premier changement du match. Et Bordeaux baisse le pied. Ouais, Bordeaux baisse un peu le pied, hein. T'as raison Romain, on sent une petite baisse de régime hein, de la part des Bordelais. Pourtant faudrait pas, il reste encore une demi-heure. Si Bordeaux peut marquer encore un petit but qui leur permettrait de revenir à égalité avec le FCMS au niveau du goal à virage, c'est toujours ça de prix, tu vois. Après, bon, je pense pas que Bordeaux non plus compte sur le goal à virage, mais c'est toujours ça de prix. Changement du coup les gars, il est du côté de Laval. Le changement, alors je vais pas vous mentir, je n'ai pas eu le temps de voir quel était ce changement. Donc je vais essayer de revenir en arrière pour le voir. Alors du coup c'est Naiji qui sort. Naiji qui sort et qui c'est qui rentre? C'est qui rentre? Ah ok, c'est Enchobi. Enchobi les gars qui rentre, c'est tout bon, j'ai vu. Donc ouais, du coup le changement les gars, il est noté sur les compositions. Il est noté sur la compo, le changement en bas à droite. Et du coup c'est Enchobi qui rentre, Naiji qui sort. Enchobi qui rentre, Naiji qui sort les gars. Ah ouais, ça fait pas longtemps les gars, j'ai la fibre. Franchement ça fait plus, enfin, pas longtemps aussi quand même, mais... Moi je suis pas supporter Guingampais, ben je souhaite qu'il gagne pour laisser les Girondins prendre le large face à Metz, nommé Jérémy. Allez, en tout cas, il y aura un coup franc, les amis, à jouer pour Bordeaux. Côté droit, coup franc à jouer pour les Bordelais. Oh, on est à un like des 200 likes, merci beaucoup, les amis. Coup franc à jouer pour Bordeaux à droite, les gars. La défense de Bordeaux, c'est un mur. Bah, aujourd'hui, rares sont les fois où effectivement Laval est passé dans cette défense. Là, il y aura un coup franc à jouer pour Bordeaux. Pourquoi pas l'occasion d'aller marquer un quatrième but. C'est un coup franc qui est à peu près au même endroit que le coup franc qui a été tiré par David Ajvili tout à l'heure, qui a mené au but de Gregerson, le troisième but bordelais. Là, il a été joué à deux de la part de Bordeaux. C'était d'ailleurs très très mal joué. Ouais, on est juste devant la tribune des Ultramarines. Hein, ils sautent tous ensemble, une énorme ambiance. Alors qu'il y aura un ballon en direction là, des Bordelais. La tête d'Ensimba. Ensimba, ballon dégagé derrière et repris par Bordeaux avec encore une fois la tête de Barbet pour redonner ce ballon à Poussin qui peut le capter tranquillement. Poussin qui va tenter de relancer, il lui prend du temps, il prend son temps Poussin, mais c'est vrai que sans ces deux pénalités de manquer, ça aurait pu faire 5-0 pour Bordeaux hein, quand même. Ouais, j'ai vu ça en national. On va parler un peu les amis d'un national si vous voulez. On va son ballon là en direction peut-être, pourquoi pas, du gardien de Laval. Le gardien de Laval qui va s'écrouler. Ouais, il y a eu un espèce de tacle de Bakwa sur Sauvage. Bakwa il a taclé le gardien de Laval, Bakwa, sans trop le faire exprès, il a un peu glissé, etc. Mais du coup c'était un peu bizarre cette action. L'arbitre a signalé une faute, ballon récupéré par Laval. Mais voilà, en fin de live les amis, on parlera de la nationale un peu, parce que hier on en a déjà parlé hier de la nationale avec Martigues qui était à l'origine premier national, qui se fait battre par le dernier national. Passer à Borgo sur un score de 3-0, ça change beaucoup de choses. Et on va parler un peu de la nationale parce que bah ça nous concerne directement hein, avec deux équipes de nationale qui vont monter. Allez, ballon côté gauche là pour Laval. C'est bien ce que fait Laval, le centre Laval. Ouah, la frappe pour Laval et finalement le ballon qui restera dans les pieds de Laval à gauche. Ils sont plutôt bien à Laval en ce moment. Allez, ballon côté gauche encore une fois vers le capitaine Lavalois. Et il y aura une sortie but à jouer pour Bordeaux. De toute façon, parce que là Gregerson s'est écroulé, les amis. Qu'est-ce qu'il veut
Qu'est-ce qu'il cherche Adeoti? J'ai l'impression que Adeoti cherche un petit peu des noises là, Adeoti, les gars. Il a poussé Gregerson. Ouais. Ça aurait pu être un petit carton là hein, pour Adeoti quand même. Allez les gars, il y aura du coup un corner à jouer pour Laval. Corner à jouer pour Laval. Et ouais, Marty Gola, on va reparler de tout ça les gars, les amis. En fin de ce match, allez, attention le corner. Merci beaucoup les gars, on allait passer les 200 likes. Des gros GG, vous pouvez mettre des GG les gars. Vous pouvez vous mettre des GG dans le chat pour les 200 likes. Merci à tous, alors qu'il reste encore 26 minutes dans ce match. Corner à jouer pour Laval côté gauche. L'occasion peut-être de revenir dans le match hein, pour les tangos. Attention, le corner qui est frappé, il est frappé rentrant. Un peu trop rentrant d'ailleurs. Et non, même pas, je pensais que Poussin allait le capter. Mais c'est dégagé directement par les Bordelais. Ça restera plutôt dans les pieds de Laval avec le défenseur Laval. Balle au pied, Tavares pour écarter à gauche. Le ballon en direction d'Adeoti, peut-être le contrôle qui est beau à gauche avec Adeoti. Il sera servi. Adeoti qui est en surface de réparation des ports-jeux. Le centre d'Adeoti dégagé directement par les Bordelais ne craqueront pas aujourd'hui. Et c'est encore Barbet qui fait un excellent match. Barbet en défense et en attaque du coup qui vient de dégager ce ballon en touche. Tu feras un débriefing. Ouais, on débriefera un peu le match les amis en fin de live si vous voulez. Puis on parlera un petit peu de la nationale, on parlera des listes pronostics si on peut, parce que je suis pas sûr de vous les montrer, je vous expliquerai tout ça. Et on parlera surtout de la fin de cette journée qui va être montée avec un multiplex Ligue 2 bien sûr à 19h et un Lille-Marseille en Ligue 1 à 21h. Elle est bonne récupérée vers Adeoti, Adeoti qui revient à l'intérieur, Adeoti côté droit, le ballon, c'est très bien joué, c'est de la part de Adeoti. Le centre pour Laval, pourquoi pas, Laval qui est plutôt bien. La frappe pour les Lavalois, contrée par la défense bordelaise. Ouais, c'est vraiment un mur hein, pour le moment Bordeaux, mais est-ce que ce mur va s'aider, je ne sais pas. Pour le moment, c'est pas le cas. La frappe encore une fois pour Laval, elle passe à côté des buts de Poussin, sortie but à jouer pour les Bordelais, toujours 3-0 pour Bordeaux, mais attention quand même, ils sont en train de baisser un peu en régime les Bordelais. Si Concarneau monte en Ligue 2, ils devront jouer à Brest ou à Lorient car le stade n'est pas assez grand. Mais MX 100% réel. Bah ouais, bah, si Concarneau monte en Ligue 2 et que Brest descend en Ligue 2, bah c'est à dire qu'ils devront jouer à Lorient alors. Mais c'est vrai que c'est dingue, ça va être bizarre un peu. On verra bien les gars. On verra bien, mais voilà, on va parler national tout à l'heure et c'est vrai que Concarneau et Dunkerque restent quand même les favoris. Et après, il y a les Red Star et Martigues, pourquoi pas. Il resterait une journée en national. La dernière journée des gars en national, elle se jouera en même temps que la 37e journée de Ligue 2. Donc le vendredi prochain, donc dans une semaine, un peu moins d'une semaine, vendredi prochain, il y aura un multiplex Ligue 2 d'images qu'on suivra bien sûr sur la chaîne. Et en même temps, il y aura un multiplex d'images en national, donc on ne suivra pas officiellement, mais on regardera un peu les matchs. Vous voyez, on aura l'œil sur les deux, sur les 20 pelouses, quoi. Enfin, sur les 20 pelouses. Allez, avec encore une fois, Franck Sergio vers Barquois. Barquois qui revient, Barquois vers Poussin, son gardien. Poussin pour Franck Sergio, toujours. Ouais, c'est très bien ce que fait Bordeaux. 3-0, 66e minute de jeu. Non, franchement, les Bordelais, c'est excellent. C'est excellent pour le moment là, ce que fait Bordeaux. Ils se mettent bien. En Ligue 1, là, ils mettent un peu la pression sur Metz qui devra jouer tout à l'heure, qui devra absolument gagner. Ils mettent aussi la pression sur Le Havre qui va jouer lundi. Non, franchement, c'est très très bien. Attention, Bakwa, il est passé. Bakwa, oh, il est passé. Bakwa, le petit pont de Bakwa, il va s'écrouler. Monsieur Lissorg qui vient s'isoler le coup franc, les amis. Coup franc à jouer pour. Coup franc, les gars, pour les Bordelais, ouais. Avec ouais, une faute du coup de la part d'un Lavalois sur Bakwa. Bakwa avait fait le petit pont, ouais, il y a une faute, il a plutôt bien cherché. On va dire qu'il a joué à l'expérience, Bakwa. Il est allé chercher la faute, mais en vrai, il y aura du coup un très très beau coup franc. Et forcément, pour un joueur comme Barbet, ça peut être une occasion de but. On est encore une fois aligné à un poteau du but de Sauvage. On est à quelques mètres de la surface de réparation. Bref, ça va sûrement se frapper direct. On va voir ça. Merci, Kélion. Alors un petit quatrième but, je dirais pas non pour le goal à virage. Ah bah c'est sûr. Un quatrième but permettrait à Bordeaux de revenir à égalité de goal à virage avec Metz avant que Metz joue ce soir. Merci beaucoup Nextas pour l'abonnement. Je crains que les matchs perdus contre Annecy a cassé quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Pour le Havre, bah en vrai ouais j'ai trouvé hein. Puis on a vu avec Jamal Charré qui se prend le rouge derrière, etc. C'est pour ça que le Havre, peut-être que c'est pas fini tu vois. Allez les amis, on va suivre le coup franc là pour les Bordelais avec Barbet au coup franc. Ah, c'est lui, hein, c'est lui qui a placé le ballon, c'est lui qui devrait le frapper. Il est tout seul Barbet, il y a quand même Josh Maja autour du ballon. Maja qui a peut-être essayé de se racheter le Nigérian Josh Maja. Ou est-ce que c'est Barbet qui va le frapper aussi? On va voir ça, est-ce que c'est le capitaine qui aura le dernier mot? Allez Barbet devant Maja. Monsieur Lizor qui a signalé comme quoi il pouvait le frapper, ce sera pour Barbet. Barbet s'était frappé encore une fois côté ouvert. Bien frappé hein, de la part de Barbet, mais malheureusement ça passe à côté des buts du gardien Lavalois. Il y aura du coup les amis une sortie de but à jouer pour Laval. Ouais, il avait tenté encore Barbet, mais cette fois-ci ce n'était pas cadré. Sortie de but à jouer pour Laval.
Allez les gars, il y aura un changement. Changement du côté de Bordeaux. J'étais en train de voir, mais du coup j'ai pas réussi à voir qui, si Bakwa est sorti, par contre qui est rentré, je sais pas. Et bah c'est Pitu les amis, Pitu qui est rentré du côté bordelais et Bakwa qui est sorti. Pour le moment je crois que c'est le seul changement du côté bordelais pour le moment. Kenyon, ah c'est cool, merci à lui alors et bienvenue à toi du coup. Ballon vers Barbet à gauche, Barbet. C'est facile les pénaltys, hein, la preuve que non. Ah non, ah, bah ouais, non, mais les pénaltys c'est pas marqué d'avance, hein, bien évidemment, on l'a vu aujourd'hui. Allez, ballon vers Barbet encore qui fait tourner les bordelais, font tourner dans leur défense. Avec Barbet pour servir Franck Sergio qui lui remet directement le capitaine bordelais balle au pied. Ballon écarté à droite, ce sera en direction d'un bordelais. C'est récupéré par Bordeaux, le petit ballon côté droit avec pourquoi pas Bokele, la tête de Bokele. Elle est belle en direction de Davitashvili. Le contrôle de Davitashvili, il est mauvais, ce contrôle de Davitashvili. C'est récupéré par les Lavallois. Le ballon dégagé par Laval directement. La tête encore une fois là pour les bordelais avec Franck Sergio. Franck Sergio pour revenir pour servir son ailier droit. Ballon vers Bokele, finalement c'est récupéré. Et l'arbitre qui vient saluer quelque chose d'une faute d'un Lavallois sur Mwanga. Elisor qui fait la faute sur Mwanga, toujours 3-0 pour Bordeaux. J'annonce Bordeaux et Metz montent. Et le Havre s'est fait coiffer sur le poteau. Je donne Primo Taku quand même. Hein. Quand même, ils vont pas non plus. Ah, quoi que, hein. En vrai, on sait jamais, mais. On verra lundi déjà. Ça m'étonnerait quand même. Ah, les pauvres, imaginez. Hein. Moi, j'aurais les boules. Hein. Allez les amis, ballon dans les pieds des Bordelais encore avec Barbet. Ouais, pour moi ça, on sent quand même que ça se calme, hein. On sent quand même les gars que ça se calme dans ce match. Il se passe plus grand chose mais là il y aura quand même un récupéré par Laval à droite. Il y a du monde là pour les Lavallois. Les Bordelais reviennent quand même là pour tenter de défendre. Ce serait quand même bête de se prendre un but. Ballon côté droit, le centre pour Laval dégagé par les Bordelais. Et le corner à jouer pour le stade Lavallois côté droit. Alors que on entre dans les 20 dernières minutes de ce match. Merci encore à tous pour les 213 likes, bien sûr les gars, je le redis, tiens, ça fait longtemps. N'hésitez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement, merci à ceux qui l'ont déjà fait bien évidemment, hein, parce que vraiment ça fait très plaisir. Et puis n'oubliez pas de faire tout ça si jamais c'est pas encore fait, ça fait plaisir. Bordeaux de retour en Ligue 1, nouvelle T 3000, il y a de grandes chances, ça a de grandes chances. Un supporter toulousain effectivement qui dit ça. Changement du côté de Laval, Tavares qui sort, Baldé qui rentre les gars. Tavares qui sort, Baldé qui rentre du côté de Laval. On a également un Maggiotti, le meilleur buteur égalité avec Elisor qui rentre à la place de Bobichon. Du côté de Laval également, les changements vont se noter normalement sur les compositions. Les codes sont allés se coucher. Ah bah là, on peut carrément plus parier sur Bordeaux tellement que c'est probable qu'ils gagnent. C'est logique en vrai. Exactement Victor, hein. Ce serait quand même dégueulasse que le Havre ne monte pas, mais le sport est parfois cruel. Après, ça va hein, les gars, je pense qu'ils vont le faire, n'empêche, t'auras quand même une grosse désillusion. Attention, le corner que je vais pour Laval, la tête bordelaise, deuxième poteau pour dégager le danger, pour écarter le danger, ballon qui sera récupéré du coup par Laval. Laval qui revient avec ses défenseurs à gauche. Ah, c'est bien fait, ballon dégagé par les Bordelais, la tête encore une fois pour Maja vers Davitashvili, balle au pied, il y aura une touche finalement à jouer pour Laval dans le camp de Bordeaux. Laval s'est pris un carton rouge. Ouais, il y a un membre du staff de Laval qui s'est pris un rouge. C'était en première mi-temps, on le rappelle. Et bon, c'était ni le coach adjoint, ni le coach. C'était peut-être un kiné, j'en sais rien, quelqu'un. Mais bon, on n'en a pas trop reparlé après. Hein. Silla. Allez, Silla qui revient avec pourquoi pas Baudry. Baldé à gauche vers Gonsalves. Gonsalves qui revient vers Silla. Silla il est passé. Silla il est passé devant Davitashvili. Silla qui s'approche de la surface de réparation. Silla vers Elisor, la fin de frappe d'Elisor. Elisor qui revient. Il est pressé par Ntimba. Elisor qui arrive quand même à passer. Elisor encore qui revient. Merci beaucoup Guillaume pour l'abonnement. Le ballon vers comment c'est déjà j'ai perdu. Ouais, c'est Adeoti, voilà, Adeoti, le centre, la frappe pour Laval, c'est contré par Gregerson encore une fois. Ouais, Laval qui pousse hein, pour aller marquer un petit but pour sauver l'honneur aujourd'hui, mais Bordeaux qui ne craquera pas, ou en tout cas qui ne craque pas pour le moment. Allez, ballon encore une fois à la côté droit vers Josh Maja. Il y aura une touche, les amis, à jouer côté gauche. Non, il n'y aura pas une touche, ballon du coup, il y aura un coup franc pour les Bordelais, puisqu'il y a une faute de Tapoko sur Maja. Coup franc à jouer pour Bordeaux côté droit dans leur camp, mais là on revoit l'occasion pour Laval qui a été du coup arrêté par Gregerson, un hein, beau tac de Gregerson. C'est ton prono. Bah Anthony, j'avais dit 2-1 pour Bordeaux. Donc du coup c'est mort. Hein. Maintenant qu'il y a 3-0, je pense que ça va rester là. Ou alors peut-être un but de Laval. On va voir un peu comment ça va se profiler. C'est un membre du staff qui a pris le rouge, exactement Romain. La messe semble dite, mais Xan, courage au tango pour la fin de saison. Ouais, ils vont devoir se battre pour le maintien, hein, les Lavallois. Ils étaient plutôt bien là, ça vient un peu casser leur série. Après, bon voilà, hein, fallait aussi s'attendre, tu vois. C'était.
C'était les Bordelais. Bordeaux, c'est compliqué d'aller prendre des points sur la pause de Bordeaux. Alors qu'il y a un Simba à terre, les gars. Un Simba à terre, les médecins sont en train de prendre en charge un Simba. Le jeu est arrêté pour le moment. Tant que Lacou n'est pas sur le terrain, Laval ne marquera pas. Il va peut-être rentrer, hein. Il va peut-être rentrer pendant temps Lacou, donc pas parler trop vite quand même. Tu as pas Geoffroy Guichard. Tu parles à qui Koulman à moi? Non, pas ce week-end. Bon, c'est pas non plus tous les week-ends hein, que j'y vais. J'y suis allé une fois cette saison, c'était il n'y a pas longtemps, effectivement. Contre Guingamp, en vrai j'ai eu de la chance, hein, parce que c'était une belle ambiance. Le match était quand même assez incroyable, c'est la rue du match. En vrai j'ai eu de la chance. C'est vrai que c'était la première fois que j'ai vu un match de Ligue 2. Hein. J'étais jamais allé voir un match de Ligue 2 au stade, les amis. C'est quand même dingue ça aussi. Hein. Et du coup, j'y suis allé en voir tout à l'heure, mais c'est vrai que la Ligue 2 c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable la Ligue 2. Ouais, bah le jeu est toujours arrêté, les gars. Le jeu est toujours arrêté. Ah, ça reprend. Ça reprend entre Bordeaux et Laval. Donc, pour le moment, on a un Nsimba qui est sorti en dehors des limites de terrain pour se faire soigner. Les Bordelais sont un mois provisoirement le temps qu'ils soient soignés et qu'ils reviennent. Et pour le moment, les Bordelais font tourner avec Gregerson. Allez, Gregerson pour écarter à droite. Gregerson, c'est bien joué. Les Bordelais font tourner avec encore une fois Franck Sergio vers Josh Maja. Maja. C'est récupéré pour Bordeaux à droite vers David Ajvili. David Ajvili qui rentre dans le camp de Laval. David Ajvili, il est passé. David Ajvili qui va pouvoir revenir avec Badji. Pourquoi pas le contrôle de Badji, il est bon. Badji qui est pressé dans le dos par Adeoti. Badji, il est passé quand même. Oh, c'est bien ce que fait Badji là pour une fois. Badji, il faut pas le perdre. Badji vers David Ajvili, voilà. Il suffisait de le dire pour que finalement Badji perde ce ballon. Il y aura un contre à jouer pour Laval à droite. Il y a un appel de la part de Elisor. Mais le ballon est récupéré par le retour impressionnant de Franck Sergio. Quel match hein, de la part de Franck Sergio aujourd'hui. Quel retour hein, de la part du milieu de terrain brésilien. Il était pas mal critiqué, hein, Franck Sergio, au milieu de saison, etc. Je me rappelle qu'il était quand même pas mal critiqué. Et là, il est plutôt pas mal. Les ballons là pour les Bordelais avec encore un ballon dans les pieds de Barbet. Barbet pour écarter côté gauche. Barbet vers Georges Maja. Maja qui va pouvoir porter ce ballon. Maja, c'est bien fait. Maja côté gauche. Il a tenté de servir Bakoua. Finalement, c'est récupéré par Laval et dégagé par les Lavalois. Elsner aussi a pris un rouge. Ah ouais, lundi là, Primo Taku. Ouais, c'est possible. Hein. Il s'est pris après le match alors, Lucas Elsner. Attends. Il a dû se prendre après le match. Allez, Metz, mais Vivi, salut à toi. C'est vrai que le match entre Guingamp et Metz tout à l'heure, les gars, il serait très, très intéressant. On en parlera en fin de live, mais on vivra le multiplex. Hein. Ligue 2, on le vivra tout à l'heure, les amis, avec Guingamp-Metz, il y aura Saint-Équeville, des matchs importants pour le maintien avec Nîmes-Dijon, etc., etc. Donc, franchement, voilà, le maintien pour Laval, le haut tableau pour Bordeaux. Non, il y aura des matchs très intéressants tout à l'heure. On fera Lille en live, ouais, Thibaut. Hein. Vraiment, aujourd'hui, les gars, c'est une très grosse journée live aujourd'hui. Alors qu'il y a un tacle de Barbet sur un Laval, il y aura du coup une touche à jouer côté droit pour. Ah non, ok, la touche elle est pour Bordeaux. Comment ils ont eu la touche chez Bordelais? Ok, tant mieux. Allez, la touche qui est jouée directement. Barbet, par contre, quel match hein. Quel match de la part de Barbet et Franck Sergio qui va pouvoir relancer. Franck Sergio côté gauche. Ballon qui va sortir en touche. Allez, par contre, faut vraiment que je me coupe les cheveux. Moi, en ce moment, ça va plus, les gars. Les amis, il n'y aurait pas des coiffeurs, des gens qui. Tu vois, petit conseil pour les coupes de cheveux. Moi, les amis, les coupes de cheveux, ça n'a jamais été mon fort la coupe de cheveux. Et. C'est faux. Faut que je change tout ça quand même. Waouh, comment j'ai bégayé. Faut que je change tout ça. Compliqué de dire tout ça quand même. Allez, ballon pour Bordeaux encore une fois, ballon à gauche vers Mwanga. Mwanga s'est récupéré par les Tango au milieu de terrain. Laval pour relancer. Salut Max, comment tu vas? Bienvenue à toi. Oui, après le match, il a insulté l'arbitre. Ah, ok, d'accord, compréhensible. Alors. Compréhensible. Ce carton rouge, allez, ballon côté droit pour Laval. Ballon en direction d'Elisor, pourquoi pas, dans la surface de réparation. La balle de 3, la frappe, c'est contré par un Bordelais. Merci beaucoup, Vivi, pour l'abonnement. Et la frappe lavaloise contrée par un Bordelais, c'était la balle de 3-1. Laval qui pousse énormément hein, pour aller chercher le 3-1. Mais Bordeaux qui tient un carton jaune, sinon, les amis, pour un Lavalois, alors que Poussin, pour le moment, voilà, a gardé sa cage vierge. Et il faut continuer comme ça, on va dire. Maintenant. Reste encore du temps, 13 minutes, mais c'est vrai que les Bordelais se sont vraiment relâchés quoi. La boule à zéro. Ah, pas mal le conseil, la boule à Z, jamais testé. Oh, t'inquiète pas, je pense que dans ma vie, j'aurai le temps de le faire. Hein, quand j'aurai plus beaucoup de poils sur le caillou, comme on dit. À mon avis, je passerai vite par cette solution-là. Ouais, il y aura une faute sur Pitou. Hein. Pitou qu'on voit pas beaucoup hein, depuis qu'il est rentré d'ailleurs. Pas de soucis, Anthony. Merci beaucoup, Génome, pour l'abonnement, pas de problème, Anthony. Bordeaux le mur, le Meloula. Et mais Bordeaux, les amis, ne craquera pas. Alors que Julien Maggiotti vient de se prendre le carton jaune, les amis Maggiotti. Et le ballon sera récupéré là par les Lavalois à droite avec Silla pour relancer, pourquoi pas pour Laval. Allons vers Adeoti. Adeoti qui tente de passer. Adeoti pour servir un de ses attaquants. C'est bien fait. Laval qui joue plutôt pas mal. Mais ce sera quand même récupéré par Franck Sergio vers Badji. Allez, Badji, hein, 1 contre 3 joué pour Badji. Ouais, non. Badji a essayé de passer en mode bourrin, il n'y est pas parvenu. Ballon récupéré par David Ajvili. Badji, David Ajvili avec Pitou. La frappe de Pitou qui a passé à côté des buts de Sauvage, le gardien de Laval. Il y aura du coup une sortie de but à jouer
pour Laval, alors qu'il reste 12 minutes entre Bordeaux et Laval, toujours 3-0 pour les Bordelais dans ce match. Ignatenko et Lacou. Ah, Lacou, les amis, ça y est, il rentre. Donc normalement, selon votre théorème, les gars, il devrait y avoir un but pour Laval. Quelqu'un, voilà, c'est Xan qui nous a dit, tant que Lacou ne sera pas sur le terrain, Bordeaux ne se prendra pas de but. On va voir ça. En tout cas, Junior Mwanga qui sort, Tom Lacou qui rentre. Mwanga qui sort, Lacou qui rentre, les gars. Allez, donc voilà, Mwanga qui sort, Lacou qui rentre. Ignatenko également, l'Ukrainien qui va rentrer à la place de Maja. Eh, Maja qui n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Hein. Maja, il peut s'en vouloir. Imaginez, hein, avec les deux buts, Maja, il aurait été à 18 buts en Ligue 2. Il aurait pu se rapprocher un peu de Mikotadze et être deuxième meilleur buteur. Il a un peu raté son match, Maja, sur les pénaltys comme ça. De quoi s'en vouloir toute la semaine. Force à lui. Et du coup, c'est Ignatenko qui va rentrer à la place de Maja du côté de Bordeaux. Double changement qui vient d'avoir lieu du côté des Bordelais. Alors. Surtout combiné à Ignatenko, MDR, le Romain. Eh les gars, vraiment, vous avez aucune pitié, hein, ça me fume. Exactement, Coolman Galander. C'est vrai que les Bordelais, les gars, ils vont jouer contre. Les Bordelais, les gars, ils vont jouer contre Annecy dans une semaine. Annecy qui a créé la surprise face au Havre. Non, mais cette Ligue 2 n'est pas terminée. Hein. Et la semaine prochaine, on entame les multiplex. Oh, que ça va être beau, Et il y aura aussi d'ailleurs un changement du côté de Laval. Là, on est en plein dans les changements. Hein. Simon Elisor qui est remplacé par Durban. Durban qui rentre du côté de Laval. Il y aura aussi un double changement. Donc voilà, Durban à la place d'Elisor. Et Jimmy Roy à la place de Jordan Adeoti qui vient donc laisser son brassard capitaine à justement Jimmy Roy plutôt qui rentre à la place de Adeoti. Et on voit encore justement les supporters bordelais, les gars. Oh, quelle ambiance. Quelle ambiance, les amis, ici au Matmut Atlantique. Ça se répond entre les deux copes. Tout le stade se met à sauter, à s'enflammer. Non, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. L'ambiance est belle. Le match est beau. La place, la deuxième place est très belle. Et c'est une après-midi parfaite pour les Bordelais pour le moment. Il y aura une touche à jouer côté droit pour Laval, alors qu'il reste environ 9 minutes à jouer dans ce match avant de se quitter pour mieux se retrouver tout à l'heure. On se quittera vers, je sais pas moi. Ah oui, bah du coup, on se quittera plus tôt puisque le match a commencé à 14h45. Bref, vers 17h, tu vois. Et on se retrouvera tout à l'heure pour commencer live vers 18h10, 18h20 pour un midplex qui commence à 19h tout à l'heure, les gars. Dont Guingamp-Metz dans ce multiplex, etc. Allez, il y aura une touche, les amis, côté gauche pour Bordeaux sur la ligne médiane. Touche à jouer pour les Bordelais. Même Sochaux mérite plus la place que Bordeaux. Ouf. En vrai, tu m'aurais dit un autre club, le débat aurait pu être possible. Et encore, franchement. Mais là franchement. Allez, il y aura une touche, les gars, pour Bordeaux à gauche. Et encore, non, dans tous les cas, sur un championnat, c'est pas comme si c'était en un match. C'est pas en un match que ça joue, c'est sur toute une saison. Une équipe qui est premier, bah, elle mérite d'être premier. Une équipe qui est deuxième, elle mérite d'être deuxième. Hein. Faut pas chercher plus loin. Ballon pour Barbet. Barbet avec Tom Lacou. Lacou vers Barbet. Barbet qui revient vers son gardien Poussin. Poussin, même si bon, c'est vrai qu'après, voilà, des fois, certaines équipes nous produisent de meilleurs jeux. Certaines équipes sont plus agréables à voir jouer. Pourtant, c'est pas forcément celles-ci qui sont les mieux placées. Mais bon, ça, c'est autre chose. Allez, il y aura une touche côté droit, les gars, pour les Bordelais avec David Ashvili, encore une fois, les gars, la touche peut-être. Non, même pas, il laisse la touche à un de ses coéquipiers, plus que 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Cette partie, toujours 3-0 pour les Bordelais avec Bokele, les gars, la touche. Bokele à la touche côté droit. Attention, la tête là pour les Bordelais, la tête de David Ashvili. Tête de David Ashvili. De David Ashvili, oh, comment j'ai du mal des fois à le prononcer. Faut pas que je le prononce vite son nom de famille, hein. Sinon je m'en sors pas. Allez, ballon côté droit là pour Laval. On est long la ligne de touche. Ballon côté droit encore. Laval qui fait tourner. Il joue un peu avec le feu dans leur camp quand même, les Lavalois. Ballon dans les pieds de Sauvage qui va pouvoir relancer vers Gonçalves. Côté gauche, Laval qui va pouvoir relancer pour partir pourquoi pas à l'attaque. Ballon côté gauche, oh, c'est bien fait ça pour les Lavalois. Le ballon qui revient derrière, c'est bien joué. Ballon vers Gonçalves encore, et l'arbitre qui va arrêter le jeu puisqu'il y aura un carton jaune d'ailleurs distribué par monsieur Lissorg pour un Bordelais. C'est Franck Sergio et Maggiotti qui n'a pas voulu checker Franck Sergio. Ouais, Franck Sergio voulait s'excuser, taper dans la main de Maggiotti. Il n'a pas voulu Maggiotti, donc Franck Sergio, on l'a vu un sourire nerveux de Franck Sergio qui du coup s'est pris le carton jaune sur cette faute. Allez, ballon récupéré là par Laval. Laval qui est à quelques mètres de la surface de réparation des Bordelais. C'est récupéré par Ignatenko. Et l'arbitre qui va s'aller un beaucoup franc, les amis, à jouer là pour
pour Laval. Très très beau coup franc. On est à quelques mètres de la surface de réparation bordelaise. On est à peu près aligné à un poteau. Non, franchement, il y a peut-être un beau petit coup franc à jouer là pour les Lavallois. Beau petit coup franc. Salut Maxence. Est-ce que Badji est plus rapide qu'Mbappé? Même toi, tu connais la réponse, à mon avis. Hein. Franchement, là. Allez, Laval, un petit but, au moins pour l'honneur, le met Skun King. Et pourquoi pas? Pourquoi pas sur ce coup franc, le fameux but pour l'honneur? Il y a deux joueurs autour du ballon. Il y a Majotti autour du ballon avec Gonçalves, je crois, je suis pas sûr. Non, mais Majotti, ça prend, j'en suis sûr. Il y a 5 Bordelais dans le mur. Poussin a placé son mur. Il y a personne, par contre, qui est en dessous du mur. Donc potentiellement, il peut frapper à terre les Lavalois s'ils se sentent. Le coup franc qui est frappé. Et l'arrêt de Poussin. Oh, que c'était bien frappé. Le corner a joué pour les. Pour les Bordelais, ah non, ouais, alors je sais pas s'il y a un corner parce que Poussin a touché ou parce que ça a été dévié par le mur. Ah ouais, non, Poussin n'a pas touché, ça a juste été dévié par le mur. Okay. Ballon qui a été dévié par le mur, du coup, corner à jouer pour Laval. Allez, corner à jouer pour Laval, le corner qui est frappé, ballon dégagé par les Bordelais. Nouveau corner à jouer pour Laval, côté gauche toujours, du même côté. Les gars, dans le chat, est-ce que vous pensez que Laval va réussir ou pas enfin à sauver l'honneur, enfin à marquer ce fameux but qu'ils essaient, voilà, ils essaient depuis eux. Ils essayent depuis un bon moment d'aller marquer ce fameux but. Oh, le corner qui était frappé directement. Le corner rentrant de la part de Laval. Il y aura du coup une sortie but à jouer pour Bordeaux. Ce corner rentrant était un peu trop rentrant et donc il est directement ressorti en fait. Avec une sortie but à jouer pour les Bordelais. Poussin qui va pouvoir jouer cette sortie but. Michelin qui rentre, les amis. Michelin qui rentre à la place de. Bokele. Malcolm Bokele, les gars, qui sort. Malcolm Bokele qui sort avec Clément. Michelin qui rentre. Du côté de Bordeaux, c'est le quatrième changement hein, du côté bordelais, je crois bien. Les changements, les gars, que vous retrouvez toujours en bas à droite. Hein. Vous voyez que du côté de Laval, ils ont fait tous leurs changements, les Lavallois. Et du côté bordelais, il en restera plus qu'un, puisque c'est le quatrième là. Et ben voilà, il a été utilisé, puisque c'est David Tachvili. Zurico, David Tachvili, qui est ovationné, bien sûr, par le public du Matthew Atlantique. Il a été buteur encore aujourd'hui, David Tachvili. Il fait toujours de très bons matchs. Il a été remplacé. Et en l'occurrence, c'est qui est rentré? Bah, ça doit être Delaurier Chaubet, hein. Il reste plus que toi en tous les cas. Il reste plus que lui. Bah, du coup, c'est Delaurier Chaubet qui est rentré à la place de David Tachvili. Ah non, c'est. Ok, autant pour moi. C'est Piringel. Piringel qui est rentré. Ouais, je sais pas comment on dit. Piringel, je sais pas du tout comment on dit son nom de famille, par contre. Et c'est lui qui est rentré. Allez, ballon à droite là pour les Bordelais. Bordeaux qui va pouvoir prendre ce ballon avec Michelin justement vers Inatenk où il reste plus que 4 minutes. 3 minutes 30 dans ce match avant la fin. Officiel de match avant les 3 points officiels, on va dire, hein, pour les Bordelais. Alors, Michelin, il aurait pu rester au garage de Benouda. C'est quoi ça? C'est vraiment, les gars, vous me fumez. Vivement ce soir que le LOSC joue contre l'OM vers 21h. Exactement, on suivra ça en live. Badji, la balle de 4-0. Badji, il est passé. Badji vers Pitu. La frappe de Pitu, elle est contrée. Badji, encore une fois, la frappe de Badji, elle est encore contrée. Oh, que c'est dommage. J'avais une balle de 4-0 là pour les Bordelais. Ballon qui ressort comme dans les pieds de Ntimba. Mais c'est récupéré par Laval. Le contre à jouer pour Laval côté droit. Allez, contre à jouer pour les Lavallois. Le ballon le long de la ligne de touche. Sur du coup, une touche à jouer côté gauche pour Bordeaux. Mais là, on voit le. Oh, mais Gregerson, il dort. Hein. La récupération de Gregerson, la transversale de Gregerson vers Badji était belle. Badji qui rate un peu son contrôle. Ouais, vraiment. Badji, on sent qu'il a du mal. Hein. Badji, il est pas à l'aise avec le ballon, il est pas très à l'aise techniquement. Et là, on le voit, il était vraiment, son appel est très bon. Hein. L'appel est très bon, faut le souligner. La passe de Gregerson, elle est magnifique, mais derrière, il tarde trop. Badji. Ah, le voilà, le but de Badji, même si malheureusement, le but est refusé pour une position de hors-jeu. On restera 3-0 pour les Bordelais. Badji qui a été signalé. Enfin, ouais, Badji qui a été servi en profondeur et. Ça joue pas beaucoup. Ça joue pas grand chose cette position d'enjeu, mais il y est. Les amis, ça joue pas grand chose, mais il y est. Donc voilà, Badji avait inscrit ce fameux but. Il avait inscrit le quatrième et il est refusé logiquement pour une position de hors-jeu au début d'action. Hein. C'était Badji hein, qui était hors-jeu. Et il y aura un ballon récupéré par Laval avec un ballon côté gauche vers Gonçalves encore une fois. Allez, ballon pour les Lavallois, ballon côté droit là pour Laval, le contrôle pour Laval, il est beau ce contrôle Lavallois, Laval qui revient peut-être derrière, ouais on est côté droit, le 1-2 bien joué, la défense bordelaise qui est bonne et le centre Lavallois est quand même là, corner à jouer pour Laval, alors qu'il reste 1 minute 30 dans ce match entre Bordeaux et Laval. Merci beaucoup les gars encore pour les 236 likes, merci à tous hein, pour les abonnements, les likes, merci beaucoup. Badji est plus rapide que Ronaldo.
Donc en vrai, maintenant, il faudrait faire le test. Non, et encore, attention les amis, le corner les gars pour Laval. Le beau corner où il y a eu une reprise de volée qui a été tentée là, un espèce de ciseau de la part d'un Lavalois. La frappe pour Laval, elle est contrée par Gregerson. Mais Gregerson, les gars, il est énorme. Hein. Gregerson, il est vraiment énorme. Le contre à jouer avec un ballon côté droit là pour Peringol. Il y aura finalement une touche à jouer pour Laval côté gauche. La touche qui est jouée rapidement, allez, ça joue vite. On sent que Laval a quand même, veut quand même sauver l'honneur pour eux aussi. Hein. Pour eux aussi, les amis, le goal à virage, il peut compter. Pour eux aussi, le goal à virage peut compter. Les ballons pour Laval encore une fois à droite avec Tapoko il est passé. Bordeaux qui tente de le récupérer. Le ballon restera comme dans les pieds des tangos à côté droit toujours. Il y a peut-être un centre, un truc comme ça à tenter pour Laval. Laval qui revient à l'intérieur, c'est bien fait, mais c'est récupéré. Les gars, j'ai parlé Bordeaux, je vais boucher un petit coup les gars rapidement. Clément Michelin, ballon encore une fois dans les pieds de Piringal côté droit le Bordelais. Et il y aura finalement une faute de la part d'un Lavalois sur Piringal. Il y aura du coup un coup franc, je crois, les amis, à jouer pour les Bordelais dans leur camp alors qu'on est dans la fin de match. On va d'ailleurs bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. Bah, on entre à l'instant dans le temps additionnel. Combien est-ce qu'il y aura de temps additionnel, les amis? On va voir ça. Et combien? C'est quoi ça? Je vois pas parce qu'il y a un truc devant. 3 minutes, ok. 3 minutes, les gars, d'arrêt de jeu. 3 minutes. Bah, dans tout le cas, vous l'avez au-dessus de ma tête. 3 minutes, les gars, d'arrêt de jeu. Hop là. Badji a pas d'équilibre, mais Jordan. Bah, ouais, je sais pas ce qui lui manque, mais on a l'impression qu'il tient, il se passe, c'est bizarre. Genre, il a pas la maîtrise du ballon, quoi. De toute façon, avec Alex Pitou qui va s'écrouler. Ballon récupéré par Laval. Le contre à jouer pour les Lavalois. Ballon côté gauche, encore une fois, là pour Laval. Il reste du coup 2 minutes et 30 secondes à jouer dans ce match. 2 minutes 30. Ballon côté droit pour Laval, encore une fois. Les Bordelais qui tentent de revenir tant bien que mal. Est-ce qu'ils vont réussir à garder ce clean sheet ou pas? On verra ça. Le centre là pour les pour Laval. Et c'est vrai qu'on est à 5 likes des 250. Ah, putain, merci beaucoup, hein, vraiment, les gars. On est bientôt au 28-650, ça n'a aucun sens. Franchement, vous pouvez vous mettre des GG, les amis, dans le chat. Allez, ballon pour Barbet encore avec Tom Lacou. Gregerson. Les Bordelais font toujours tourner tranquillement. Il n'y a pas de gros pressing de la part de Laval. On en a passé la première minute du tour à l'Italie. Il en reste du coup plus que deux maintenant. Demain, on sort, tu fais PSG au CERF. Je ne sais pas encore ce que je fais demain, les gars. On en parle si vous voulez après. On va parler un peu de la nationale après. On va parler un peu de ce match, bien sûr. On fera le débrief de ce match. On va parler de la soirée, de la belle soirée que nous allons vivre ensemble. Allez, ballon encore une fois là pour les Bordelais, les amis. Voilà, hein, du coup pour les Bordelais. Oh, attention, parce qu'il y a un ballon côté droit quand même là. Bein Sport était en train de montrer le public absolument extraordinaire. Et là, ils ont tout de suite changé de plan. Et on a vu une attaque bordelaise. Allez, ballon vers Alexis Pitou vers Niatenko. Niatenko, oui, la belle fin de corps d'Niatenko. La frappe d'Niatenko, elle est contrée par un Lavalois. Le ballon qui du coup récupéré par les Tangos. Le contre-jeu, pourquoi pas. Il reste encore une minute dans les arrêts de jeu. Mais c'est vrai que le prochain match que les Bordelais joueront, ce sera à Annecy, au Parc des Sports d'Annecy. Et ce sera vendredi dans une semaine à 21h. Très belle soirée qu'on vivra, bien sûr, tous en live. Attendez, 21h ou 20h45, parce qu'il ne faut pas se faire piéger. Je sais pas si c'est la Nationale qui joue à 20h45 ou la Ligue 2, mais il y a un des deux qui joue à 20h45. Attendez, je vais regarder comme ça on le saura, parce qu'aujourd'hui ça commence à 14h45. Ah bah ce sera 20. Ah non, attendez. Et oui, vendredi, les amis, vendredi dans une semaine, ce sera à 20h45 le multiplex Ligue 2. Le multiplex National sera à 21h, mais la Ligue 2, tous les matchs commenceront à 20h45 dans une semaine. Donc faudra pas se faire piéger, les gars. Faudra pas se faire piéger. Et les amis, c'est terminé. C'est terminé entre Bordeaux et Laval. La victoire sur le score de 3 buts à 0. Une victoire pour le moins écrasante, hein, de la part des Bordelais grâce à un but de Barbet sur un coup franc, un but de David Tachvili, une belle prouesse personnelle, hein, de la part de David Tachvili, et un but de Gregerson, une tête plongeante de Gregerson. Bref, c'est la victoire par excellence bordelaise. 3-0, le clean sheet, tout va bien à Bordeaux en ce moment, et c'est sûrement une montée en Ligue 1 qui semble se profiler. Ça fait un plaisir de revoir les sourires sur les visages des supporters, une belle ambiance ici au Matmut. Vraiment, tout va bien en ce moment ici à Bordeaux. On va pouvoir enchaîner, il reste plus que deux matchs pour les Bordelais qui ont
pourrons bien sûr voir un peu ce que va faire le concurrent Metz ce soir à 19h. On le vivra bien sûr en live sur la chaîne lors du Multiplex Ligue 2. Il y aura un Guingamp Metz. Si Metz peut perdre ou faire match nul, ça forcément que ça arrangerait les Bordelais. Et forcément que pour les Bordelais, ils vont aussi regarder un peu ce que va faire le Havre lundi face à Valenciennes. J'espère que je pourrai le faire aussi en live, on verra ça. Mais en tout cas, belle victoire, 3-0 pour les Bordelais. Pour Laval, forcément que c'est dommage. Quand on regarde le classement Laval pour le maintien, ils vont être inquiétés. Valenciennes qui va jouer lundi, Dijon qui va jouer aujourd'hui face à Nîmes dans le Multiplex. Ça aussi, ça va être intéressant à checker pour les supporters de Laval. Bref, voilà, une belle opération en tout cas pour Bordeaux qui met la pression et sur Metz et sur le Havre, bien évidemment. Les amis, voilà pour le classement à Bordeaux, 69 points, à 4 points devant Metz, à 2 points derrière le Havre, seulement avant que Metz et que le Havre jouent. Il reste du coup plus que 2 matchs à jouer pour les Bordelais, 2 matchs dans un Multiplex du coup à jouer. Et je voulais vous montrer les statistiques, les gars. 58% à 40 de la possession pour Bordeaux, 12 tirs à 13 pour les Tangos. Pour Laval, 4 tirs cadrés à 2 quand même pour Bordeaux et 3 buts à 0. Il y aurait pu, on rappelle, avoir 5-0 hein, pour Bordeaux si Maja avait inscrit ses 2 buts. C'est quand même assez rare dans un match de voir 2 pénaltys loupés. Et pourtant, c'est bien vrai, Maja a loupé 2 pénaltys, les amis. Hein. Maja a quand même loupé 2 pénaltys sur les. Il en a frappé 2, il en a loupé 2. C'est quand même assez incroyable. Voilà les gars, classement, statistique, on va parler un petit peu de ce match, les amis. Mettez-moi vos analyses sur ce match. Comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe bordelaise, cette équipe lavalloise, etc. Je sais pas si vous avez des analyses, on va dire, particulières à mettre. Même si en vrai, je pense qu'il n'y a peut-être pas grand chose à dire. Hein. Forcément, les amis, voilà, on l'a vu sur le terrain, c'était parfait quoi. C'était parfait pour les Bordelais. Le seul problème de Bordeaux, c'est Metz, nouvel Joël. Sauvage a une note trop basse. Ouais, regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi les notes des joueurs. Voilà, Gregerson, il a quand même la meilleure note du match. Hein. Gregerson, en même temps, il a été énorme. Hein. J'ai fait que vous le répéter, vous l'avez bien compris à mon avis. David Tachfield également avec un 8,8. Sauvage, il a 5,3 sur 10. Hein. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment très mal. Bref, voilà en tout cas pour les. Après, voilà, c'est aussi lui qui fait la faute sur le premier penalty. Bon, même si après. Pourtant, Sauvage, il a quand même arrêté un péno et tout. En vrai, ils ont abusé hein, de mettre un 5,3. Parce que certes, il fait une faute, mais derrière, il arrête le péno. Donc en vrai, ils ont abusé, je trouve. Le match était parfait pour les Bordelais, le Ménatan. Bien joué les Bordelais, dommage qu'on n'a pas réussi à mettre un but de Skunking dans la peau d'un supporter de Laval. J'ai mis mon like, les Metz, on compte sur vous pour faire une sous-croûte et vous en prendre 2 ou 3 ce soir. Mais FCGB Forever. Salut mon Joël, comment tu vas? Tu pourrais commenter les 15 dernières minutes de la nationale? Bah en vrai les gars, ouais, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Les amis, on va en parler, on va en parler. Donc du coup les gars, ce soir à 19h, Multiplex Ligue 2 hein, les amis, hein, avec Guingamp, on commencera vers 18h10, 18h20 par là les gars. Avec Guingamp contre Metz notamment, des matchs super importants, et à Saint-Etienne aussi face à Quevilly. Bref, je voulais que je vous dise tous les matchs, Amiens-Caen, Guingamp-Metz, Saint-Etienne-Quevilly, Nîmes contre Dijon, Pau contre Bastia, Niort face à Annecy et Paris FC face à Sochaux. Donc ça, ce sont tous les matchs qui sont dans Multiplex Ligue 2. Je vous mets le Multiplex Ligue 2 les gars dans le chat. Multiplex Ligue 2, je vous mets le lien. On suivra également Lille contre Marseille en Ligue 1 après le Multiplex Ligue 2. Bref, une très très grosse soirée. Donc voilà, je vous mets le lien en message épinglé les gars du Multiplex Ligue 2. Voilà, une défense incroyable, des pistons de qualité. Pour le reste, cela reste d'un niveau moyen. Nous met Xan, ouais, il reste quand même... Voilà, il reste lucide, on va dire, avec ses joueurs. Xan, c'est pas mal aussi, hein, forcément. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que pour moi, Bordeaux a fait quand même un match pratiquement parfait. Effectivement, même ça, il y a toujours des choses à réguler. Hein. C'est toujours important d'appuyer sur les points faibles. Pour toujours, voilà, il y a toujours quelque chose à réguler. Alors, les amis, ce qu'on va pouvoir faire, les gars. Ce qu'on va pouvoir faire, les amis, c'est qu'on va. On va parler justement de Bado. Voilà, ce soir vous avez compris, Multiplex Ligue 2, etc., etc. Et on a Medo qui parle un petit peu dans une semaine. Dans une semaine, les gars, il y aura vendredi soir à 20h45. Le Multiplex Ligue 2 commencera. Je rappelle qu'il reste 2 matchs pour Bordeaux, la 37e et la 38e journée. Ce sera absolument des journées absolument décisives. Alors que là, on voit les Bordelais faire la fête avec leurs supporters. Hein. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Franchement, ça fait plaisir. Mais ouais, du coup, il y aura 2 Multiplex et en même temps. Vendredi, il y aura le Multiplex National qui jouera, sauf que la Nationale, ce sera la dernière journée de Nationale et ce Multiplex commencera à 21h. Ça veut dire qu'on vivra 20 matchs en même temps. On vivra quand même les 10 matchs de Ligue 2 en priorité, hein. On ne les commentera pas les matchs de Nationale, mais juste on regardera les scores, tu vois. Et puisque la Ligue 2 se terminera 15 minutes plus tôt que la Nationale, bah, je pourrais commenter les 15 dernières minutes de la Nationale, puisque la Nationale commencera à 21h. Les 10 matchs commenceront à 21h, les 10 matchs de National et les 10 matchs de Ligue 2 commenceront à 20h45. Donc on pourra commenter les dernières minutes de National et savoir qui sera en Ligue 2 la saison prochaine. Je trouve ça plutôt cool. Sachant qu'en National, en gros, il y a 4 équipes qui peuvent encore aller en Ligue 2. Concarneau et Dunkerque qui ont 59 points. Et le Red Star et Martigues qui en ont 57.
il reste un match. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Donc voilà en tout cas les amis pour tout ça. En ce qui concerne les listes pronos les gars. En ce qui concerne les listes pronos, je sais pas si je peux vous les montrer par contre. Ouais voilà, en gros les listes pronos c'est pas un bug, hein. C'est pas un bug ou quoi que ce soit. Mais en gros c'était prévu, je peux pas vous montrer les listes pronos maintenant. Je pourrais vous les montrer à la fin de Lille-Marseille, je vous montrerai tout. Pas d'inquiétude, mais pour le moment je peux pas vous les montrer parce qu'en gros c'est pas tout moi qui gère les LP. Et celui qui gère les LP d'habitude, bah, il peut pas m'envoyer les dossiers et tout. Donc en gros c'est normal les gars, pas d'inquiétude. Donc bah, on n'a pas de listes pronos à regarder. En tout cas vous savez, hein, tous ceux qui ont pronostiqué 3-0 pour Bordeaux, vous avez 3 points. Tous ceux qui ont pronostiqué une victoire de Bordeaux avec 3 buts d'écart autre que le 3-0, vous avez 2 points. Et tous ceux qui ont parié une victoire bordelaise qui n'était pas 3-0, qui n'était pas une victoire de Bordeaux, 3 buts d'écart, par exemple, je sais pas moi, comme moi, 2-1, 1-0, 2-0, un truc comme ça, vous avez 1 point. En gros c'est ça hein, les amis, le truc. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et donc voilà, quant à nous les gars, on va se retrouver pour le Multiplex League 2. Je vous ai mis le lien dans le chat en message épinglé. Multiplex League 2, j'ai programmé le live à 18h20. Allez, je vais couper la porte en deux. Je vais mettre le début du live à 18h15. On commencera les amis le live à 18h15, soit 45 minutes avant que le Multiplex commence. 18h15, début du Multiplex League 2. Je vous ai mis le lien dans le chat. On vivra aussi Lille-Marseille ce soir. Pour ce qui est des lives de demain, je vous en reparlerai après Lille-Marseille. On aura le temps d'en reparler. Et puis voilà, belle victoire pour les Bordelais, excellente victoire pour les Bordelais. La victoire n'en sera que plus belle, on va dire, si Metz fait un faux pas ou des choses comme ça. Et ça, on vivra tout à l'heure. Merci encore à tous pour le soutien absolument énorme. Je crois que j'ai rien oublié, les amis. Enfin, si, bien sûr, j'attendais la fin du live pour vous remercier encore, hein, vous tous. Merci à tous ceux qui sont encore présents, hein, FCB Forever, Joël, Lefebvre et Joël Kid, parce qu'il y a deux Joël. Merci Busy, merci MX, Medo, Nathan, Shan, Skunk King, Vincente, Winston et Xan. Merci beaucoup les gars, merci encore à Yanis et Medo pour leur don. Merci aussi à Pascal pour le sub top joueur, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup les gars pour l'énorme soutien. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure dans à peu près, ouais, dans à peu près 1h30 quoi, pour le début du Multiplex League 2. Je vous remets le lien dans le chat les gars, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi, à tout à l'heure les amis. Merci pour le live, à tout à l'heure tout le monde. Vive le ballon et bonne chance à vos clubs respectifs de Mexan. Bah voilà, on se quitte sur ce très beau message. Merci beaucoup Darkix également. A tout à l'heure les gars pour le Multiplex League 2. Merci encore, on a dépassé en plus les 250 likes. Putain, on est bientôt 28 150 abonnés. Bref, c'est une dinguerie. Merci beaucoup les gars pour le soutien. A tout à l'heure, reposez-vous bien en attendant, parce que tout à l'heure on enchaînera de 18h15 à 23h. J'espère que je vais penser à manger avant, parce que si je mange pas avant, je risque de pas tenir. Allez bref, on verra bien. Allez les gars, je vous retiens pas plus longtemps. On se dit à tout à l'heure à partir de 18h15 pour un Multiplex qui commence à 19h. Ciao 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 les gars, à tout à l'heure. Merci à tous, ciao.